Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir peut-être si vous nous croisez sur une rediffusion. Bienvenue pour cette nouvelle journée de Proximity Pro League, la 6ème. Le temps passe très vite et on a toujours des aussi belles journées à vous proposer. Et pour cela, pour suivre tout cela, le grand, l'unique Xavier Izzy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très bien et toi? Parfaitement bien, merci. Alors effectivement, je vous l'ai dit, une très belle journée en perspective. On reviendra sur toutes les confrontations tout au long des heures qui vont suivre. Mais avant cela, un petit point peut-être sur le classement général qui nous importe également. Et pour l'instant, on a Genk qui commence doucement à prendre un petit ascendant. Ouais, juste derrière lui, bah, le standard qui est quand même à 11 points, donc juste un point derrière Genk et qui est seul deuxième. Donc au final, c'est quand même deux joueurs qui sont quand même en tête et assez facilement. Puis derrière, quand même 5 joueurs, si je dis pas de bêtises, avec 10 points, donc c'est quand même énormément. Après, voilà, c'est quand même fort serré. Mais par contre, la prochaine rencontre, c'est un match reporté et c'est deux joueurs qui ont 5 points pour le moment, tous les deux. Ouais, on y reviendra. Hein. Et c'est finalement les deux favoris, hein, Genk standard, enfin deux parmi les grands favoris, Gilles Bernard et Quentin Van de Wattin, deux joueurs qu'on attendait dans ces positions qui pour l'instant les occupent. Et on notera aussi quelques petites difficultés supplémentaires pour des équipes comme Malines, comme l'Antwerp, ouais. Même s'il s'est un petit peu, j'insiste, un petit peu rassuré durant la journée précédente. Ce sont des équipes qu'il faudra suivre avec attention durant la suite de la compétition pour voir s'ils peuvent par exemple revenir dans ce top 8. Mais tu l'as dit, un match qui a été postposé de la semaine passée, un match qu'on attendait, que j'attendais particulièrement, un match francophone, ouais, malgré que les deux équipes ne le soient pas nécessairement, Xavier. Ouais, c'est vrai que c'est deux joueurs francophones et deux joueurs, je pense, qui peuvent nous proposer un bon spectacle. Là d'un côté, Ardixa pour le compte de Saint-Tron, qui fait quand même pas une mauvaise saison non plus pour le moment, après seulement 5 journées, et Didista du côté de Charleroi. Charleroi qui s'est bien rattrapé. Mais c'était son remplaçant qui jouait, donc il faudra voir aujourd'hui de quoi Didista est capable. C'est clair, c'était Nathan Bonafini NB qui avait joué les derniers matchs de la part de Charleroi. Et s'il est de retour, peut-être plus en forme également. Oui. Une pause qui n'avait évidemment pas été choisie, hein, qui a été pour cause de Covid. Donc on espère qu'il est bien de retour et qu'il va pouvoir se motiver face à lui, tu l'as dit, Ardixa. Un joueur qui n'a pas eu des confrontations très faciles jusque maintenant. Ouais. Hein, pas mal de ténors à affronter dès le début de la compétition. Et il a malgré tout bien tenu. Alors certes, au niveau des points, il est pour l'instant 11e. Mais vu les joueurs qu'il a affrontés, finalement, c'est peut-être pas un si mauvais classement que ça. Non, au final, c'est vrai qu'il a pas eu un calendrier très simple. Il a déjà joué le club de Bruges, par exemple, entre autres. Donc rien que ça, déjà, c'est pas évident. Ouais, tout à fait. Après, il y a des nuances à apporter. On pense notamment au 0-0 contre l'Antwerp. L'Antwerp qui est assez bas dans le classement général, mais dont on connaît les qualités. Donc finalement, c'est même pas. On peut pas considérer que c'est un adversaire facile malgré tout. Y a-t-il vraiment des adversaires faciles d'ailleurs dans cette compétition? Je ne pense pas. C'est probablement le souci majeur de la compète. Voilà, après, si les deux joueurs sont en train de se préparer, donc le match ne devrait pas tarder à débuter. Tout à fait. T'as peut-être un petit pronostic pour ce match francophone? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Didista depuis un moment maintenant. On ne sait pas s'il a pu vraiment se recentrer sur le jeu, mais au vu de ce qu'on a vu précédemment, je dirais Ardixa par légèrement favori. Ouais, je pense que c'est vrai que sur papier, Ardixa est un peu favori. Après, voilà, un match n'est pas l'autre, donc pourquoi pas une surprise sur le Charleroi. Tout à fait. Voilà, de voir si les pronostics seront respectés. Attention quand même que malgré tout, deux joueurs qui se connaissent très bien. Donc ça annule un peu les pronostics en général quand on connaît bien le style de jeu de l'adversaire. C'est vrai. On a moins cet effet de surprise. Au niveau des joueurs, on devrait pas avoir de grandes différences, hein, par rapport à la journée précédente. Donc quoi qu'il arrive, plus le temps passe aussi, plus on voit les mêmes équipes, même s'il y a quelques changements au début. Petit à petit, on voit quand même qu'il y a certains joueurs qui sont plus efficaces et moins de surprises dans les compos. Tout à fait, De Bruyne avec Jonathan David qui vient chercher un léger appui de Koita récupéré par Mele et Luki Bakio. Bah justement, Luki Bakio, c'est un des joueurs qu'on voit rarement mais qui est tout à fait jouable. Ouais, ça a des petits nouveaux. C'est vrai qu'au début de la compétition, on le voyait pas trop. Un joueur qu'on voit maintenant quasiment, je dirais même tout le temps, c'est Hazard. Hein. Oui. Oui, c'est là. Hazard, justement, Hazard qui peut peut-être déjà armer une frappe. Il va rentrer dans ce rectangle et conserver ce ballon, tenter une frappe croisée. Il n'a pas voulu jouer la passe, il n'a pas été vraiment mis en danger dans le rectangle par Saint-Tron. Oui. Par contre, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas rappelé en début de match, mais Ardixa a représenté Charleroi il y a quelques années. C'est vrai que j'ai oublié, alors que ça aurait pu être une très belle manière d'introduire ce match. Peut-être aussi parce que vu que c'est le premier match de la journée, on a d'autres priorités. Ouais. Attention à Mertens ici avec De Bruyne encore sur David, ça récupère. C'est pas terminé, il va rentrer dans la surface de réparation à nouveau. Cette passe en profondeur malheureusement un peu trop longue. Je pense qu'elle a même été mise à mal par la position d'un défenseur. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne passe. Après voilà, il a essayé. On voit que les deux joueurs ont quand même envie d'inscrire un petit but et ils jouent offensivement. Hazard qui déborde bien. Ça prend du rectangle ici, il va se retourner.
être bien défendu là en l'occurrence par Saint-Tron qui bloque les opportunités en retrait, mais ça s'est bien vu de la part de Didista sur le Québécois. Un très bon début de match, il manquera un petit peu de précision. Oui, c'est ça. Comme ses premiers matchs au début de compétition aussi, on voyait qu'il se créait énormément d'occasions, mais il n'arrivait pas à les mettre au fond. C'est clair. J'espère pour lui que ça va pas encore être le cas aujourd'hui. C'est clair et net. Tillmans. Tillmans encore sur David. David, cette petite profondeur, j'insiste, petite profondeur. Avec Tillmans maintenant, Mertens. Mertens se retourne bien, mais il est en position d'hors-jeu. Pile sur le rectangle. Ouais, mais je pense qu'il est hors-jeu vraiment à peine. Hein. Il devait pas être. Pas loin. Il devait pas être un grand hors-jeu. Clairement. Witzel. Witzel pour Miel. Ouais, Witzel, il a plus, on le voit pas non plus. Mais j'étais en train de me faire cette réflexion tout doucement dans la tête. Hasard. Parce qu'en fait, Witzel, c'est un joueur qu'on a. Donc, allez. Ça ne me choque pas de citer Witzel, parce qu'on aurait pu s'y attendre. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit, qu'on le commente en tout cas. C'est ça. C'est vrai que j'ai même pas tilté. Trop d'habitude de voir Axel Witzel. Enfin, pas dans le jeu spécialement, mais de manière générale dans la vie de tous les joueurs. De Bruyne, Mertens. David. Et on revient à droite, bien vu, sur Koita. Et Kayembe qui vient récupérer. On sait qu'il y a Koita, mais c'est qui le deuxième joueur de Saint-Tron? Ah, c'est Kakassé. Oui, okay. C'est ça. Le défenseur latéral gauche. Ok. On l'a pas cité jusqu'à maintenant. De Bruyne, la petite feinte et Atal qui vient tacler avec brio. Plus des 10 minutes qui ont suivi les 10 premières sont un peu plus compliquées. Ouais. On voit pas forcément de grosses possessions. Les joueurs regardent pas forcément longtemps le ballon. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'occasion aussi. Pour l'instant, c'est un match tout à fait qualitatif hein, à mes yeux. Effort ouvert avec beaucoup de, je vais dire, pertes de balles, mais si des pertes de balles assez rapides quand même. Ouais, une volonté d'aller de l'avant de manière générale. Et de créer le décalage et d'essayer d'inscrire un but rapidement en prenant peut-être des risques dans certaines passes. Tout à fait. David peut lancer en profondeur. Ah, je pense pas que c'était De Bruyne qui voulait aller chercher. On revient sur Bamba. Bien vu, on temporise sur cette aile. On va devoir revenir en arrière. On n'a pas trop d'autres possibilités qu'à casser. Théâtre, une demi-heure. Et maintenant Atal qui revient sur Tillmans. Atal à nouveau et à droite, c'est bien vu sur Koita. On va chercher De Bruyne. Et ça joue vite, hein. Ça joue plutôt vite au niveau des passes. Mertens encore. Et finalement, c'est KMB qui fait son travail défensif. Ah, je pense qu'il a bien joué en voulant accélérer le jeu. C'est quand il a pris le ballon avec Mertens, il a peut-être un petit peu trop traîné. C'était peut-être un petit peu trop lent à ce niveau-là. Une bonne séquence, hein, de manière générale, quand même, de Saint-Tron. Ça va lui faire probablement un peu de bien aussi au niveau du mental. Première vraie bonne séquence. Hazard pour Openda. La frappe d'Openda et le gardien qui se trouve. Et on s'excuse du côté de Didista, qui finalement, pour une fois, n'est pas celui qui est mis à mal par la réussite. Ouais, c'est vrai, il a un peu de réussite sur cela et il s'excuse directement, donc c'est très fair play de sa part. Mais ça fait un 0 pour Charleroi. C'est clair. Après, si on voit les occasions pour l'instant dans ce match pour Charleroi, on aurait pu anticiper qu'à un moment ou un autre, ce but file au fond du filet, mais on aurait espéré un but un peu plus mérité, qualitatif dans son action. Ouais. C'est vrai qu'on disait que Charleroi n'avait pas forcément fait un bon début de saison, mais au final, s'il va chercher les 3 points aujourd'hui, enfin un joueur ou l'autre, celui qui va chercher les 3 points intégrera le top 8. Il sera 8ème, donc au final, c'est pas non plus un début de saison aussi catastrophique que cela. Ouais, c'était vraiment juste Didista qui a fait un mauvais début de saison et NB est bien venu rattraper derrière. Et s'il parvient à conserver ce score et continuer d'imposer un petit peu une certaine domination, il pourrait potentiellement recréer du danger. On sait que c'est quand même un joueur qui a fini dans le top 8 l'année précédente, même encore mieux. Je me souviens juste pas de son classement exact. Il va être top 3, non? J'ai un doute. En tout cas, il était en demi-finale. Oui, c'est ça. Ça suffit déjà amplement à. En éliminant le standard en quart. De peu, hein. C'était 8-8 et il a fallu le jouer en or. Quel match d'ailleurs, j'en ai encore de très bons souvenirs. Il y a eu plus de difficultés en demi-finale, il s'était fait battre. Koita toujours sur les droites, revient en retrait sur Atal. Après, c'est un petit peu par Zarouri, mais sans grand danger. Tillmans, on va changer d'aile. Ah, bien vu là, très très bien vu, ça joue vite avec David. Jonathan David. Il y a beaucoup de défenseurs, c'est dur de trouver de l'espace vraiment. Des deux côtés, on a des défenses très compactes. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer d'accélérer le jeu un peu plus, parce qu'à partir du moment où tu chipotes un petit peu devant le rectangle, tout le bloc adverse est regroupé et après pour trouver la faille c'est très très compliqué. Ouais, absolument.
Absolument, absolument, on a vu hein, fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, une victoire 1 but à 0 pour Charleroi. Pau de Desta face à Radixa. Après, c'est un score, je vais pas dire logique, mais ça aurait pu être 0-0, 1-1, 1-0, ça aurait pu être un score franc. Les deux équipes, voilà, ils se sont créés des occasions, ils auraient pu inscrire un but. Enfin, ici, c'est tombé du côté de Charleroi, donc c'est lui qui mène. Mais un 0-0, ça aurait pas été choquant non plus. Et à l'inverse, Saint-Étienne qui mène un 0 aussi, ça aurait pu être probable. La nuance se trouve peut-être dans le fait qu'on a, on a plus tiré hein, du côté de Delista. On a eu plus d'occasions que je vais qualifier de franches, alors que du côté d'Artixa, on a montré de belles choses, mais on a eu du mal à trouver la possibilité d'armer une frappe à la fin. C'est ce qui manque encore dans son jeu là actuellement. Il reste une mi-temps pour essayer de changer ça. Ou tu sais, avec une peut-être carte à 87 hein, quand même. Oui. Ce n'est pas rien. Non, c'est une belle carte, c'est vrai qu'on l'utilise pas trop, parce que c'est vrai qu'il joue en Bundesliga, donc ouais, avec Luke Bakio, ça fait un lien, C'est logique. mais à part lui, il n'y en a pas beaucoup. Après, sachant qu'on veut jouer de la Serie A en dessous, si on refuse du coup en l'occurrence de jouer Mertens, c'est vrai que ça a du sens de créer Voilà. vraiment un décalage total. Voilà. Après, c'est vrai qu'il a aussi vu que les Belges peuvent jouer aussi avec le lien avec Arthur Théâtre aussi, qui est belge en dessous de lui en défense centrale. Tout à fait, mais là ce n'a pas été choisi, il me semble que c'est Koulibaly qui est juste en dessous de lui. Hein? Et mets-le à droite. Pardon. De Bruyne. Atal. Montée de Traoré à la place de Kaka. C'est tous les changements assez évidents. Hein. David à la place de KNB, Atal à la place de Zaruri. Tous les joueurs de club qui sont en train de s'effacer. C'est vrai que de plus en plus, on les voit juste jouer 45 minutes, ces joueurs-là. Alors qu'au Absolument. début de la compétition, on les voyait peut-être jouer un petit peu plus, hein. C'est vrai. Les une ou deux premières journées. Très vrai. Ok, Bakio. Ok, Bakio. Ouais, c'est une tentative assez un peu trop hasardeuse à mon goût, Oui. Xavier. Ouais, pas forcément. Enfin, voilà. C'est une prise de risque, hein. En soi, si elle paye, on dit que c'est beau, mais malheureusement, il y a quand même peu de chances que ça passe. Voilà, le défenseur était bien placé, hein. Mertens. De Bruyne. De Bruyne sur David et il se fait prendre le ballon par Koulibaly. Et là, il y a une opportunité de profondeur assez exceptionnelle. C'est très bien défendu par Atal hein, qui a pris beaucoup de risques en sortant de sa position. Heureusement qu'il a su récupérer le ballon. Ça, par contre, c'est un ballon donné à l'adversaire. Et c'est peut-être là-dessus qu'Ardixa va aller pouvoir placer une occasion franche qu'on attend d'ailleurs depuis le début de ce match. Mertens et oh non, ça, par contre, là, il n'y a vraiment pas de réussite. Hein. Ouais, c'est vrai que la passe est un petit peu trop longue. Il a fait ce qu'il devait, c'est juste que voilà, le jeu a décidé que la passe sera un peu trop longue, malheureusement pour lui. Ça me paraît bizarre. Est-ce que du coup, est-ce que c'est lié au fait qu'on est. On sait même pas si c'est la position X ou triangle. Enfin, tu comprends? Est-ce que c'était une passe Ouais. en profondeur et que ça explique? Non, je pense qu'il a fait une passe, mais malheureusement, toutes les passes n'ont pas 100% de réussite, sinon bah, ça serait trop simple. Quel dommage. David, petite profondeur justement pour Hazard et Bamba vient reprendre ce ballon. Faut rester concentré hein, du côté de Saint-Tron maintenant. Pas se laisser avoir. Luke Bakio. David. Et il ne peut pas donner la passe ici. Il va devoir temporiser. Attendre un appui. C'est très bien vu sur De Bruyne. De Bruyne encore sur Hazard. C'est bien vu encore. Openda. La frappe d'Openda. Finalement arrêtée. Et Courtois va venir reprendre ce ballon en sortant de ses cages. Ah si, c'était quand même une grosse occasion côté Charleroi, on aurait peut-être pu voir même le 0-2. Ouais, absolument. Absolument, absolument. Charleroi toujours aussi bon offensivement. Hein. C'est peut-être défensivement qu'il y a plus de lacunes. Et encore là, j'ai l'impression que ça va, mais on s'est fait peur il y a de cela quelques minutes. Mais au final, les lacunes défensives, c'était déjà la saison dernière du Charleroi. Offensivement très très fort, défensivement un peu moins bon. Mais voilà, chaque joueur a ses points forts, ses points faibles. Bien sûr. Hein. Mais cette saison, ça va encore, je trouve. Oui, c'est juste que début de saison, il n'a vraiment pas eu de chance, pas de réussite en attaque. Donc malheureusement, il subissait des défaites, mais les occasions, il les avait. C'est vrai. La seule fois où on l'a vu vraiment en difficulté défensivement, c'était je crois que c'était face à Eupen. Oui, c'est ça. Où là c'était vraiment compliqué. C'est là-dessus d'ailleurs qu'il s'est pris une différence de but assez phénoménale. Pour le reste, cette défense reste assez tenace et peut-être va-t-elle être mise à mal ici sur David. Avec Hazard encore, il peut pas frapper. Très belle passe et quel arrêt de Thibaut Courtois. Ah, quelle belle occasion de la part de Saint-Tron. Ouais, surtout que Zartron il fait tout ce qu'il faut, fait même la passe en retrait après, il a plus qu'à finir, sauf que bah, malheureusement son attaquant tire sur Thibaut Courtois. Ah, c'était très très bien vu, hein. Théâtre pour Hazard. Est-ce qu'il va tenter de déborder? Non, encore une passe un petit peu imprécise, c'est la deuxième qu'on remarque. Hazard. Il revient sur De Bruyne. Plus que 21 minutes, ça veut dire qu'on devrait approcher tout doucement des moments des changements tactiques importants du côté de notamment Saint-Tron, qui devrait vouloir jouer un jeu résolument plus offensif. En tout cas, il doit revenir au score.
parce que pour lui, quand il arrive une défaite, ben, c'est un mauvais résultat. Un match nul, c'est quand même pas fameux non plus, donc il doit inscrire des buts, donc on devrait voir des forcements assez offensifs. Pardon. Attal, Théat, De Bruyne. Et on fait tourner dans ce triangle pour l'instant. Sur l'aile gauche, c'est une temporisation qui pouvait être tout à fait légitime, surtout qu'on est en train de mener, hein, je vous rappelle, un but à zéro. Il reste un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Et le pressing commence à sérieusement augmenter. Oui. De Bruyne, attention De Bruyne dans la surface de réparation, il va rentrer. Et cette passe en retrait bien arrêtée par Denayer. Non, plus le pressing de Satron sera important, plus il y aura de l'espace dans le dos des défenseurs pour faire le roi. Absolument. Denayer, c'est d'ailleurs qui dénote un peu, hein, par rapport aux autres notes des joueurs maintenant. On sait qu'il n'a pas de carte spécialement très très évoluée, il est toujours à 80 il me semble. Oui. Donc Denayer qui dénote un petit peu, est-ce qu'il est toujours aussi viable, tu penses, oui, Xavier ? Il est quand même fort rapide, hein, donc il y a moyen de jouer avec. Ça reste efficace. Voilà. On a, j'allais dire, la formation de sapin de Noël préparée du côté de Saint-Tron. C'est pas exactement celle-là, mais ça y ressemble aussi. Montée de Chong, hein. Il nous avait manqué lui d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Ça fait longtemps. On sait qu'il est un peu, j'ai bien dit un peu moins joué maintenant que d'autres possibilités sont apportées par la mise à jour, ouais. Tout simplement. Mais on le voit quand même souvent rentrer quand même. Ouah, quelle passe magnifique, Mertens, il est parti. Mertens face à Attal, et quelle remontée d'Attal, on l'a un peu trop temporisé. Malheureusement, on a pris un peu trop de temps, on aurait pu continuer cette course à vive allure. Ouais, c'est une grosse occasion, il va peut-être s'en vouloir de l'avoir raté. Ah, ça c'est clair, 78e minute de jeu, encore une fois une passe très très belle, Mertens, la tentative de lob sur Thibaut Courtois. J'ai l'impression qu'on fait pas spécialement les meilleurs choix face au but. Le problème c'est que ça nous arrive souvent. Face à Courtois, les lobes c'est vraiment très très compliqué de les passer, sauf que t'es devant le gardien. Attention, je ne peux pas t'interrompre parce que là c'est dangereux encore une fois. Bamba, la passe en retrait, Mertens. Le but, et c'est vraiment mérité, ouais. On peut le dire par rapport à cette fin de match, 1-1. Un score tout à fait logique, très beau but de Dries Mertens. Ouais, très très beau but, on le sentait finir. Hein. Il y a 2-3 occasions très très franches, donc le but il le mérite. Ouais, c'est plus que logique, hein. Tu nous parlais des lobes sur Courtois, Xavier. En fait, le souci, c'est qu'il est tellement grand que c'est très très rare de réussir à en passer. Tu sais que sur d'autres gardiens, ça passe, mais quand tu es dans cette situation-là, tu réfléchis à l'action que tu vas réaliser et pas forcément au joueur que tu as en face. Bien sûr. Tu penses à la limite à ton propre joueur pour définir tes qualités de frappe, mais c'est rare de penser au gardien de but adverse, ça c'est clair et net. Pas encore terminé, parce que si Saint-Tron réussit à continuer d'asseoir cette domination qu'il impose depuis maintenant, quand même quelques minutes. Hein. Oui. Je pense que ça pourrait très très bien finir en 2-1. On s'en rapproche plus en tout cas que du côté adverse. Ouais, tout dépendra en fait de l'attitude des deux joueurs, s'ils se satisfont d'un match nul ou s'ils veulent vraiment aller chercher la victoire. Je pense que du côté de Saint-Tron, ça sera moins dérangeant de se satisfaire d'un match nul, dans le sens où on revient d'une quasi-défaite là à cet instant. C'est ça. Hazard dans la surface. Il va revenir en arrière et temporiser face à Mélo Carrasco qui essaie de couper les lignes de passe en retrait. Ça n'aura pas été totalement possible. Attal. Charleroi n'est clairement pas porté vers une volonté d'aller chercher. Quoique, oui, c'est la récupération. La dernière occasion sera peut-être pour les Carolo. Quoique, c'est Chong qui récupère. Encore une fois, Carrasco derrière. Il faut se lancer assez rapidement. David, c'est pas terminé. La belle passe, la très belle passe en profondeur. C'est pas terminé. Openda, la frappe d'Openda. Arrêté par Thibaut Courtois. Ah, c'était très 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 chaud comme fin de match, on a failli réussir à changer la donne, mais on restera donc sur un match nul, 1-1, Xavier. Oui, un score très logique au vu du match. On a vu des occasions, beaucoup d'occasions des deux côtés, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à se départager. Absolument, absolument très 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 belle confrontation même, on peut le dire, avec deux joueurs qui nous ont offert du beau jeu. Alors oui. On pourrait se dire au vu du score que c'était pas non plus le match avec le plus d'occasions, mais pourtant moi j'ai trouvé qu'il y avait une certaine intensité. Ouais, puis c'était un match ouvert, c'était pas deux joueurs qui étaient juste là pour essayer de gérer le score et tout ça, ils ont essayé de se créer des occasions, ils calculaient pas trop, donc c'est ça qui était bien. Exactement. Et c'est aussi peut-être le milieu de compétition qui engendre ça. On a passé le début, donc on est un peu moins stressé. Et on n'est pas non plus à la fin où chaque petit point peut nous stresser. On est vraiment en plein centre. Donc ça explique peut-être la performance de ces deux joueurs. Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu rassurant pour Delista ? Alors, on n'a pas vu au meilleur de sa forme non plus. On aurait pu s'attendre encore un petit peu mieux. Mais on a vu un mieux, oui, par rapport aux deux premières journées. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Donc je pense que c'est une bonne piste du côté de Charleroi pour continuer sur cet ascendant. Et du côté d'Ardixa, on stabilise sur des matchs nuls. Hein. Malheureusement, ça devient aussi une certaine marque de fabrique. Enfin, on a
disons, quelques difficultés à aller chercher autant de points qu'on le voudrait, mais je suis assez convaincu par son niveau de jeu pour l'instant dans cette compétition. Oui, Clarif, il n'est pas forcément décroché par rapport au top 8, donc une victoire et peut vite remonter aussi. Absolument. Trois matchs, donc je vous le répète, de manière générale. C'était le match posposé de la semaine précédente. Les deux étaient à 5 points, ils sont maintenant à 6 points. Et on reviendra sur tout ça, évidemment, pour le prochain match qui, lui, est bien de cette journée. On se retrouve tout de suite. Alors, je vous l'ai dit, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet de cette journée numéro 6, avec quand même un détail à ajouter, c'est que Eupen également avait un match postposé, ça veut dire qu'il est à 4 matchs et Anderlecht 5, mais il y a quand même une certaine différence malgré tout. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de 6 points entre les deux joueurs, donc c'est quand même une grosse différence à l'heure actuelle. Maintenant, après, si ici Eupen s'impose, bah, il n'y aura plus que 3 points et un match de retard, donc il peut rattraper son retard. Absolument, ça va être intéressant de suivre tout cela. Enfin, vous allez me dire, à chaque fois, je trouve tous les matchs intéressants de toute façon, donc je suis même pas objectif, mais j'espère que vous le trouverez tout aussi intéressant que je le pense. Deux joueurs à nouveau francophones, bien qu'on connaisse les qualités en néerlandais de Zakaria Ventato, donc là n'est pas la question. Deux joueurs qu'on connaît bien, tout du moins sur la scène, deux joueurs qui se sont déjà affrontés, et deux joueurs qui, même si du côté du League se représente Eupen, ont l'habitude de faire des tournois notamment à Bruxelles. Oui, c'est vrai que c'est deux joueurs qui se connaissent bien, qui s'affrontent assez souvent lors des différentes compétitions, donc je pense qu'ils vont pas forcément être surpris par leur adversaire. Maintenant, c'est peut-être à eux de trouver la faille, justement, pour, comme je l'ai dit, même s'ils se connaissent, réussir à surprendre l'autre. Ouais, ça va être assez intéressant et assez important aussi pour créer vraiment le décalage. On sait que ce sont deux joueurs assez éclairs, justement, hein. Pas de la même manière, mais les deux ont des petits éclairs de génie, des petits coups de maître qu'ils essayeront de mettre en avant et dont ils essayeront de profiter finalement pour aller inscrire ses buts. Je pense que c'est une bonne manière finalement d'introduire ce match. Je pense qu'on aura du très très bon niveau, pas mal d'intensité. Après, c'est pas spécialement le type d'intensité dans le sens où, comment dire... Moi, je pense que le match va être peut-être un peu plus fermé que le match précédent, mais ça peut être un match très intéressant avec pas mal de niveaux. C'est ça, je pense qu'il va y avoir surtout des gros décalages en fait. Voilà. Des moments comme ça où ça va partir dans tous les sens et on n'arrivera pas spécialement à l'anticiper. En tout cas, c'est mon pronostic. Au niveau purement équipe, on sait que du côté d'Anderlecht, on a cette... différence par rapport aux autres, c'est qu'on joue Benitoraman, hein. Je pense que c'est toujours le cas, qui est à peu près un des seuls joueurs de club qui n'est pas aligné du coup en latéral. Ouais. Et c'est assez intéressant aussi à analyser, parce que ça a des influences sur le jeu finalement. C'est ça. Mais bon, même s'il vous rentre 45 minutes, faut quand même le prendre en considération. Tout à fait. Et on est reparti directement ce match lancé par Anderlecht. Engagement pour les mauves. Avec Attal, porteur de ce ballon sur la droite, revient vers Denayer, également choisi, hein, comme quoi Denayer est vraiment, vraiment apprécié, notamment pour faire le lien souvent avec maintenant du coup Théâtre. Et Attal en fait, il fait vraiment le lien entre les deux, c'est ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire, donc c'est pour ça qu'il est préféré dans certaines compos. Un choix de positionnement, Amouzou pour Fellaini. Amouzou étant le deuxième joueur, évidemment, avec toi aligné, De Bruyne, David, bien vu, avec Hazard, ça joue très très vite, Mertens, la frappe de Mertens. Et il aura fallu l'appui de Mele et de Théâtre pour que Courtois récupère ce ballon, ça commence très très vite pour Anderlecht. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas très loin du premier but. Hein. Et on va récupérer immédiatement ce ballon, début de match qui est légèrement à l'avantage des mots, il va falloir voir ça sur un peu plus de long terme. Ouais, après 5 minutes, on a l'impression qu'Anderlecht veut vraiment prendre le jeu à son compte et imposer son style. Fellaini. C'est bien dit ça, imposer son style. Ouais. Félicitations pour cette formulation, Xavier. Fellaini, Amouzou pour David, c'est très bien réalisé. Encore une fois, Mertens, la fin de Mertens, Roquette à la frappe et le poteau. Oh, ça aurait pu être un des plus hauts buts de cette semaine et peut-être même de cette compétition. Il était passé entre les mailles du filet. Ouais. Et pour le moment, franchement, Eupen peut s'estimer heureux de ne pas avoir encaissé de but parce qu'il y a eu deux grosses occasions côté Anderlecht, mais il n'a pas réussi à en mettre une seule. Et on n'arrive pas à construire directement derrière. Quel début de match, hein. Attention, Osimhen. Ah, intéressant aussi oui. De jouer Osimhen. Hazard, Liam, avec De Bruyne. On sert aux abords de ce rectangle et on fait un peu la même. Si tu te souviens de la passe d'Ardixa durant le match précédent. Ouais. C'est vrai qu'Osimhen, il fait le lien avec Koulibaly, avec Mertens. Son seul petit problème, c'est qu'il a que 3 étoiles de geste technique. Donc on est un peu limité, mais bon, après, devant le but, c'est pas il est quand même fort. Bah, si on l'utilise en tant que véritable buteur, c'est rare de devoir vraiment utiliser des gestes techniques. Hein. C'est ça.
On lui donne le ballon, il tire. Globalement, c'est ce qu'il doit faire. Et courir vite pour prendre le ballon. Ça, il sait faire. Ça, il sait faire. Fellaini, Théâtre, Atal. Quel beau début de match pour l'instant. Une pause qui a été demandée d'ailleurs par Ulix. Peut-être pour faire déjà un ou deux changements stratégiques. De Bruyne. De Bruyne pour Mertens. Mertens encore. C'est bien vu pour De Bruyne à nouveau. Attention à ne pas perdre ce ballon dans ce rectangle. On est très bien positionné, on arrive à bien gérer. Malheureusement, ce ballon sort un petit peu des pieds. Je crois que ça devait être Amouzou qui a tenté le geste technique. Hein. C'est vrai que depuis les deux premières occasions, ça a un petit peu calmé niveau occasion en France. Thiago pour Osimhen, à nouveau avec Hazard. Hazard le débordement. Et il se retourne. Et va temporiser à nouveau pour rechercher Thiago, pour rechercher Hazard. Avec l'appui d'Osimhen, c'est Fellaini qui vient récupérer le tacle, ou du moins l'interception de la part de Victor Osimhen. J'ai l'impression de ne citer que ce joueur pour l'instant du côté de Penn. C'est vrai qu'il a l'air très très important dans l'effectif. Et il a encore le ballon. Hein. Il a encore le ballon. Là, malheureusement, il va le donner à Fellaini. Et ça va permettre la récupération de l'Ectoise. David Amouzou. Hazard. Et à la droite. C'est bien débordé. Du coup, ça veut dire qu'on laisse un petit peu d'espace avec cette défense à 3 derrière. Il faudrait pas perdre le ballon comme on est en train de le faire maintenant avec Hazard. Ça peut potentiellement créer des décalages. On sait qu'on va perdre un défenseur. Heureusement, on a une très très belle remontée. Non, parce que c'est vrai qu'Atal, il est tellement offensif. Il est souvent à l'avant. C'est bien, il apporte le surnombre. Mais après, dès qu'on perd le ballon, le temps qu'il se replace, il y a de l'espace. Hein. C'est compliqué. Oh, la vitesse d'Osimhen, on en parlait de la vitesse d'Osimhen. La passe en retrait très bien anticipée par Anderlecht. Malheureusement, on rend ce ballon à l'adversaire. Et ce but de peine, un but à 0. 27ème minute de jeu. Le coup de pied dans le poteau de corner et c'est qui d'autre finalement? C'est ça. Qui d'autre que Osimhen pour aller marquer ce but? C'est vrai qu'il a eu un peu de réussite avec le ballon qui revient, mais pour moi, avant d'essayer la passe, je pense qu'il doit essayer une frappe croisée directement. Il fait peut-être le mauvais choix, mais heureusement pour lui, le ballon revient dans ses pieds et après, ben, il conclut très bien. Il conclut très 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 bien. De quoi être content, on peut le dire, au vu de la physionomie du match jusqu'ici, où Anderlecht avait proposé un jeu très qualitatif. Oui. Amouzou, Hazard et maintenant De Bruyne, un but à 0 donc à l'issue de cette première demi-heure quasiment, et je pense qu'il y aura encore d'autres buts hein, dont on devra se, j'irais même jusqu'à dire se sustenter. Attention Hazard, la frappe d'Eden Hazard sur Thibaut Courtois. Ben là tu vois, typiquement on aurait pu pour moi faire la passe. Après c'est oui, toujours compliqué hein. C'est toujours compliqué parce que les deux possibilités sont données, ça dépend de la défense adverse. L'occasion est tellement grande que pour moi ça rétablit un petit peu la balance, toi, avec le premier goal où il a eu un peu de réussite. Et en parlant d'occasion grande, en voici une deuxième pour Anderlecht, un but à 1. Et finalement, là, ça vient littéralement compenser toutes les occasions de ce match pour l'instant, notamment le poteau qui avait été inscrit dans le tout début, et Eden Hazard, un but à 1. Mais ça, et si Anderlecht est reparti très très vite vers l'avant, il n'a pas trop chipoté, donc directement, ben, la défense de peine n'a pas le temps de se replacer, t'as de l'espace pour conclure. Même nous, on n'a pas le temps d'analyser, hein, donc... Ça fait plaisir de voir Salcari Mentato par rapport aux années précédentes adopter un jeu de plus en plus rapide, hein, j'ai l'impression. De moins en moins faire cette temporisation qui avait tendance à devenir quasiment... Je pense qu'il y a eu le déclic pour se dire qu'il devait adapter un petit peu son style de jeu, pas forcément perdre son identité, mais adapter un petit peu plus son style justement à la nouvelle génération, au nouveau FIFA. Ouais, bien sûr. Mille avec De Bruyne qui récupère et on se relance. Mertens, Hazard... David, et attention à gauche, là on le voit, belle profondeur pour Kevin De Bruyne. Il faut continuer cette course, essayer potentiellement de revenir en arrière avec une passe. On va conserver ce ballon, rentrer dans l'axe et finalement la récupération de peine. On avait une grosse occasion là encore. Hein. Mais... Et Osimhen, il redescend bas quand même sur le terrain. Mais est-il vraiment buteur? On avait l'impression qu'il est peut-être un petit peu plus dans l'entrejeu, toi. Plus en MOC? Voilà, peut-être. C'est possible peut-être avec en première période, hein, et puis après il va repasser dans là, toi. C'est possible, ouais, tout à fait. Ça ne me choque pas non plus de le voir dans cette position. De Bruyne. Enfin, pour que si, en fait. En MOC, il va avoir le problème des facultés techniques. C'est ça. Mais bon, après, ça dépend. Si tu adaptes ton style de jeu, ça peut aller. Il a une bonne note en passe, Osimhen. Courte. Enfin, je pense pas la meilleure. Je pense pas, hein. Pas par cœur, mais ça va pas être la meilleure. Amouzou. De Bruyne. De Bruyne pour Amouzou à nouveau. Et la petite passe vers Fellaini. On déborde, on essaie de presser, ça donne de l'espace et on commence à jouer très très vite. Ça aurait été bien tenté, c'est pas la première fois qu'il le tente. Et la fin de cette première mi-temps, moi je trouve que c'est un score tout à fait logique. Oui, il y a eu des occasions très très franches de côté, ça aurait pu être 2-2 aussi en soi. Ouais, mais le match nul à la mi-temps est un score assez logique.
est normal. Je pense même que 2-2 aurait été plus logique. Ça aurait pu être 2-1 aussi, évidemment. Ça dépend de qui aurait eu le plus de réalisme, le plus de réussite. Mais 1-0, ça me semblait un peu faible en termes de buts marqués par rapport ouais, aux occasions. vrai, je pense qu'au vu des occasions de côté, aucun des deux joueurs ne mérite vraiment d'avoir l'avantage à la fin de la première période. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, à la limite, si je le donnais un léger avantage, je le donnerais en Anderlecht. Ouais, peut-être. Au vu de la performance générale, ça reste très léger. Sardella qui a 67 de général, c'est vraiment très bas. Hein. Ça doit pas être facile spécialement jouer. En tout cas, il y a moyen de très 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 facilement profiter de cet élément un peu plus faible. Après, l'avantage, c'est qu'il est jeune. Il y a Chong qui va rentrer côté Benoît. Ça ne donne jamais vraiment. Chong qui va être placé en BU dans un 4-3-3 potentiellement plus tard. Là, il est en défensif Ulix pour l'instant. 1 but à 1. Donc, le lancement de cette seconde mi-temps. Et on attend de voir ce que ça va donner. Montée de Milinkovic-Savic. En l'occurrence, il y a dû avoir un changement de formation. Ah non, Traoré monte à la place d'Amouzou aussi. Oui. Intéressant. C'est vrai que Milinkovic-Savic, c'est le joueur qu'on voit de temps en temps. Pas énormément, mais c'est vrai que de temps en temps, on le voit quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être un peu difficile à placer. Oui. Il n'a que son championnat qui peut être à la limite un peu intéressant. Diatta, attention, attention à Diatta, attention à Diatta. L'air de rien qui avance très vite avec De Bruyne. Et Chong, quelle prouesse technique pour se sortir de ce pressing défensif qui était pourtant très très bon du côté anderlechtois. Très très bien joué de la part du Lixin. Hazard. Et Chong. Qui là du coup en l'occurrence est défenseur latéral droit. Hein. Ouais. Il est libre et offensif. Pas que offensif, hein, juste libre. Sergei Milinkovic-Savic pour De Bruyne. Et oui, très belle passe en profondeur, ça va jouer de... Ah, franchement, elle était belle quand même, je trouve. Ouais. Elle était quasiment millimétrée. Longue sortie de touche pour De Bruyne. Mille toujours. Et la temporisation. Un but à un maintenant, je vous le rappelle, un point qui permettrait pas grand-chose en réalité à ces deux équipes. Hein. Non. Je pense que ça n'arrange pas forcément grandement ces points. Non, non, tout à fait. Limite Zakaria peut-être un peu plus parce que voilà, il aura quand même déjà 11 points. Il a pas forcément vraiment besoin d'énormément de points. Enfin, tandis qu'Ulix de l'autre côté, il lui faut des points s'il veut viser ce top 8. Après, d'un point de vue mental, on connaît la malédiction des matchs nuls du côté de Zakaria Mentato. C'est plus trop le cas cette année. Si on recommence à en avoir, j'ai peur que ça ait un impact. Oui, c'est vrai. Milinkovic-Savic pour Fellaini. Fellaini Hazard et Eden Hazard encore dans le rectangle. Temporise bien, va chercher Mertens, peut-être se retourne encore une fois. Il s'était plutôt bien tenté. Un ballon qui reste mauve et qui ne le restera pas longtemps finalement. On rend le ballon à l'adversaire. Attention, c'est un peu la même idée que durant le but de Pénois. Attention avec Jonathan David, la frappe de Jonathan David. Arrêté par Thibaut Courtois. Encore on a rapidement joué à la Rémoise pour Mertens. Mertens qui rentre dans le jeu. Mertens encore potentiellement. Pour une tête, ça n'a pas fonctionné. On reste avec un ballon Anderlecht à la croquette à tout. Rien du tout, encore un ballon récupéré par Anderlecht. Hazard, Mertens, c'est à un moment ou un autre, il fallait bien qu'on place un tir. 2 buts à 1 pour Anderlecht. Tous les ballons sont revenus comme aimantés dans leurs pieds. Quand on voyait ce corner, on voyait que le but devait tomber. Le but devait tomber, ça c'est clair et net. La défense a pourtant été loin d'être mauvaise du côté de Penn, mais ça vient encore une fois un peu compenser finalement le premier but marqué par Penn. Oui. On va voir un petit peu la réaction du côté de Penn hein, après ce durant. Bah, on va jouer probablement très offensif. Mais est-ce qu'il va réussir à se créer des occasions? Est-ce que Zach va lui laisser l'opportunité de le faire en fait? Parce que là, on rentre dans les spécialités de Zach. Hein. Voilà. C'est clair qu'aller chercher le ballon lorsqu'il veut faire tourner, c'est compliqué, Jonathan David. Attention, bien vu de la part de Koulibaly. Et là, il faut se relancer assez vite. On a jouer assez offensif. On n'aura pas grand chose de plus que ça en termes d'espace je pense durant tout le long de la fin de ce match. Hazard doit faire peut-être une prouesse individuelle qui va réussir à passer à Tal qui est un peu trop épuisé. Il rentre dans le rectangle, la passe en retrait totalement brouillonne. Oui. De Bruyne. Fellaini. Milinkovic-Savic. Il va revenir en retrait très tranquillement sur Atal pour Théat. Ulix qui va vouloir faire des changements tactiques. Un peu impatient de voir un petit peu ce qu'il va vouloir tenter.
Bah, en anticipons, en changeant de formation, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il tente vraiment le tout pour le tout, genre par exemple 3-5-2, 3-4-3, enfin toi, un truc vraiment vraiment offensif, ou bien un truc, on va dire 4-1-2-1-2, offensif, mais pas non plus genre, le tout pour le tout? Bah, c'est-à-dire qu'au vu de l'adversaire, j'ai l'impression qu'on aurait quand même plus d'intérêt à jouer full offensif si on veut espérer reprendre le ballon. Hein. Attention, bien vu avec Osimhen. Osimhen, Osimhen. Ah si, ça doit venir de quelqu'un, ça doit venir de lui. Hein. Osimhen encore au coup, mais qu'est-ce qu'il vient de faire contre? Alors on a de quoi être content que c'est bon, on ne rentre pas hein, du Oui. côté d'Anderlecht. Sinon, ça aurait fait quand même beaucoup. C'est par exemple, ça va être 4-2-4, toi. Ouais, 4-2-4, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Non, parce que tu gardes ta base défensive avec 4 défenseurs, donc c'est pas trop mal non plus. C'est clair. Ouais, qu'est-ce qui vient de se passer encore là avec la passe d'Osimhen qui rebondit sur le pied de Courtois? Décidément, aujourd'hui, nous avons pas mal de sorcellerie. Ah bah, je pense qu'Osimhen a fait une passe appuyée et le ballon est parti tellement vite, fort, enfin, toi, que c'est pas forcément évident pour les gardiens pour capter les ballons aussi. Plus que donc 14 minutes, on a fini les changements du côté de Penn. On attend la fin de ceux du côté d'Anderlecht. Et ça va donner un coup de pied de but. Je croyais que c'était un corner, mais en fait non, pas du tout. Absolument pas. Acheampong, Danjuma. Deux joueurs qui sont maintenant à l'affiche de ces remplacements. Ouais, qu'on les voit souvent rentrer du côté d'Underlake, toi, c'est souvent eux qui choisissent par la carrière. Mertens, Mertens. Mertens qui part sur David, attention. Il faut potentiellement aller armer une frappe et marquer ce but. La passe est millimétrée. Elle est parfaite. Très très belle réalisation anderlechtoise. Je pense que là on s'offre les chemins de la victoire. Ça fera 13 points pour Zakaria, donc il se positionne très très bien. Si les joueurs devant lui perdent des points, il va faire une belle remontée au classement. On revoit un... Vraiment, je trouve que c'est très caractéristique de son jeu. Parfois, on a l'impression que ça peut être le meilleur joueur de la compétition sans aucun doute dans certains de ses matchs. Et puis, on a parfois plus de difficultés à le ressentir face à des adversaires un peu plus coriaces, parfois, ou même pas du tout en fait. Ça dépend même pas spécialement de l'adversaire. C'est vraiment ça. Mais c'est toujours difficile hein, de jouer Zakaria, ça c'est une certitude. David. David est bien parti, il est très bien parti Danjuma et on n'arrive pas. Ah, un peu un manque de réussite aussi là-dessus, parce que des fois ton joueur il va bien contrôler le ballon et il va vraiment rester dans la course du joueur, et puis après tu peux frapper. Bon, après, but ou pas but, ça fait encore autre chose, mais ici tu vois que le joueur contrôle le ballon et il pousse le ballon un peu plus loin, donc après voilà, ça s'équilibre au fil de la saison. Ah, j'allais dire, on a peut-être l'inverse de l'occasion d'Anderlechtoise ici avec quelques contres qui s'enchaînaient pour Open. Ça ne sera pas le cas et on lance très très rapidement David face à Koulibaly qui va jouer le physique, qui devrait s'en sortir très bien avec ce physique. On a le ballon qui a été récupéré, mais on n'a pas réussi à s'en sortir. Mais le 87e, on peut déjà le dire maintenant, la victoire sera Anderlechtoise. Mais est-ce que le score restera intact? Ça, on va le savoir très vite. Hazard, le râteau d'Hazard Fellaini maintenant. Hazard encore, bien sûr, Danjuma de Neuer le tacle. Et les ballons là, les contre-favorables qui sont systématiquement en faveur de Penn. Mille, De Bruyne, Mille, ça joue bien avec Diata, Jonathan David, la frappe arrêtée finalement par Anderlecht. On ne lâche rien, on récupère encore avec Danjuma pour David, il faut aller marquer ce but finalement. Même Anderlecht essaye de marquer ce but, ouais. Mais il n'y arrive pas. Et la belle victoire de Zakaria, le Z qui reprend place. Oui. Non, c'est vrai qu'au final, c'est peut-être une victoire, on va dire, quand même méritée. On a vu Oui. les deux joueurs mérité d'inscrire des buts, ils ont créé des occasions, mais Zakaria était peut-être un peu plus franc à ce niveau-là. En seconde mi-temps, je trouve Oui. que l'écart était assez important. Dans la première mi-temps, on l'a dit, hein, on est sorti avec une impression quand même d'équilibre, avec un niveau de jeu élevé des deux côtés. Dans la seconde mi-temps, on a senti une large domination d'Anderlecht. Ouais, voilà, donc au final, la victoire pour lui est simplement méritée et fait une belle opération au classement, Ouais, finalement. très très belle opération, effectivement, au classement général. De quoi continuer cette belle montée, puisque avec tout ça nous donne 13 points, potentiellement premier Oui. du classement général. Alors évidemment, il reste encore tout ça à voir ensemble. Le match entre la Gantoise et le club de Bruges a été postposé à nouveau. Nous sommes dans des raisons Covid, mais le reste des confrontations seront normalement jouées aujourd'hui. On a hâte de vivre ça. Le prochain match sera Standard de Liège qui affrontera le Cercle de Bruges. Vous voulez savoir ce que ça va donner, hein? Ouais, ah, c'est maintenant. Alors,
Alors, sur le papier, cette confrontation pourrait paraître un petit peu moins alléchante que les deux premières. Cependant, moi j'ai hâte de voir ce que le Cercle de Bruges va pouvoir montrer face au Standard de Liège. C'est vrai que sur papier, normalement, le Standard de Liège est clairement favori, donc Shadow est clairement favori. Mais d'un autre côté, le Cercle de Bruges joue vraiment bien. Et donc, on est impatient de voir ce qu'il peut faire justement contre un des ténors de la compétition. Pour un 15e au classement général, c'est vraiment un joueur qui nous a montré de plutôt belles choses. Alors, on le sent peut-être un légèrement en deçà de certains joueurs de la compétition, notamment quand on pense au ténor actuel comme Genk. Et donc, affronter le deuxième actuel au classement général devrait être un petit peu compliqué, on peut le dire. Néanmoins, je pense qu'il peut créer la surprise, je pense qu'il peut créer du danger. Ça reste qu'une possibilité, ne lui mettons pas de pression abusive. C'est l'occasion de montrer ce qu'il vaut dans ce genre de contexte. Je pense en fait, le résultat dépendra vraiment de l'attitude de Shadow. S'il prend vraiment ce match de manière correcte, qu'il le prend pas un peu de haut, sans vouloir être méfiant avec lui ou quoi, je pense que ça va être une formalité. Mais c'est vrai que si au début il le prend peut-être un peu à la légère, que le Cercle arrive peut-être à inscrire un but, ouvrir le score, ça peut peut-être être compliqué. Oui, tout à fait. On espère en tout cas avoir un beau match, avoir du beau jeu de manière très globale, parce que c'est le principal, on peut le dire. Mais donc, sur le papier, c'est un des matchs déséquilibrés, voire très déséquilibrés de cette journée de compétition. On n'en a pas tellement d'autres comme ça. On pourrait à la limite citer celui entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp, d'un point de vue classement général, l'Antwerp étant 16e et l'Union 7. Mais ça reste un élément parmi d'autres. Oui, ça. Lancement de cette confrontation ballon pour le Standard. Et je pense que ça peut déjà se jouer assez vite. On espère évidemment qu'on a analysé quelques games précédentes du côté de ces deux joueurs. Et surtout qu'on sait que Fado offensivement il est très très fort. Et qu'il faut pouvoir s'y attendre. Théâtre. On cherche une légère transversale pour Mille. Mille encore. Un retour sur Koulibaly, qui va reproposer une transversale pour Faye et Luke Bakio. C'est bien vu ça, très très bien vu pour Luke Bakio. Il va falloir trouver du jeu. Donc première grosse erreur ici du côté liégeois. Je m'attendais à un début de match un peu plus intense. Il n'en sera rien. Non, pour moi c'est vrai que ça fait que 5 minutes, hein, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un départ un peu plus explosif. Oui, c'est ça, en tout cas sur l'engagement, hein, c'est de ça qu'on parle à ce stade. Et même là sur la sortie en touche qui est quand même pris... qui a quand même pris 5 secondes, on pourrait faire face à un match avec une dynamique assez lente, je pense, ouais. Xavier. Lorsque je vois les passes là actuellement, faudrait faire attention quand même. Il est en confiance, il est en confiance. Faudrait faire quand même attention, Lars, parce que là, j'ai eu un petit peu peur pour un but de gag. Après, tu vois qu'il stresse pas, donc c'est bien. Oui, mais je suis désolé, mais le match m'interpelle un peu là pour l'instant. J'ai un petit peu peur de ce que pourrait donner ce match. Il faut se reconcentrer du côté des deux joueurs pour pouvoir proposer quelque chose de plus construit, de plus concret. Milinkovic, De Bruyne, Koulibaly. Je pense que Lars attend vraiment que le Standard sorte pour avoir de l'espace dans le bloc équipe. Parce que là, pour le moment, le Standard, il attend un petit peu, pas trop bas non plus, tu vois, mais il veut pas presser non plus trop le cercle. Donc le cercle, il fait quoi? Il attend, il fait tourner. Milinkovic, Savic, De Bruyne, la passe pour Hazard. C'est bien vu avec Carrasco, la frappe de Carrasco, première occasion. C'est récupéré par Carrasco avec les contres et le but de la part de Lars. C'est bien réalisé de manière générale, mais la défense, c'est assez étonnant que Carrasco ait pu faire la différence d'un point de vue physique. Hein. Ouais. Ah, mais tant mieux, c'est fouette. On va voir peut-être un match. Justement, Fado va devoir changer peut-être l'attitude dans son match, il va vraiment prendre le match à son compte pour aller chercher la victoire, que pour le moment il est au score. 49 en défense Carrasco, hein. C'est pour ça que j'étais assez étonné de le voir aussi bien tenir le duel défensif. Milinkovic pour Hazard. Hazard, le lob et le 2-0 pour le Cercle de Bruges. Lars qui prend l'avantage, une très très belle occasion là, par contre. Ouais, c'est très très bien vu, la petite passe lobée comme ça, juste derrière les défenseurs, puis Carrasco qui prend de vitesse. Et Carrasco qui joue en pointe, c'est peut-être la première fois qu'on le voit dans cette position. C'est vrai. Et ça fonctionne très 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 bien, on n'a pas réussi à défendre, et la frappe elle est parfaite à ras de terre comme ça pour aller tromper Thibaut Courtois. C'est très très bien vu. Deuxième but de suite pour le Cercle. Il va falloir être solide sur les appuis pour les marquer le 2 buts et défaire le break. Oui. Parce que là, on sait que Shadow en est capable, hein. Bien mais sûr. Ça devient un peu plus compliqué.
Bien sûr, c'est même sa spécialité, mais malgré tout, là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un match compliqué pour Shadow. Ouais, si Lars du côté du cercle de Bruges reste attentif et continue à jouer son jeu, à faire tourner comme ça, s'il a besoin de faire tourner, je pense que ça peut être vraiment très très dur pour le Standard pour revenir. On pourrait clairement s'aligner sur une victoire brugeoise. Parce qu'on l'a vu même contre Penn que le cercle de Bruges, s'il doit faire tourner pour conserver le score, il le fera et il n'hésitera pas. C'est clair. Faille, encore une fois une occasion défensive qui revient en sortie de touche, une touche rapidement jouée cette fois-ci sur Sommers avec Mertens. Sommers encore, c'est pas lui qui va pouvoir créer vraiment le danger, quoique Carrasco arrive à récupérer le ballon, ça revient dans ses pieds à nouveau, le ballon ne semble pas sortir en coup de pied de but, mais finalement c'est le Standard qui récupère. Là, il y a directement pas de solution, directement le joueur du cercle bloque toutes les lignes de passe, donc c'est compliqué pour relancer. Sauf celle-ci, elle est bien réalisée avec Mille qui tente un centre second poteau, la reprise de volée. Première grosse occasion liégeoise, on la voyait venir hein, avec ce Ouais. centre. Très très belle frappe, ça aurait pu rentrer. Ouais, c'est vraiment dur de défendre là-dessus. Donc pour Lars, à part espérer et croiser les doigts pour que le ballon ne rentre pas, il peut pas vraiment faire grand-chose. Nouvelle profondeur intéressante, mais derrière la passe en retrait, elle est imprécise. Samuel Bastien pour Faye. Il va chercher Openda. Openda encore. Ouais, la même chose que Bruges avec Eden Hazard maintenant. Le ball roll et la défense qui ne pourra pas reprendre ce ballon, on vous le disait. Marquer deux buts, ce n'est pas synonyme de victoire face à Shadow 2 buts 1. Ouais, là pour moi, je pense que le bloc du cercle de Bruges est un peu trop haut, toi. Et ça va lui faire beaucoup de bien au niveau du mental. Hein. On se relance bien, on retrouve confiance en notre jeu et en sa qualité. Il faut tenir sur ce sentiment. Ouais, ça. Que si le bloc du cercle était un peu plus bas, cette passe-là elle ne peut jamais arriver, toi. Bien Et sûr. inversement aussi, le deuxième but du cercle de Bruges, c'est exactement pareil. Bah, il y a un joueur agressif hein, du côté brugeois actuellement. On va aller en marquer un troisième. On va peut-être le faire sur cette passe face à Sommers. Finalement, ça n'aura pas été efficace. Sommers, justement, à l'origine de ce corner joué à l'arrêt, moi, sur Mertens. En retrait sur Carrasco. Il y a un jeu qui est déjà bien replacé. Mertens encore, c'est bien vu, sur Carrasco à nouveau, et le tacle de Koulibaly. 2 buts à 1 toujours, 34e minute de jeu, un nouveau corner joué de la même manière sur Mertens. C'est bien défendu, hein. Il défend Oui. bien les corners. Carrasco, Mille, Mille pour De Bruyne, c'est bien vu, c'était une croquette, ça ou je rêve? 3 buts à 1. Très 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 belle frappe. Ouais, défensivement, ils étaient loin de l'homme en fait du côté du standard là. Mais c'est étonnant parce que là on était à l'issue du corner joué à la Rémoise très très proche, justement on a fait un pressing très très axé sur le porteur du ballon. Oui. Autant ici on a vu justement ce joueur, c'était Koulibaly il me semble, décaler sa ça. course. Ah, on a de quoi s'en vouloir. C'était pas terminé, hein. 3 buts à 1, on a vu qu'on pouvait marquer des buts également du côté liégeois, ça pourrait être le cas dans le futur. Ouais, ça serait bien s'il a, pour lui du moins, s'il arrive à faire 3-2 avant la mi-temps. Est-ce qu'on se précipiterait pas là, notamment sur cet engagement ici? Après c'est délicat, t'es mené 2 buts pour quand t'es deuxième au classement, un match nul ici contre le cercle c'est aussi un mauvais résultat. C'est vrai. Donc t'es obligé de te presser un peu, tu te dis il faut que je marque au moins 2 buts, ce serait bien à 3. Et voilà, en mi-temps c'est quand même compliqué. Théâtre. Arthur Théâtre. Oula, attention, on a déjà vu des buts marqués comme ça. Hein. Faisons attention. Courtois qui redégage. On n'a pas de soucis d'ailleurs à jouer avec le gardien de but. Hein. Non. Côté du sale hors jeu là par contre, non? Ouais, hors jeu large. Largement. Bastien. De Bruyne. Avec Hazard et de nouveau Bastien qui va ouvrir le jeu sur les droites et chercher à décaler un petit peu les blocs défensifs adverses. Il n'y a vraiment pas de solution, toi. Non. Non, il n'y en a pas, c'est clair. Par contre, on en trouve très facilement, évidemment, vu qu'on a beaucoup de joueurs offensifs du côté liégeois pour essayer de rattraper le score. On est à la 45e minute de jeu. Bien vu ce petit râteau. On arrive à chercher un centre facile sur Carrasco qui recule bien. La frappe et l'arrêt de Thibaut Courtois. Un nouveau corner qui va sûrement être joué à l'arrêt. Moi, sur bah oui, Mertens. Ici, avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être un 4. Hein. Très vrai. Deuxième corner à la suite. Est-ce que ça va être joué encore une fois de la même manière? On tente d'aller potentiellement chercher le second poteau. Ça a l'air assez évident, du coup, vu qu'on a pris un peu plus de temps pour le donner. Et finalement, c'est une tête liégeoise qui sera sur ce ballon. Fin de cette première mi-temps. 4 buts déjà marqués en l'espace du mi-temps. On rappelle que le record, il me semble, est à 9 buts maintenant avec le 7-2 oui. de Penn face à Charleroi. Donc c'est important de le souligner aussi. On pourrait en avoir encore une flopée vu le jeu agressif que va sûrement proposer Shadow en deuxième mi-temps. Oui, je pense qu'il doit vraiment réagir parce que pour le moment, c'est clairement insuffisant de sa part.
clairement, enfin en tout cas par rapport à son classement général. Après, on vous l'avait dit, hein, que le cercle de Bruges était tout à fait capable de créer une surprise. Moi, ici. S'il marquait en premier, ça pouvait être compliqué. Il a ouvert le score. Et, voilà. Et on a le scénario parfait pour que l'Arsenal. Après, les deux. Enfin, j'ai l'impression de dire cette analyse à chaque match du standard, mais c'est vraiment une position avec laquelle il n'a pas tellement de soucis, Shadow, hein, de se faire mener, oui. De devoir remonter. C'est pas sa faiblesse du tout. Le problème, c'est que c'est aussi la qualité du cercle. Oui. Oui, et puis après, il y a beaucoup de joueurs à l'inverse du cercle. Enfin, on l'a déjà dit en début de match, mais. Qui n'aiment pas faire tourner ou qui ont peur de faire tourner le ballon. Et on a vu que le cercle, lui, s'il doit faire tourner, il le fera. Et c'est peut-être ça qui est un peu plus compliqué pour Shadow dans ce match. C'est clair. Attal. Attal sur De Bruyne, bien vu. Hein, ce genre 1-2 qui a réussi à concrétiser. Attal revient sur la droite avec De Bruyne à nouveau. Attal qui est vraiment ailier droit là dans cette composition. Finalement, c'est une récupération de Liège avec Chong. Encore, Luke Bakio, bien vu, très bien vu. Potentiellement une tête qui peut être posée. Koulibaly, avec sa taille et son physique, parvient à relancer ce ballon sur Thibaut Courtois qui va le jouer du pied et aller chercher Attal. Ouais. Longue passe, ratée malheureusement pour l'autre. Koulibaly fait aussi le travail du côté de la défense des rouges, plutôt des rouges. Openda. Openda, bien vu avec Mertens, la frappe de Mertens, la seconde frappe de Mertens, c'est potentiellement une troisième qui peut arriver si on arrive à jouer un peu brouillon. C'est pas terminé, Chong, le poteau de Chong, quel cafouillage dans le rectangle. Ouais. Beaucoup de réussite, hein. Oh, mais des deux côtés, hein, voilà. Finalement, pour que ce ballon revienne dans les pieds de Chong qui peut frapper derrière, on a eu de la réussite dans tous les sens. C'est vrai que c'est dur à dire si sur cette action, si un ou l'autre méritait ce but. Franchement, je suis un peu perdu pour être honnête. Attention, David, ça va faire une passe en retrait. Va-t-il la rater? Ah, il va la mettre finalement. Carrasco était pas loin quand même de rater une occasion aussi franche. Hein. Comment je pensais qu'il allait faire la passe. Il y avait un joueur qui était un peu plus en retrait. Je pensais qu'il allait la mettre à lui plutôt que Carrasco qui était un peu plus marqué par l'adversaire. 4 buts 1. Honnêtement, on aurait pu en marquer un quand même du côté de Shadow là sur la dernière occasion. Un coup du chapeau d'ailleurs de Yannick Ferreira. Carrasco. Attal. Là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué, mais on a encore la possibilité avec le mental d'aller chercher des points. Au moins un peut-être, aller marquer 3 buts en l'espace de 30 minutes de jeu, une demi-heure, c'est faisable avec Luke Bakio qui va poser une frappe sur Thibaut Courtois. La frustration commence à monter, j'ai l'impression également, oui. Du côté de Quentin. Oui. On l'a déjà vu en première période, hein, mais maintenant je pense que ça s'accentue encore plus. Et la transversale qui vient se rajouter, Luke Bakio, la frappe et le but. Et il devait arriver, on sentait qu'on s'en rapprochait progressivement. Premier but d'ailleurs, j'ai l'impression, de Luke Bakio deuxième depuis que je le vois jouer dans la compétition. C'est vrai qu'il marque pas souvent. Non. 4 buts à 2. Et le Sonar méritait ce deuxième but. Hein. Oui, hein. Là, il va passer, parce qu'il tombe pas maintenant. Après, il reste une demi-heure pour en inscrire encore deux. Ah, j'ai l'impression qu'on aura encore des buts. Je vous rappelle, hein, si on arrive à en faire 9, on égalise le record de cette année pour l'instant en termes de nombre de buts. Hazard, Eden Hazard et l'arrêt de Thibaut Courtois. On va aller chercher une passe immédiate. Regardez comme ça joue bien. Regardez comme ça va vite. Eden Hazard qui va très bien tricoter pour aller donner ce ballon à gauche sur Mele sur Mertens. Et Milinkovic-Savic qui va finir par redonner à De Bruyne. Carrasco. Bon, Savic, on lance tout droit avec Eden Hazard. 3 joueurs contre 3 liégeois. Le centre est parfait. Hein. Il est exceptionnel. La frappe derrière, elle est belle. Arrêté par Thibaut Courtois. Un peu de réussite liégeoise. Il en faut également le gardien de but qui arrête très bien ce ballon. Et on voit que le Star tente, je ne vais pas dire le tout pour le tout, mais quasiment il y a énormément d'espace dès que le cercle récupère le ballon. C'est évident, hein. Il n'a plus trop d'autres choix pour remonter 2 buts en l'espace du temps qui lui est laissé. Un corner qui va être donné, c'est le 26ème, non je suggère, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de corners qui sont donnés. Et doucement, on se rapproche de la fin, il reste plus que 22 minutes, donc. Déjà. Ça devient assez court, hein, pour le Standard. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Lars de Porter pour l'instant en train de faire une très très belle opération au classement général. Et il faut que Lars résiste à la pression aussi, parce que quoi qu'il arrive, mener 2-4 à 20 minutes de la fin contre le Standard, c'est aussi justement, faut pas forcément craquer. On préférait 4-1, je pense. Hein. Ouais. Au moins, quand il y a 3 buts d'écart, on sent vraiment en sécurité. Là, vous allez me dire, en général, 2 buts d'écart suffisent à se sentir en sécurité dans ce genre de match. Pas contre Shadow. Et il suffit que si corner contre-attaque, il fait 3-4 par exemple, et puis après. Ça peut être compliqué. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair.
Je pense pour lui, il faudrait qu'il arrive au moins à garder ce score jusqu'à la 80e minute de jeu. Et là, après, ça devrait aller pour gérer les 10 dernières minutes. C'est clair. On prend le temps de boire un peu d'eau, de se refocus pour cette fin de match. Et on est parti. Corner qui ne pourra pas être joué à la Rémoise. Sauf si on attend tranquillement que le joueur revienne. Ça va être le cas. Avec Hazard. Attal. Hazard. Avec Théâtre à nouveau. On fait tourner ce ballon. C'est vrai que je n'attendais pas, mais c'est plutôt logique en fait, hein. On a vu beaucoup d'intensité même du côté brugeois. Maintenant, il serait peut-être temps de d'aérer. Oui, surtout que ça arrête de prendre des risques et de perdre le ballon offensivement. Lui, il mène au score. C'est au standard de venir chercher le ballon. C'est clair. En plus, il est dans son camp là actuellement. Voilà. Donc, Fellaini. Fellaini, Milinkovic-Savic. Elle est très belle cette passe pour De Bruyne. Regardez comme ça construit bien. Ça construit très très bien. La frappe d'une puissance démentielle. Dommage qu'il soit en position d'hors-jeu. Et il l'a vu immédiatement. Ça s'est vu à son rictus. Mais quelle frappe de Jonathan David au Jonathan David, c'est comme vous le préférez, ça sent le 4-3, ça sent le 4-3, ça sent le 4-3, ça sent le 4-3. La transversale, c'est la troisième fois que ce ballon touche le cadre. Cette fois-ci, cela rentrera malgré tout. Maintenant, ça va être compliqué. Il reste quand même 17 minutes pour tenir. Ça va devenir plus complexe. Un quart d'heure. Attal. Attal qui revient sur De Bruyne et on perd le ballon immédiatement. Chong qui récupère, Chong qui va se relancer potentiellement. C'est bien vu cette profondeur pour Jonathan David maintenant. Et Koulibaly qui vient temporiser. Attention, c'est vraiment dur de garder un score face à Shadow. Ça va vraiment être très difficile comme fin de match. Il va falloir vraiment bien sortir du pressing lorsqu'il le mettra. Ouais, c'est bien vu ça par contre et il va pouvoir donner le ballon au second poteau. Il ne pourra pas le faire finalement. Très belle récupération de Théâtre qui va malheureusement pas pouvoir remettre le pied sur le ballon après cette interception défensive. Attal maintenant qui va chercher Sergei Milinkovic-Savic pour Hazard sur les droites à nouveau. Et de Hazard. Et il va revenir en retrait. C'est bien joué sur Attal. Les trois défenseurs ne sont pas marqués par le pressing. Ouais. Donc on pourra y revenir si besoin. Elle a été chercher la sortie de touche. Il garde le ballon pour le moment. Attal. Je vous en parlais, des trois défenseurs tout à fait scellés hein, dans leur... côté du terrain. Ouais, je pense là il a voulu faire la transversale mais il a pas osé justement. Donc il s'est ravisé, il a fait une petite passe courte. Dangereux une transversale avec un pressing aussi haut. Hein. Surtout qu'il y a certains joueurs avec lesquels. Attention Xavier, attention avec De Bruyne qui va chercher la passe. Oh là 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 là. Il y a certains joueurs avec qui tu es sûr que la transversale va arriver, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Mais le De Bruyne, Hazard. On peut rechercher potentiellement De Bruyne. On va revenir en retrait. 84e minute de jeu. Plus qu'une ou deux occasions. Ouf, j'ai cru que t'allais avoir une récupération là, je crois qu'on s'était retourné dans les médias. Côté brugeois, Fellaini. Milinkovic-Savic, Théâtre. Bien vu, très bien vu sur Hazard. Attention, elle est dangereuse cette passe de Bruyne pour David maintenant. La frappe a arrêté, parti beau Courtois. Il faut reprendre ce ballon du côté du standard de Liège. Luke Bakio qui vient chercher Openda. Openda pour Chong. Et la belle passe en profondeur. C'était évident qu'elle allait arriver. Attention, c'est l'occasion. Et quel retour de Mille! Quel retour! On a cru au 4-4. Hein. Ah, c'était le moment d'aller chercher le match nul. Évidemment, maintenant, on va temporiser, revenir en retrait. Attention à ne pas se faire avoir sur un pressing potentiel du côté du standard de Liège. Et on revient très intelligemment sur Thibaut Courtois. 26 secondes. Encore 30 secondes. C'est bien donné. C'est très bien vu. Et c'est la fin de ce match. Victoire du Cercle de Bruges. Tout sourire face à Shadow. Très 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 belle performance et on s'est fait peur malgré tout. Hein. Ouais, mentalement pour lui ça doit être assez agréable. Je dois vous rappeler qu'on revient de 4-1 et on vous parlait des qualités pour revenir au score du côté liégeois. Ouais. Ça s'est ressenti dans cette confrontation. On a vraiment vu qu'il ne faut jamais penser que c'est déjà à remporter ouais, un match ça, avant la avec un seconde. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu aller chercher le match nul en soi. Clairement, clairement. En tout cas, ça nous conforte dans une idée, c'est que le cercle a vraiment de quoi potentiellement nous surprendre dans cette compétition. Ça c'est sûr. Donc il faudrait quand même faire attention. Alors je sais pas si je l'imagine actuellement dans un top 8, mais je pense qu'il pourrait venir créer du danger aux environs de la 10e place. Ah, voilà, il peut embêter pas mal de joueurs. Ouais, c'est ça. Et potentiellement faire des différences un petit peu en fonction de la manière avec laquelle les joueurs vont réussir à gérer ce potentiel adversaire, ce concurrent, que très très peu d'entre eux connaissent hein, d'ailleurs, ce qui ne va évidemment pas arranger les choses. Un petit point aussi sur la performance de Shadow peut-être. C'est vrai que peut-être un petit peu décevant en fait. Je pense qu'au début de match il a un petit peu
Je peux me tromper, j'ai l'impression qu'il a pris un peu à la légère, il n'a pas eu beaucoup de réussite non plus. Et après, bah, directement, le match est devenu très très compliqué. Ouais, 2000 matchs avaient été complexes, vous avez d'ailleurs un aperçu pendant cette analyse de l'ensemble des scores pour l'instant aujourd'hui, ainsi que les confrontations, les rencontres qui vont suivre. Encore de belles choses en perspective. Nous ne sommes qu'au début de cette sixième journée et encore plein de choses à suivre. On enchaîne les confrontations et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. J'aime bien le rappeler parce que c'est important vraiment de bien considérer la beauté de chacun des matchs de cette Proximity Pro League. En voici un nouveau et sur le papier, c'est un match très intéressant aussi parce que je pense que les deux joueurs se connaissent déjà, Xavier. Oui, ça, et puis au final, c'est aussi le premier contre le cinquième. Donc au final, c'est une affiche du top de notre classement. Donc normalement, on devrait avoir du très très haut niveau. Très très haut niveau. Alors la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que enfin, je pense qu'il y a un certain passif hein, entre ces deux joueurs à travers des compétitions internationales qu'ils ont dû vivre tous les deux à peu près au même moment, ce qui veut dire qu'il y a sûrement un peu d'appréhension des deux côtés à s'affronter. Je les ai d'ailleurs vus se saluer à travers la caméra durant le début pendant qu'on était en train de setup tout ça. Donc franchement, j'ai hâte. Ça peut être un match qui pourrait partir dans tous les sens. Oui, ils connaissent peut-être la faille de l'adversaire également. Ils connaissent certainement mieux que d'autres joueurs. Exactement. Donc ça va être intéressant de le voir. Et puis, d'un point de vue plus individualiste, on sait que du côté de Gang, du côté de Gilles Bernard, on fait pour l'instant une prestation exceptionnelle. Oui. On s'est fait un petit peu peur au début de la compétition. Ça s'est très rapidement réglé, avec pour l'instant 12 points, une seule défaite et 4 victoires. Et face à lui, Renzo a fait aussi une petite remontée sur la fin. Alors, il était déjà bien positionné au début, mais on avait un petit peu peur. On pensait l'avoir potentiellement un peu surestimé. Il nous rassure au fur et à mesure des journées. Oui, c'est vrai qu'il a quand même fait 10 sur 15, donc au final c'est pas trop mal. Et c'est vrai que si Renzo arrive à battre Gilles, par exemple, il peut pouvoir le dépasser au classement. Oui, absolument. Absolument. Et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir nous donner avec ces deux joueurs sont en pleine concentration. Et du côté de Renzo, on a l'air d'avoir un peu de musique dans les oreilles, probablement aussi. Mais... mais en tout cas, j'ai hâte vraiment. Et là, d'ailleurs, on est pour l'instant au choix des maillots. Et tu sais ce qui se passe à chaque fois qu'on a le choix des maillots, on pose la même question. Donc cette fois-ci, c'est moi qui vais te la poser, ton pronostic. Ah, bah pour moi, un petit match nul. Un petit match nul, tiens. Ouais, ça me mouille pas trop, toi. Un petit match nul. Tu voudrais pas dire... Alors je pense que ce sera soit une victoire, soit une défaite, soit un match nul. Voilà. Non, mais je pense que les deux joueurs se connaissent bien. Ça m'étonnerait pas qu'ils se neutralisent un petit peu. Ça, c'est possible, par contre. Ça peut être les deux. Hein. Ça peut être un match où on se neutralise énormément et où finalement on a quasiment pas d'occasion, quasiment pas de but. Ou l'inverse absolu. Oui. Mille. Axelrato, il revient chercher Mertens. Mertens pour Mille à nouveau. Et l'appui de Marouane Fellaini. Alors certes, il est très joué, mais j'ai l'impression que dans les matchs précédents, on l'a pas vu étincelant. On le voit un petit peu moins qu'auparavant. On voit un peu plus Tillmans, par exemple. C'est vrai, Yuri Tillmans. De Bruyne. Mille. Mais là, sur Mertens, il est en position d'enjeu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un piège du hors-jeu d'ailleurs là qui a été activé? Oui, je pense bien. Ça me paraissait très très avancé là du côté de Zult. Hein. Ouais, on a vu tout le bloc qui avançait d'un coup. Donc, De Bruyne, Mertens, Ceramica, un des joueurs sélectionnés du club. On a déjà une forme du côté de Zult? Je ne pense pas. Hein. Non, ça fera. Attention au Openda. Qui va potentiellement récupérer ce ballon. Je dis ça parce qu'on le rappelle souvent, mais c'est l'inverse du côté de Genk où on a une équipe. Monstrueuse sur le papier. Oh, c'est vrai qu'ils sont aidés aussi par les deux joueurs du club. Ce ballon qui arrive très 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 loin sur Théâtre. Toi aussi, t'as eu un petit stress? Non, c'est contrôlé par Gilles. Contrôlé. L'occasion était pleinement contrôlée, c'est le bon mot. De Bruyne. Oh là là, le râteau et Tillmans qui vient récupérer ce ballon. On peut pas donner immédiatement. Si, on va quand même le tenter. Ça va être millimétré sur Mertens qui va redonner à Tillmans qui va devoir frapper. Cette frappe de Tillmans croisée est heureusement arrêtée par un défenseur de Genk. C'est une très très belle passe et une grosse occasion. Il va peut-être s'en vouloir de rater de telles occasions quand même. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Hein. Honnêtement, au vu de la situation, c'était vraiment. Ou alors il voulait une prouesse technique. Ouais. Et ça me paraît vraiment difficile de faire mieux. Et regardez cette frappe. Je sais que tu es contre ce point de vue, Xavier, mais je ne vois jamais rien rentrer dans cet angle. Hein. On en a vu très très peu. Hein. Mais... Après, voilà. Ouais, après, c'est peut-être aussi ça. En fait, ça rentre, mais pas avec tous les joueurs. Tu vois, par exemple, avec un De Bruyne, par exemple, avec un. Moi aussi, on en a pas, par exemple, un Insigne, un Messi ou autre. Il y a certains joueurs où tu sais que dans cette position-là, ça va être quasiment tout le temps but. Et d'autres où tu sais que ça vaut mieux pas tenter, toi. Non, c'est clair.
Traoré. Koulibaly. Et bien sûr chez Serrani avec Hazard. De Bruyne. Serrani à nouveau. Mertens. Pas grand chose à se mettre sous la dent, Xavier. Non, pour le moment, c'est assez, ben, assez tactique quand même. On a vu quand même quelques beaux enchaînements aux environs de la 10e minute de jeu, mais là on a une séquence de possession assez importante de la part de Zult. On a vu la grosse occasion de Zult, mais à part ça pour le moment c'est assez faible. Et un tir de loin un peu désespéré de Genk. Théâtre qui vient chercher Munoz pour Openda. Et bien vu le débordement là, il est très rapide évidemment Luis Openda face à un Serrani qui va un peu plus avoir de difficultés à le suivre. Ouais. Je pense que Serrani dans 20 minutes il va laisser sa place. Dans 20 minutes Serrani s'en ira. C'est pas spécialement sûr du côté de Genk. Munoz pourrait être laissé, ouais. Et Ito, je suppose qu'on joue encore Ito même si on l'a, oui. Pas, même si on l'a pas vu. Ito, je ne vois aucune raison de le changer à court terme. Non. Tielemans. Traoré. Qui est pressé ici, qui va proposer une jolie transversale sur Openda. Et on voit que les deux joueurs n'ont pas forcément envie de perdre le ballon et de le rendre à l'adversaire, donc ils assurent vraiment chacune de leurs passes. De Bruyne, le râteau. Recherche Mertens. Et De Bruyne, la récupération qui va relancer sur Munoz. Cette jolie passe en transversale sur Mele. Va se redonner probablement derrière Théâtre à nouveau. Vraiment un match qui se neutralise hein, de plus en plus. Ton analyse s'avère payante, Xavier. Ouais, c'est vraiment ça. C'est deux joueurs du top et ils veulent vraiment pas faire d'erreur. Et ils en font très très peu. Donc, on est sur un de ces rares cas où le point du match nul serait suffisant. Oui, voilà, je pense. Tielemans, Mertens, récupération de Fellaini. Fellaini encore une fois. Il vient chercher Mertens qui va pouvoir déborder ici avec une jolie passe. Elle est bien heureusement défendue par Théâtre qui joue en même temps de son physique pour empêcher la récupération de Genk. En fait, je pense que les deux joueurs sont conscients que beaucoup de joueurs vont perdre des points contre leur adversaire. Et donc ici, prendre un point, au final, c'est mieux que la majorité des autres adversaires. Ben c'est clair, en fait, c'est même très simple. Genk n'a jamais fait pour l'instant de match nul. En fait, la grosse différence entre ces deux équipes, c'est que du côté de Genk, on est en 4-0-1, tandis que du côté du Zult, on a fait un nul depuis le début de la compétition. En fait, ils ont tous les deux perdu leur première rencontre de la compétition, et puis depuis, ils sont très très bien réveillés. Bamba sur les droites, Bamba le centre second poteau, il faut bien gérer ça, Munoz c'est fait mais on rend le ballon à Tielemans qui est un peu esselé, qui va devoir faire de la vista, c'est bien vu sur Mertens, Mertens encore et on vient rechercher un appui dans l'axe, c'est finalement empêché par la récupération de Théâtre, Mertens qui se relance sur l'aile gauche et qui va revenir en retrait sur Mail. J'ai l'impression que si Zult fait plutôt un peu plus d'occasion. C'est clair. Si je dois, à l'heure actuelle, bon après ici il y a une grosse occasion donc je vais peut-être me taire mais de manière générale, si à la mi-temps je devais désigner une personne devant au score, ce serait peut-être Zult. Bah de peu encore. Voilà. De peu clairement encore. C'est. Moi je t'avoue que pour une fois là je ne serais pas délimité ou du moins démarquer un joueur. Ouais après on a vu quand même une grosse occasion côté Zult, on n'a pas vu du même niveau du côté de Genk. Donc c'est ça qui me fait peut-être un peu pencher la balance. Oui avec cette frappe de Tielemans tu veux dire. Ouais absolument. Ouais je comprends. Après non, on a vu des occasions dans le type plus dangereuses aussi que celle de Tielemans parce qu'on sentait qu'il y avait quand même un spot où ce ballon était arrêté, hein. Il y a beaucoup de défenseurs sur le chemin, gardien de but encore assez bien placé. Mais c'était une occasion importante, c'est clair. La seule pour l'instant vraiment importante de ce match. Mais on a fait un tact un peu bizarre ici sans faire exprès. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, un score de parité entre ces deux joueurs. On le voit au niveau des chances de but qu'elles sont inexistantes. Ouais, ça. Les deux joueurs, même. Limite, ils sont contents. 0-0. Ça oui, mais je suis pas sûr que ça leur aille mal. Hein. Ils n'ont pas l'air spécialement déçus par ce résultat. Avec la musique dans les oreilles aussi, ça se voit définitivement. Ouais. À part si sa musique est dans sa tête. Voilà. Et dans ce cas-là, même pas besoin. Mais, mais en tout cas. J'ai l'impression qu'on se dirige fortement vers un 0-0 en score final, Xavier. Ouais, je pense. Ou peut-être 0-1 d'un côté ou de l'autre, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, hein. Non, non, c'est clair. On va voir ça. Après, tout dépend si un des deux joueurs arrive à faire peut-être 0-1 ou 1-0 après, dès le début de la deuxième mi-temps. L'autre joueur va peut-être se découvrir et on verra peut-être plus de buts, mais dans l'ensemble, quand on voit cette première période, on se dit qu'on ne devrait pas avoir énormément de buts.
Danjuma qui monte à la place de Munoz. Quand même, on a fait ce choix, c'est Hazard qui sort en faveur d'Atal Traoré à la place de Mertens. Donc on va bien jouer avec Ito tout le long de ce match. Danjuma qui monte à la place de Bostin. Ça c'est évidemment des changements assez évidents. Atal à la place de Mertens, et vous doutez bien que si Bostin sort, Courtois monte. C'est vrai que Zult est un des seuls qui joue avec le gardien de son club. Bah, il doit être content de ne pas avoir encaissé de but du coup. Hein. Voilà. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie que l'adversaire sache tirer. Voilà, après de mémoire, il me semble que Bosnien est assez grand. Donc ça aide habituellement les gardiens, c'est quand même plus ou moins aléatoire sur FIFA. Un grand gardien, ça aide toujours. Donc ils ont dit, ben, pour 45 minutes, ça devrait pouvoir le faire. Et ça a fonctionné. C'est déjà la deuxième ou troisième fois qu'il propose cette tentative. Afin d'aligner un maximum de joueurs de qualité sur le terrain. Atal encore, Atal toujours, la belle passe en retrait pour De Bruyne, la frappe de Kevin De Bruyne. Et là tu vois l'angle me paraissait déjà plus logique, on est plus proche de l'axe. Oui. Moi j'y croyais plus. Non, mais c'est vrai que le ballon passe pas très loin, mais pour une fois c'était avec De Bruyne et pas avec un autre. C'est aussi vrai, ça aide évidemment beaucoup. Théâtre. Après Jules est un des seuls quasiment qui tente sa France de loin. Peut-être que c'est l'habitude, je vais pas dire des compétitions internationales, enfin moi je vois ça souvent en international, hein, des frappes de loin comme ça. On en a vu beaucoup durant l'Insurance Cup. Ouais, de temps en temps, quand il n'y a pas forcément de solution, ben, il faut tenter. Tielemans. De Bruyne, Tielemans à nouveau. Avec David pour Kevin. Et ça peut proposer quelque chose, mais il va être présent pour récupérer ce ballon. On va se relancer très tranquillement avec Fellaini pour Danjuma. Oui. S'il y a peut-être l'espace, ouais, voilà. Allez, elle est bien vue avec Atal. Atal encore. Atal redescend sur Tielemans et sur Théat finalement. Danjuma va pouvoir récupérer et se relancer potentiellement ici avec l'appui d'Atal. Alors on revient à la même logique. Maintenant Danjuma va être en défense latérale. L'avantage c'est qu'Atal est un très bon ailier gauche en fait. Hein, ouais. Quand on y pense. Non, c'est sûr. On avait même analysé sa stat en tir qui était plus que correcte. Atal. 61 minutes de jeu. On approche, le temps avance, le temps file. Les buts, eux, ne filent pas. On l'a dit, hein, qu'on pouvait voir 0-0 dans ce type de match. Théâtre. Et la transversale sur Mille. On va récupérer, on va garder plutôt ce ballon. Je l'entendais, parce qu'Atal la perd. Atal qui est d'ailleurs à l'idée maintenant naturellement du côté de Genk en ailier gauche. Hein. Oui. Donc c'est volontaire de le placer dans cette position. Openda, bien vu le débordement de la part de Luis Openda qui peut peut-être créer quelque chose. La passe en retrait arrêtée par Atal. On récupère avec Danjuma. Danjuma encore. Danjuma toujours qui rentre dans le rectangle. Le râteau, le petit crochet. On va tenter quelque chose potentiellement. La frappe finalement arrêtée par Koulibaly. Corner qui va être joué une nouvelle fois en plein sur le point de penalty dégagé par les points de Thibaut Courtois. Danjuma va reprendre sur Théâtre. La passe en retrait pour Openda. Openda avec Fellaini. Et à nouveau. Et Genk est beaucoup plus dangereux cette deuxième mi-temps que lors de la première. Disons qu'il met le pied sur le ballon aussi. On ne voit quasiment pas Zult réellement. Ça, alors qu'en première mi-temps, c'était un petit peu l'inverse. Quand même. C'est vrai. En termes de possession, tout du moins. On va siffler un coup franc en faveur de Zult. Je ne l'ai pas très bien vu pour être honnête avec vous. J'ai plus l'impression que c'était l'inverse. Un petit contact, ça va être bien méchant. Mais non. C'est rare que nos joueurs soient méchants. Hein. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé effectivement des tacles assassins pour avoir un carton rouge et empêcher un but. Hein. Ouais. J'ai souvenir de situations comme celle-ci. Tielemans pour Atal. Atal encore. Et la profondeur, attention à Danjuma et Koulibaly qui fait le travail. N'a pas évidemment le temps de contrôler vu la trajectoire et la vitesse de ce ballon lorsqu'il arrivait sur ses genoux. Atal. Récupération de Danjuma, Koulibaly. Et maintenant Théâtre. À nouveau avec Koulibaly et de nouveau avec Atal. Là, si on rentre dans le dernier quart d'heure de match. Donc, au début, enfin, après je vais en parler, on va avoir un premier but, mais quand c'était pronostiqué un match nul, au final après 75 minutes, on est toujours bon. Bah, est-ce qu'on peut pas dire, Xavier, qu'on est un peu en train de s'ennuyer maintenant dans cette seconde mi-temps? Bah, il se passe pas grand chose. Hein. En seconde période, je trouve qu'on a vu quelques occasions de Genk. Moi, Genk me plaît beaucoup mieux en seconde période qu'en première, donc on a vu quelques occasions. Après, peut-être pas forcément très très franche, mais. La deuxième mi-temps me plaît peut-être mieux que la première. Hein. Moi, c'est l'inverse. J'ai peut-être aussi parce que la première mi-temps, j'avais la sensation de vouloir voir ce que les deux joueurs vont donner, mais là, il y a un manque cruel pour moi
de réelles offensives. Peut-être que c'est lié à la qualité défensive de ces deux joueurs également. Il arrive à bien garder le calme. On sent, n'empêche que le stress commence à monter sur les visages avec les 10 dernières minutes. Hein. Oui. Ça pourrait être l'occasion. On rappelle que la seule vraie occasion, pour l'instant, elle est toujours du côté de Jules. Hein. Oui. Un corner qui va être joué sur un poteau sur la tête de Koulibaly. Attention à la relance avec Attal. Attal encore. Et la petite feinte en se retournant. Cruyff turn. Ouais, surtout que s'il y a un des deux joueurs qui arrivent à ouvrir le score, bah après il y a un certainement sur la victoire. Ah ouais, ça c'est quasiment sûr. Hein. Openda, Attal, et non, ce ballon là il va être récupéré par Théat. 85ème. Et Attal qui va reprendre ce ballon. Le pressing quand même, vraiment tu as raison, cette seconde mi-temps de game qui est assez convaincante. Ouais. Hein, on voit vraiment plus ult. Ouais, c'est ça. Après malheureusement il a pas encore réussi à ouvrir le score, après il reste 5 minutes, pourquoi pas aller faire la différence maintenant. Mais Koulibaly, Théat, Traoré, Théat, Koulibaly, mais le non. Voilà, c'était anticipable. Koulibaly, Théat, et non, mince, j'ai oublié, oui Traoré, excusez-moi. Voilà. Peut-être Théat avec Koulibaly. Oh là là, attention. Attention, il y a eu un changement de jeu. Mais voilà, il attend vraiment la dernière occasion pour justement essayer de faire un 0 et puis l'adversaire ne peut pas revenir. Ça c'est clair, mais à la place on va perdre le ballon. Quoique ce sera de courte durée, un coup franc qui va être signalé par l'arbitre. Coup franc qui va être joué à la... Alors ça c'est par contre c'est très mauvais ça comme coup franc joué. Mais Jules ne pourra pas relancer et on va s'arrêter là pour cette confrontation. Les pouces levés, les deux joueurs, je vous l'ai dit, qui s'apprécient et qui s'applaudissent même entre 0-0 et un match nul. Un match qui aurait été, on peut le dire, particulièrement équilibré. Ouais, équilibré, fort fermé et fort tactique pour moi. Vraiment, on voit que les deux joueurs ne voulaient pas justement perdre contre leur ami ou, enfin, voilà. Oui, ou leur adversaire. Dans tous voilà. Les cas, évidemment, ça, on en revient sur ces logiques-là. Mais c'est clair que, en vrai, je sais pas quoi dire sur ce match qu'on n'a pas déjà dit, hein, finalement, Xavier. Non, finalement, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Un match en deux équipes du top, très fermé, rien de plus. On n'a même pas, en réalité, de quoi vous rajouter des informations, même sur les joueurs d'un point de vue individuel. Passons directement, finalement, à un résumé des différents scores et des différents matchs qui se sont joués pour l'instant. Vous l'avez peut-être loupé, mais il y a eu une victoire d'André 3 buts à 1 face à Eupen, une victoire également du Cercle de Bruges face au Standard de Liège, 4 buts à 3. Vous venez d'assister au match nul qui s'est déroulé entre Genk et Zulte Waregem. Et puis on a eu un premier match aussi tout à fait intéressant, Charleroi, qui s'est soldé, il me semble, sur un match nul. Voici pour les éléments, les grands faits de jeu de cette journée pour l'instant. On a encore à peu près la moitié des matchs à suivre pour la suite. Beaucoup de matchs. Quoi, tu en as déjà marre, Xavier ? Non, loin de là, mais on a encore pas mal de rencontres vraiment intéressantes. Ah, j'ai failli avoir peur, on a failli te licencier, on me dit dans l'oreillette. Attention, Xavier, attention. En tout cas, on se retrouve tout de suite. On l'a déjà vu à l'œuvre, Ardixa sous les couleurs de Saint-Tron face à Charleroi plus tôt dans cette journée. On va le revoir cette fois-ci face à un tout autre type d'adversaire. Oui, face à justement un adversaire justement beaucoup moins offensif, hein, de style complètement opposé par rapport au style de Charleroi qu'on a pu voir précédemment. Mais ici, c'est deux joueurs Courtrai et Saint-Tron, deux joueurs qui font pas une mauvaise saison, mais qui ont vraiment du mal à aller chercher les points pour intégrer ce top 8. Oui, c'est bien résumé, c'est très bien résumé, ce sont des joueurs qui ont de grandes qualités, qui l'ont encore prouvé tout au long de la compétition, mais qui mériteraient peut-être d'aller chercher un peu plus de points, et qui sont notamment bloqués par des matchs nuls. Du côté de Courtrai, on en a deux, du côté de Saint-Tron, il me semble qu'on en a trois maintenant, oui. Avec les différentes avancées, ce sont deux candidats assez sérieux au top 8, notamment Manse. Ardixa, on se posait la question en entrée de compétition, ça se confirme, du côté de Manse, c'est quelque chose d'assez obvious, d'assez évident, donc à voir. Oui, voilà, voir. En fait, il suffit d'une victoire pour intégrer le top 8, sauf que pour le moment, ils sont toujours 9e, 10e, 11e, vraiment. La zone, un petit peu juste avant le top 8, c'est un peu malheureux pour eux. Exactement, et c'est vraiment la zone dans laquelle on ne veut pas être. C'est la pire, en fait. Ça vaut même peut-être mieux d'être 13e, oui. 12e d'un point de vue moral que d'être 9e. Donc, c'est vraiment le caduc, la transition entre les deux, quoi, qui est importante, et pour l'instant il y a encore largement le temps de le faire, au point près que quand même, on l'a dit, hein, on l'a vu avec le classement général, oui. On a tout doucement un certain écart qui se crée. Alors c'était lié aussi au fait que Saint-Tron avait un match de retard, Charleroi aussi, oui. C'est aussi le cas d'équipes comme Eupen et Serein, mais malgré tout il y a un certain écart, oui. Qui se crée, donc faudrait pas non plus laisser surprendre. Non, c'est pas vraiment.
je sais pas si vous y prêtez attention, mais moi le speaker qu'on a maintenant dans FIFA 22 dans les stades m'explose de rire à chaque fois, mais je me retiens bien évidemment de rigoler à chaque fois que je l'entends, parce que parfois on casse et j'entends le speaker en fond dire n'importe quoi, et ça me plaît beaucoup comme idée. Fellaini, engagement pour Courtrai face à Saint-Tron donc. Avec un match qui peut s'annoncer assez fermé, deux équipes qui aiment poser un minimum le pied sur le ballon. Ouais. Donc on va voir un petit peu, mais on peut voir peut-être s'attendre peut-être à plus de buts qu'on pourrait le croire. Mais peut-être que ça va s'annuler, je sais pas. On verra bien. Après, on a dit au match précédent que ça allait être potentiellement un match un peu plus ouvert. Tu m'avais dit un peu plus fermé, ça s'est révélé fermé. Là, je te dis que ça devrait être fermé, tu me dis que ça sera ouvert. En fait, le souci, c'est qu'on a deux joueurs qui peuvent fermer le jeu. Mais ils ont besoin de points contre un adversaire direct. Donc c'est ça qui me fait peut-être changer d'avis. En tout cas dans leur position au classement général. Voilà. De Bruyne pour David avec Milinkovic-Savic qui est aligné en titulaire du côté de Courtrai. C'est pas la première fois. Hein. Ouais. C'est une constante. Qu'est-ce que fait Milinkovic-Savic en défense centrale là? Il est redescendu. Je sais pas très bien ce qu'il faisait là. En plus il stabilisait sa position, tu sais, il allait vers le gardien. Très bizarre. Fellaini. Et c'est un milieu terrain assez défensif à Fellaini, Milinkovic, Savic, c'est fort physique, fort grand, c'est voilà, des capacités assez qui changent un petit peu de l'ordinaire. C'est clair. Est-ce qu'un jour on aura... Parce que c'est vrai que quand on y pense, là, De Bruyne est aligné en MOC, c'est-à-dire ouais. qu'on pourrait avoir Fellaini-Tielemans, pourtant j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu Fellaini-Tielemans. Non, pas souvent, mais le problème c'est que c'est dur de se priver de De Bruyne, après tu peux le faire jouer plus haut. Mais c'est ce qu'il fait là, au contraire. Ouais. Sinon, il pourrait pas aligner Milinkovic. Ouais, mais bon, après, c'est un choix. Dan, peut-être que c'est aussi une raison de collectif. Hein. Mettre deux Belges en MC, ouais. Si on veut jouer une Serie A derrière, notamment avec Théat, Koulibaly, Mail, voilà. Tout ça. Ça aide. Au final, beaucoup de joueurs de Serie A. Tu vois, Mertens, Milinkovic, Savic, Théat, Koulibaly. C'est vrai. Voilà. Non, c'est très très vrai. En fait, en général, la défense, on la lie au championnat et l'attaque, on la lie à la nationalité. Ouais. En général, c'est plutôt ça. Alors que on a un petit souci, c'est bon. Ça s'est réglé en l'espace de très peu de temps. Notre écran qui s'était éteint, malheureusement, et qui recommence. Et petit problème technique, ne vous inquiétez pas. On va faire en sorte que ça s'arrange le plus vite possible. En attendant, on a une légère vision du match. Et maintenant, l'écran est de nouveau revenu. On espère qu'il ne redisparaîtra pas. De Bruyne. Sans probablement, c'est des possessions assez stériles des deux côtés. On ne loupe rien, bien heureusement. Je me rappelle quand même qu'une fois où ça nous est arrivé, ce petit problème technique, on avait reconnu aux applaudissements qu'un but avait été marqué. Ouais. Si on te met notre qualité de commentaire à l'audio, à la radio. De Bruyne qui fonce, le petit râteau, c'est bien vu avec Hazard, la frappe d'Hazard et le but d'Eden Hazard. Ah, celui-ci, on l'a vu bien heureusement, but à zéro pour Courtrai. Ouais. C'est bien réalisé. Ouais, pour Trey qui commence très bien son match. Hein. Il ouvre le score. Après, on sait qu'il aime bien être dans cette position-là, maintenant. Donc, c'est parfait pour lui. Mais je crois que les deux joueurs aiment bien cette position. Juste qu'Ardixon n'a pour l'instant pas eu vraiment la chance de profiter de cet espace. Non, c'est en général, il est mené. Ouais, souvent, il est mené. C'est vrai qu'il mène rarement au score. Et quand il mène au score, habituellement, il s'impose. Donc, ouais. D'ailleurs, si on fait une petite analyse visuelle, on remarque que les deux ont une position très similaire par rapport à la caméra. Ils sont concentrés. On a une vision de type front pour ces deux joueurs. C'est normal, hein, l'écran est en bas et on se concentre un maximum sur celui-ci. On est proche de l'écran. Après, les deux joueurs ne font pas beaucoup d'erreurs pour l'instant. C'est vraiment très très fermé, même si on a déjà vu un but. C'est vrai. Fellaini. Mid. Avec à nouveau Fellaini, on revient en triangle sur Koulibaly pour Théat et un changement d'aile pour Dan. Ouais. Il fait tourner Courtrai, il mène au score, normal. Il attend. C'est normal, on aurait presque pu l'anticiper sans avoir même davantage et de buts marqués. Je pense qu'on va, on va le voir du côté de Saint-Tron et on va tenter de changer un peu tactiquement. Ouais, bien vu avec Hazard, c'est le 2-0, on fait tourner mais on avance vers l'avant malgré tout. Ouais. Xavier. Ouais, j'ai eu peur d'une position de hors-jeu quand même, mais apparemment non. Ah, je l'ai pas du tout vu par contre, quelle frappe, premier poteau, quasiment lucarne, chapeau. Oui. Et si ben Ardixa pour Saint-Tron qui va faire quelques ajustements, parce que, ouais, il est mené 2-0, il reste beaucoup de temps mais il doit revenir, il doit réagir. On retrouve un Mansu très
très éclatant hein, comme on l'attendait d'ailleurs en début de compétition. Et très efficace à deux occasions de but. Toujours, toujours. Rappelons que Courtrai, pour l'instant, dans ce classement général, eh bien, ce n'est que 5 points, c'est-à-dire assez peu en 5 matchs par rapport à la cabine du joueur. Donc un match gagné, 2 nuls, 2 défaites, ça veut dire que même avec ces 3 points marqués, bah, il ne pourrait pas faire mieux qu'une 7ème position. Hein. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais... Même pas, 8ème. Parce qu'on a l'Union Saint-Gilloise à 9 points. Ouais. Donc on a vraiment besoin de ces points. Pour l'instant, Ardixa vient de mettre un point d'avance sur Manse grâce à son nul face à Charleroi. Ouais, c'est deux joueurs qui sont vraiment, comme on l'a dit, hein, aux portes du top 8. Donc la victoire est très très importante pour les deux joueurs. On risque d'être décroché, d'avoir un peu du mal à accrocher ce fameux top 8 synonyme de playoff. Le relancement de ce match, 2 buts à 0. Le break qui a donc été fait, je vous le répète. En une seule demi-heure de jeu, et on vu du style de Manse, c'est assez étonnant, c'est plutôt rare quand on y pense. Je l'ai déjà vu une fois, je crois, dans cette compétition, être particulièrement bon offensivement et marquer des buts assez rapidement, mais de manière générale, ça a tendance à arriver plus tard dans la... Oui, et puis c'est vrai que, de manière générale, même ces matchs cette saison, ils n'étaient pas forcément... Après, j'attends ici, on va peut-être voir un but du côté de Saint-Tron, mais ils étaient plus jamais trouvé vraiment très très fort cette année. Et là, pour moi, c'est peut-être, après bon, seulement 36 minutes de jeu, peut-être son match le plus cohérent et le plus complet. Abouti. Voilà. La récupération de Fellaini avec Hazard, De Bruyne et le tacle d'Arthur Théat. Est important hein, ce tacle. Emil Kovacevic de retour en défense centrale. Tu le disais, effectivement, on a vraiment un profil défensif hein, du côté de... Après, c'est un milieu défensif. Et comme dans le vrai foot, souvent, tu as le milieu défensif qui revient un petit peu entre les deux centraux. Donc, c'est... Ah, c'est logique de le voir là de temps en temps. C'est ça, c'est cohérent. Mais ça revient, ça rebondit vraiment avec l'analyse qu'on avait fait il y a quelques minutes. Hein. Oui. Fellaini en retrait sur Koulibaly. Alors que là, justement, à l'inverse, on le voit beaucoup plus haut sur le terrain. Dans la ligne, dans la charnière finalement entre la défense et l'attaque. C'est de construire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pressing de Saint-Tron. Hein. Bah, pour quelqu'un qui est mené 2-0, peut-être qu'on attend la fin de la première mi-temps aussi. Peut-être. Hein. On attend peut-être cette transition. De Bruyne, Milinkovic-Savic. De Bruyne, encore une fois Milinkovic. Fellaini. Il ne se passe pas grand-chose là, on attendait l'opportunité. Chose que Saint-Tron n'a pas laissé apparaître, mais évidemment ça a permis à Contré de faire tourner jusqu'à la fin de la première mi-temps. 45 minutes de jeu joué et 2 buts à 0 pour l'instant. Ouais, et un match bien mené. Mais il n'est pas forcément inquiété non plus, Manse. Non, c'est clair. S'il n'y a pas de réaction du côté de Saint-Tron en deuxième période, ça va être une victoire assez simple pour Courtrai. Bah, ça, c'est clair. Et il ne va pas s'en priver, évidemment, de faire tourner le ballon dans cette position. C'est clair et net. On va voir, dans tous les cas, ce que nous réserve Ardixa pour essayer de remonter au score. En tout cas, on sait qu'il est capable et il va réagir. Après, est-ce que ça va être suffisant? Ça, c'est autre chose. C'est la question subsidiaire. Et si on voit que Manse, il prépare son... 5-2-1-2, donc au cas où, Ardixa revient à 2-1, peut-être moi qui défend encore plus bas. On notera que tu as réussi à remarquer que c'était un 5-2-1-2 et pas un 5-3-2, évidemment sans regarder le chiffre en dessous. Ouais. Ça, c'est, on sent le spécialiste des formations. Hein. Ouais, bah, tu vois justement que tu as un milieu offensif central qui est un peu plus haut que les deux autres milieux centraux. Ouais, mais en si peu de temps, il faut faire l'analyse, hein, Xavier, faire l'analyse. Hein. Des années d'expérience. Des années d'expérience. Tu peux dire que tu es vieux, hein, c'est une autre manière de le dire. Merci. Allez, Sergei Milinkovic-Savic, ça arrive souvent en ce moment d'avoir de nouvelles formations dans les faits, ou on reste globalement sur les mêmes formations? Ça fait plusieurs années qu'il n'y en a pas de nouvelles. C'est ça, hein. J'étais en train de me faire la réflexion et je me suis dit dans le doute, je vais quand même poser la question. Oui, il y en a 30, précisément. Après, il n'y en a pas suffisamment de nouvelles, peut-être dans la vie réelle aussi. Ouais, voilà. Après, tu peux toujours mettre un milieu un peu plus haut, un peu plus bas, mais ça revient toujours plus loin. Bon, je propose un 1-1-8 en formation. Voilà. Mertens. Je me souviens que je faisais ça en 2010, quand j'étais vraiment très très jeune. J'adorais faire ce genre de composition et perdre les matchs du coup par la même occasion. Tillemans. Peut-être que tu aimes bien perdre, mais ça c'est encore un autre débat. Oui, je suis pas trop dans le masochisme. Tillemans. Tillemans pour Mertens. Et bien vu cette profondeur ici sur la droite avec Eden Hazard. Et oh, Courtois qui, honnêtement, on mériterait une petite jaune. On est d'accord que là, c'était pas totalement réglementaire. Il jouait le ballon. Il jouait le ballon. Mertens. L'arbitre a toujours raison, maintenant.
Mertens toujours qui déborde cette frappe de Mertens. Finalement arrêté avec Jong. Jong en retrait sur Mail, Fellaini, Milinkovic. Et joliment fait sur Jong. Bamba. Bamba pour David, Mertens, De Bruyne. Et Hazard avec Mertens à nouveau. On fait tourner ce ballon, on revient sur Traoré. Traoré encore et finalement ce ballon sera récupéré par Attal qui va le sortir en corner. Un corner qui va être rapidement joué sur l'adversaire. Attal qui peut se relancer. Oui. Il a pas mal d'espace pour lui, mais tu vois, il a pas voulu prendre des risques. Il revient derrière, il fait tourner, il mène au score, il garde le ballon. Voilà. Ça, c'était une minute de jeu et pas de danger. Un petit peu quand même, mais ça reste léger pour l'instant. Ouais. Milinkovic, Théat, Attal. Ça fait vraiment tomber. J'ai l'impression qu'on enchaîne les matchs un peu, ouais, un peu plat, hein, un peu fermé en tout cas. Ouais, les joueurs, tout doucement, ils ont envie d'assurer et de prendre de risques. Donc, vaut mieux conserver le ballon plutôt que vouloir toujours attaquer et puis prendre des buts en contre-attaque. Après, il y a un problème de pressing aussi potentiellement du côté de Saint-Tron. Ouais. Après, il a peut-être pas envie de trop se découvrir non plus. Ouais, mais le problème, c'est qu'à 2-0, tu te dis. Bon, après, c'est vrai que plus le match avance, plus ça va être compliqué, mais à 2-0, tu te dis. 2 c'est possible de remonter, mais à 3 c'est presque fini. C'est toujours la dualité entre je vais encaisser plus de buts donc j'ai peur et en même temps je dois marquer des buts donc il faut que j'y aille. Ouais. Attention à Jonathan David ici peut-être avec la frappe arrêtée par Koulibaly, ce ballon sort une nouvelle fois en corner, va-t-il être joué un petit peu mieux? C'est joué à l'arrêt Moise avec Mertens. Mertens au second poteau et encore une prise de catch de Thibaut Courtois sur l'ensemble des joueurs de Courtrai, de Saint-Tron pardon. Voici justement cette équipe au ballon avec Mertens, De Bruyne, David. C'est pas mal, c'est très bien joué, c'est très très bien joué. La voici l'occasion franche qu'on attendait. Oui. Alex avec une belle frappe croisée à terre. Parce que doucement on se rapproche d'un but de Saint-Tron. Il manque encore un petit quelque chose, mais après malheureusement il reste de moins en moins de temps, donc ça va être compliqué pour revenir arracher le nul, voire gagner. On a déjà vu pire, hein. Et si on arrive à marquer avant la 80e notamment, je pense que on pourra vraiment avoir une fin de match enflammée. Oui. Courtois sur Attal. Ouh, le contrôle est compliqué. Ouh, le contrôle était compliqué. De Bruyne qui va devoir sortir ce ballon en touche. On a donc à un quart d'heure maintenant, un peu plus d'un quart d'heure de la fin de ce match. On a Lukaku dans les subs du côté. Je crois que c'est du côté de Saint-Tron ici. Ouais. C'est vrai que pourquoi pas le faire rentrer pour apporter un peu de physique, si c'est possible. Mais... je sais pas du tout si ce serait une bonne idée de faire monter Lukaku dans cette position. Enfin, je pense que ça peut être pas forcément mauvais. Courtrai va jouer de plus en plus bas. Donc avoir un vrai point d'appui dans l'axe, ça peut être bien aussi. Mmh. Non, c'est clair. C'est qu'il y a des joueurs qui apprécient... ouais. Pas suffisamment même le faire monter, mais le jouer de base. Lukaku. C'est vrai. Pas beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien jouer avec. Il y avait Serein, notamment. Oui, début de saison. Et on avait vu aussi le cercle de Bruges, je pense, contre Eupen ou un truc comme ça. Qui joue avec. Possible. C'est très très possible. Je crois que ça doit être le cercle de Bruges. Je pense pas que Pen joue Lukaku. Ah non, que peut-être. Non, c'était le cercle de Bruges, mais je crois que c'est dans ce match-là. Ah oui, ok. David la frappe, arrêté par Traoré. Mais ça peut être tout à fait efficace. Hein. On avait déjà souligné d'ailleurs quelques buts qui ont été marqués par Lukaku dans cette compétition pour l'instant. Ouais, c'est un style de jeu un peu différent, mais voilà, si tu adaptes ton gameplay aux joueurs que tu alignes sur le terrain, ça passe. De Bruyne cherche Traoré, à nouveau vers De Bruyne, à nouveau vers Traoré. L'aile gauche pour l'instant, faut aller marquer. Hein, du côté de Saint-Tron, il faut espérer encore aller marquer celui peut-être sur cette profondeur avec la même frappe. La même frappe, encore un peu plus dévissée ici en l'occurrence. Un tir croisé à terre. Ouais, il trouve la faille, sauf que le problème c'est qu'il n'arrive pas à concrétiser ses occasions. Donc malheureusement, le score reste 2-0. Tout à fait, récupération encore une fois de Dardixa. 4 contre 5, ça peut créer quelque chose. Là, on est passé en ultra défensif hein, du côté de Mathieu, ça se voit. Tu parlais de cette formation. Oui, il reste 2 minutes, là, 2 goals d'avance, donc il doit maîtriser et pas se faire peur. 5-2-2. Ouh, attention, c'est pas mal ça aussi. Attal. Attal peut-être face à Théat, il doit réussir à déborder. Ou peut-être va-t-il essayer juste de temporiser, c'est possible aussi. Il y a plus de joueurs de Courtrai dans le camp adverse là, actuellement. Eden Hazard encore, le râteau. Et c'est l'occasion d'aller marquer ce but avec Milinkovic-Savic qui fait son travail offensif également. Ouais. 3 buts à 0.
L'écart maintenant me paraît stabilisé. Une seule victoire contre eux. Oui, une action rondement menée. Hein. Franchement, c'est une belle action bien construite du côté de Courtrai. Très très bien joué, tout à fait. Même jusqu'à la fin, et on a vu hein, dès la frappe de Milinkovic, on savait que ça allait potentiellement rentrer. Ouais. Bonne note en dribble d'ailleurs. Mais non, ça a trop été un bon joueur. C'est vrai, hein, ça. Très très vrai. Chong sur la droite. Le râteau et on déborde, on revient en arrière sur Attal, Tillemans, Hazard, et non ça ne passera pas. Ah peut-être un petit but. Ah le but de la consolation sur cette récupération haut sur le terrain, 3-1. Ça m'étonnerait qu'on arrive à refaire les deux buts d'écart. Ah bon, moi il a inscrit un but, mais c'est vrai que je pense pas que ça lui servira beaucoup dans ce match. Bah, un petit peu mentalement, moralement, voilà, pour l'avenir. Sinon tu as raison. Théâtre. Fellaini. Hazard. Dans l'occasion, ce sera court 13ème. Hein. Ouais. Ce sera pour Manse. Il va falloir l'utiliser avec brio à bon escient. Pour essayer peut-être de marquer un petit 4-1. Non, je pense qu'on va plutôt calmer le jeu. Ouais. Et se contenter de ce score. Victoire donc de Manse Bogarts face à Jason De Villers. Manse donc face à Radixa. Une victoire qui, sur l'ensemble du match, me paraît plutôt méritée. Je suis un peu plus mitigé. Je pense qu'il y a une mi-temps pour une équipe, une mi-temps pour l'autre. Sauf que ben, Mainz a inscrit ses buts assez rapidement. Puis après, il a géré le score. Mais on a vu en deuxième mi-temps, ben, Hardiksak a vraiment voulu revenir au score. Sauf qu'il n'a pas forcément réussi à inscrire des buts. Mais en soi, il n'a pas démérité non plus dans son match. Mais c'est vrai que la victoire était un peu plus logique pour Courtrai. Mais je trouve pas qu'il a fait un mauvais match non plus, Hardiksak. Je pense que tu veux dire. Peut-être que si la seconde mi-temps était la première, avec des formations qui auraient été un peu différentes, des formations un peu plus classiques, Hardiksak aurait pu tirer son épingle du jeu, marquer ce but. Et voilà. Que ça aurait fait l'inverse en termes de match. Exactement. Okay, donc je vois ce que tu veux dire. En tout cas, ça s'est peut-être joué sur la consistance en entrée de jeu, en l'occurrence, et c'est là-dessus que Manse parvient à l'emporter avec ce score de 3-1. Donc un très très beau score, hein, même de manière générale. Pour ceux qui nous rejoignent, un petit aperçu d'ailleurs des matchs qui ont déjà été joués. À cela, vous devez rajouter un match qui a été joué entre Saint-Tron et Charleroi, pardon, qui s'est soldé sur un score d'un but à 1. Il nous reste encore 4 matchs à suivre ensemble. Et parmi ces 4 matchs, le prochain, c'est maintenant. Nouveau match, et bien là tout doucement il commence à y en avoir de moins en moins à l'affiche. On le disait, il y a encore quelques matchs, il y en reste encore beaucoup. Maintenant il en reste un petit peu moins, mais ils resteront évidemment toujours aussi beaux. Et là une confrontation qui pourrait, je vais pas dire être décisive, mais c'est simplement que on s'attendait peut-être à l'inverse d'un point de vue classement général à l'entrée de compétition. Ouais, c'est vrai qu'on sort à une bonne saison de Miran, pardon, du côté de Malines, et pour le moment c'est très décevant avec seulement un point, un seul but marqué. Par contre, du côté du Berscott avec Rune, il fait un bon début de saison pour le moment. Donc, je pense que ça peut être un match, on le répète souvent avec Miran, on pense qu'il peut prendre des points et souvent on se trompe. Mais j'espère qu'ici, il va pouvoir faire quelque chose. Mais c'est vraiment une grande surprise. Hein. Le joueur du Berscott pour l'instant, Rune, qui nous propose un très très bon niveau de jeu, qui arrive à montrer de grandes qualités. Alors, est-ce qu'il va réussir à conserver son top 8? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Mais il a été chercher des résultats. Là, on ne l'attendait pas spécialement. On l'attendait plutôt bas, du coup, vu la performance de Capitores durant la saison précédente, et en se disant qu'il y avait un remplacement, etc. Un joueur qui est issu d'ailleurs du club pro du Berscott et qui montre vraiment de belles choses. Et comme tu l'as dit, Miran, c'est le point un peu plus... Je sais pas si on peut parler de déception, parce que les années précédentes, c'était un peu la même galère. Oui, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'attentes pour lui vu sa toute première saison. Et depuis, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, on a confiance. On sait qu'il peut faire de belles choses quand même. En plus, ça fait un moment maintenant qu'il est sous les couleurs de Malines. Après, il s'étire. Il a l'air de bonne humeur. Peut-être que c'est le jour qui va lui permettre de s'en sortir. Il a l'air relax, bien décontracté, donc pourquoi pas. On a hâte de voir ce que ça va donner dans tous les cas. Le match qui va bientôt pouvoir se lancer. Compliqué de faire un pronostic, mais normalement, ça devrait être à l'avantage du Berscott. C'est vrai que sur papier, normalement, quand on voit le truc, on se dit que le Berscott devrait pouvoir s'imposer. Le Berscott récemment, c'est néanmoins une défaite 2-5 contre Zulte Horgem. Donc un élément qui peut déjà être un peu plus problématique, mais une victoire contre Sorin 2-0. Durant le match encore précédent. Un joueur qui avait joué ses 5 matchs néanmoins, donc on le voit 8ème pour l'instant, mais pas mal de joueurs avec les points marqués aujourd'hui et qui n'avaient pas joué les matchs précédents, donc je pense à Charleroi, je pense à Saint-Tron, pouvaient remonter. Saint-Tron, ça n'a pas été le cas, par exemple. Ouais. Après voilà, sur papier, normalement, il devrait aller chercher la victoire et monter à 10 points. Sur le papier, peut-être que ça va être
la revanche finalement de Miran. Ouais. Ça part mal quand même pour une revanche avec cette perte de balle immédiate au profit de San Yang et de Koulibaly. Bon, j'avais évidemment fait l'erreur un jour en les confondant avec l'autre Koulibaly. C'est pas évident, ouais. C'est parfois un peu plus difficile. Heureusement, il y a une lettre de différence de Bruyne. Koulibaly, Fellaini. Et on revient sur Mail. Koulibaly qui n'est d'ailleurs plus joué. Enfin, l'autre du coup, Koulibaly. Ouais. N'est d'ailleurs plus joué, j'ai l'impression. Je ne le vois plus en défense centrale. Bah, ça dépend, on le voit souvent. Mais c'est vrai que là, il l'a. Enfin, c'est pas du côté de. Du Berscott, on va voir, mais c'est vrai que pour moi c'est dur vu que c'est eux qui ont la possession du ballon, on voit plus leur secteur offensif. Tout à fait, alors que de nouveau nous avons un petit problème technique qui fait que malheureusement nous ne voyons pas ce qui se passe actuellement à l'écran. Donc là, ça devrait revenir assez rapidement, on espère en tout cas pouvoir suivre le match. C'est de retour, le Berscott au ballon avec De Bruyne à récupération de l'autre, du coup Koulibaly. Ouais. Ça revient avec Mertens encore, Mertens toujours dans le rectangle. Ça revient sur Fellaini. Et ça temporise aux abords du rectangle. Quoique De Bruyne Kevin De Bruyne pour le premier but du Berscott. Miran qui n'en peut plus, qui feint la tristesse et les pleurs. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup là. C'est vrai qu'il a un peu du mal. Et malheureusement, ce match commence un peu comme tous les autres. Comme, mais oui. Et à chaque fois, il encaisse tôt. Hein. Avec ce tir incroyable. De l'extérieur du pied. Ouais. Moins de 10 minutes de jeu et de 20-0. Et oui. Et oui, oui. Mais ça devient une constante. Hein. Oui. Ça devient une constante. C'est vrai que ces débuts de match sont rarement bien. Et là, on perd ce ballon encore. En plus, il était en position d'enjeu. Donc la passe était de toute façon non opportune. Bamba. Milinkovic avait tué, c'est titularisé d'ailleurs du côté, ouais, de Malines. De Neuer qui va perdre. Enfin, plutôt qui va récupérer, pardon. Mais justement, si on l'a vu, son nom s'afficher, c'est qu'il était déjà en passe de le récupérer dès la passe donnée. Attention, mais le. Pour Diatta maintenant. Diatta aussi. Diatta, un des joueurs alignés du coup par, ouais, Malin. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que Malin, il a quand même une compo assez spéciale. C'est vrai. Koulibaly, Traoré, De Bruyne. Koulibaly, San Yang. Attention, ça déborde bien. Est-ce qu'il va pouvoir faire le travail d'ailier ici, San Yang? Pourquoi pas. Koulibaly à nouveau avec Hazard. Et non, ça ne pourra pas passer la récupération finalement de Malin. Ouais, pour moi, le Berscott qui joue quand même pas mal. Hein. Tout à fait. Mertens, oh, il a une grosse profondeur à donner. Maintenant, c'est un peu trop tard. Il va devoir temporiser. Donner en second temps sur Bamba. Jonathan Bamba pour Baker, qu'on cite pour la première fois depuis le début de ce match. Et finalement, c'est une récupération du Berscott. Oh, elle est belle. Oh, elle est très très belle. Elle est magnifique pour Eden Hazard. La frappe d'Eden Hazard, 2 buts à 0. Le break qui est fait par Bigroun. 20 minutes de jeu. Là, ça devient vraiment, ouais, catastrophique pour Malina. Ouais, c'est vrai que ça devient très très compliqué. On sait qu'il a vraiment du mal à marquer. Donc, 2 buts de retard ici. J'ai peur qu'il prenne un score flop. J'ai peur aussi. Ça nous renforce en moins dans l'idée que Bigroun est vraiment. Est vraiment bien positionné. Oui, après, c'est dur. Hein, parce qu'il joue, faut pas oublier, il joue contre Malin. Ok, on sait que c'est un bon joueur, Miran, mais pour le moment, pas seul café, il est dernier, il prend 20 mètres points. Donc, pour un joueur qui vise le top 8, ça poser contre Miran, c'est normal. C'est clair. C'est clair et net. À notre tour, finalement, cette image, on le citait en avant-partie, en avant-match, de Miran comme étant un joueur décisif. Et c'est vraiment très dommage, très triste de le retrouver dans une position comme celle-ci. Oui. Diatta sur la droite face à Théâtre. Et Théâtre qui va faire son travail, sortir ce ballon en sortie de touche. C'est Mille qui sera porteur derrière, mais ce ne sera que de courte durée vu la récupération du Berscott. C'est vraiment un match compliqué à jouer pour Malina. Oui. Non, je le vois pas forcément. Enfin, si, on voit 2-3 petites actions, mais je le vois pas forcément revenir dans ce match. Ah, moi non plus. Malheureusement, moi non plus. Alors que j'entends qu'on est en train de se rapprocher tout doucement du rectangle, alors que les problèmes techniques s'amoncellent. Mais heureusement, là, l'écran est revenu. L'image nous est revenue. De Neuer. Théâtre. Avec Mele. Pour Fellaini. Première demi-heure bientôt terminée. Et c'est déjà 2 buts à 0, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Hors jeu par contre là, Eden Hazard. Non, même pas hors jeu, Eden Hazard, intéressant. Je croyais pourtant largement en position d'hors jeu.
Mertens dépasse mon jambe, petite feinte, on se retourne et finalement non. Ce sera Jonathan David, porteur de ce ballon, Milinkovic-Savic qui tente de le relancer. Il faudrait marquer avant la fin pour moi de la première mi-temps, mais on arrive vraiment à rien créer du tout, Xavier. Non, c'est vrai que pour le moment, bah, ouais, ça récupère de temps en quelques ballons, mais ça se crée pas d'occasion très très franche. Koulibaly, Hazard et De Bruyne. De Bruyne sur l'aile gauche, tente de rentrer dans le jeu, rentre dans le rectangle et retente de revenir en retrait aussi. Son succès, Mouad qui a repris. Avec donc Diata pour Mill. La longue passe en transversale pour Baker. Avec une longue profondeur derrière. Mais elle est hors jeu. Elle est hors jeu. Quel match difficile pour Malin encore une fois. Ouais. On n'arrive même pas à s'approcher du rectangle. Hein. On perd le ballon consécutivement en milieu de terrain. Oui. Diata. Fernando Diata revient en retrait. On retrouve plus aussi son jeu technique habituel à Miran. Non. Non, c'est vrai que même l'année dernière, en mode 90 avec les 5 étoiles de jeu technique, on s'entendait à Miran très très technique et on l'a pas forcément vu non plus. Attention là, il est rentré dans le rectangle cette fois-ci, c'est bien fait, c'est bien réalisé, on n'était pas loin de ce but pour Miran. C'est dommage. Allez, ça va peut-être le relancer dans ce match. Lui redonner des espoirs et notamment aussi cette passe ratée du Berscott évidemment va aider à ce processus. Mertens, Diata, David Diata à nouveau, c'est pas mal du tout, ça rentre bien dans le rectangle, il peut créer quelque chose encore, avancer, la frappe, bien, très bien défendu par les Berskets. Ouais. Ouais, l'occasion juste avant, c'est peut-être l'occasion de déclic du côté de Miran, en tout cas je l'espère pour lui, pour se réveiller un petit peu. Ouais, parce que sinon on est sur un match un peu déséquilibré, ce qui est toujours un peu plus dommage à commenter bien entendu. Ouais. Milinkovic-Savic, longue passe en profondeur ici, elle est belle hein. Et je pense pas qu'il y avait beaucoup d'autres solutions, on était en fin de temps additionnel, il fallait envoyer le ballon loin devant, ça a été tenté. Fin de la première mi-temps, donc 2 buts à 0, c'est un score qui finalement n'est même pas totalement immérité hein, pour Big Brown qui contrôle bien le match. Non, il contrôle bien le match, après c'est vrai que depuis qu'il a fait 2-0, on a vu Miran un peu revenir dans le match et Big Brown être un petit peu moins présent. Mais je pense aussi qu'il voilà, gère aussi un petit peu plus son match de manière différente. Bah depuis le 2-0, qui était fait quand même assez tôt dans la rencontre, et le premier but également, bah, il n'a pas besoin spécialement de jouer sa carte offensive. Ouais, hein. Parce que ça ne m'étonnerait pas que si par exemple Miran arrive à faire 1-2, que directement derrière il fasse 1-3. C'est tout à fait possible. C'est vrai que depuis le deuxième but marqué, en fait, c'est très simple. Bicron a eu 2 occasions, 2 buts. Oui. Miran en a eu 2 également, avec 0 but, dont notamment une grande, enfin deux qui se sont réellement enchaînés, hein, on peut le dire, dans cette fin de première mi-temps. Ouais, c'est vraiment ça. Relance, donc. La moitié du match a été faite, on attend la deuxième. Peut-être un peu plus de spectacle malinois, ou alors peut-être le 3-0, qui pourrait être tout à fait... possible également. C'est vrai que moi, à la place du Berscott, j'essaierai peut-être de mettre le troisième but pour avoir une marge de sécurité un peu plus grande quand même. Et après là, on serait vraiment dans une position très confortable. De Bruyne. De Bruyne pour Carrasco. Carrasco, les passements de jambes, il rentre, il va continuer de rentrer. Le petit râteau ici et c'est Attal qui vient reprendre ce ballon, relancer immédiatement Jankovic pour Mertens. Il y a une profondeur à donner potentiellement à gauche, il est seul, elle a été faite. Et attention peut-être parce que là c'est l'occasion de créer quelque chose. Si on arrive à proposer un jeu technique. Oui, elle était passée puis elle a voulu revenir en arrière et malheureusement c'est contré par le Berscott. On a mal anticipé les gestes défensifs adverses. David, non, ça va être récupéré tranquillement, parti pour Courtois. Et là c'est peut-être une des premières contre-attaques du Berscott aussi. De courte durée, attention, est-ce qu'on va frapper? On aurait pu frapper ici, Bamba. Ah là là. Alors on a connu des occasions plus magnifiques, mais c'est le deuxième but de Malin. Ouais, un peu offert, hein. Par le Berscott, il est gentil, il offre un petit but à Miran. Ah, c'est donné, c'est littéralement donné à ce stade. Vraiment, c'est plus une erreur du Berscott qu'un but de Malin, hein, en l'occurrence. C'est dommage, surtout qu'on fait un plutôt bon match. Et ça va changer totalement la donne, évidemment. Alors tu as dit qu'au 2-1, on pourrait se retrouver face à un 3-1. On va voir. Si tes pronostics s'avèrent vrais, s'avèrent réalistes. En tout cas, je l'espère pour le joueur du Berscott. Mais après, ça serait chouette de voir Miran prendre des points aussi. Oui, mais après, voilà, c'est toujours l'effet, je vais pas dire petit poussé, mais on s'est compris. Hein. On a toujours un billet qui nous pousse à encourager les joueurs avec un classement un peu plus bas.
bien qu'on essaie évidemment de réduire au maximum en tant que commentateur, parce que l'air de rien, là en plus, le petit poussé, si on veut l'appeler comme ça, conserve de plus en plus le ballon. Ouais. Hein. Non, tout doucement, il est de plus en plus présent dans le match. Depuis le 2-0, on voit Miran qui revient bien. C'est peut-être encore l'occasion de faire démentir son classement général. Après, on sait bien qu'un point marqué, ce sera insuffisant, mais c'est toujours ça. Fellaini pour Hazard, la frappe d'Hazard. Pourquoi pas avec Eden Hazard? Après, un point marqué compte. Ok, c'est insuffisant vu la situation de Miran, mais peut-être que fin de saison, si Bikroun du côté du Berscott finit par exemple 4e ou 5e, bah, point, il se dira peut-être que c'est un bon point. Oui, mais on ne le sait pas à ce stade. Hein. Et puis même de manière générale, il pourra toujours faire un point contre Genk, Standard, Gantoise et Club de Bruges. Ça lui fera toujours qu'un seul point, 4 points en tout, et il restera très en arrière. C'est ça. Coup de pied de but. Plus qu'une demi-heure de jeu, et plus qu'un but d'écart également entre les deux équipes. Mertens en retrait sur Mir pour Fellaini. Et il va bien rechercher à la fois Carrasco et puis maintenant Traoré sur les droites, qui est monté, je pense, à la mi-temps aussi, non? Je suis pas sûr. Ah, peut-être pas. J'ai un doute aussi. Luke Bakio, par contre, attaqué directement par Attal. Et on peut lancer quelque chose. Elle est bien vue, cette profondeur. Elle est bien défendue, peut-être. Attention, le duel entre Denayer et Eden Hazard. La feinte qui va permettre, pardon, de relancer immédiatement David et... les yeux écarquillés de Miran face à cette erreur. Enfin, est-ce vraiment une erreur? Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, pour être honnête. Après, voilà, il a quand même pas mal de temps encore pour revenir, donc il faut directement passer à l'action suivante. On lance vite sur Hazard. Eden Hazard, est-ce qu'on a la balle de 3? La belle feinte d'Eden. Ah, c'était pas mal tenté. Hein. Et défensivement, c'était bien aussi. Hein. Oui, parce qu'on avait 3 défenseurs, mais c'était un peu en danger par la technique du Berscott. Ça devient intéressant tout ça. En tout cas, on va devoir mettre pause dans pas longtemps pour aller faire les changements tactiques importants, les remplacements importants, ou juste, tout juste pour ne pas que ce ballon sorte en touche. Et là, voici la pause dont on parlait. Elle est faite maintenant. Ouais, Miran qui met le pressing constant. C'est normal. Hein. Tout à fait normal. On augmente également le nombre de joueurs dans la surface. Pour l'instant, des choses tout à fait logiques. Qu'est-ce qu'on va proposer également du côté du Berscott? C'est la sous-question. Oui, on va le voir assez rapidement. Ah mais non, attendez. Est-ce que c'est vraiment Miran qui a mis le pressing constant? Oui. Parce qu'on est en train de faire l'ultra offensif là aussi du côté de Bikroun. Voilà. Est-ce qu'on est en train de préparer l'idée où Miran remonterait? Ah, peut-être au cas où, mais... Ça veut dire qu'il ne compte pas jouer de nul, je pense. Non. C'est lancé immédiatement. Et c'est perdu aussi immédiatement. Avec Carrasco pour Théat. C'est dommage, hein, il faut profiter de ce genre de corner, ce genre de phase arrêtée. C'est peut-être là-dessus qu'on pouvait trouver le joker. Et ça relance vite. Regardez comme le Berscott s'installe avec Mertens. Mertens sur l'aile gauche va rentrer dans le rectangle. Le joli râteau, il peut lancer en profondeur. Et Fellaini sera porteur de ce ballon finalement. Milinkovic, Xavi, tu peux relancer avec Hazard. C'est pas mal tenté, il faut défendre. Et c'est mal défendu là en l'occurrence de la part du Berscott. Hazard derrière, plus qu'un quart d'heure. Et là, la défense est en train de repointer le bout de son nez avec David. La belle passe en retrait. Ouh, Fellaini. Positionnement de génie. Ouais, il manquait vraiment pas grand chose pour que le Malin puisse faire 2-2. Par contre, là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique dans les petits espaces comme ça. C'est parfaitement joué de la part du Berscott avec Mertens dans le rectangle à nouveau. Mertens encore. Attention aux accords entre Melo et Théat. Ça commence un petit peu à... Ouais. À se débrider. À se débrider là dans cette fin de match. David, à droite, il y a de l'espace pour Jonathan Bamba. Et non, là c'est un peu plus compliqué. Ouais. Compliqué. Mertens. À droite, là, il y a un joueur esselé. Ça a été vu. Ça a été très bien vu vers Luke Bakio. Luke Bakio encore. Il va se retourner. Allez, pourquoi pas. Mertens, Hazard. Mertens à nouveau. Fellaini. On fait tourner le ballon, il n'y a quasiment pas de défenseur, il faudra trouver l'espace pour lancer quelqu'un. Ce sera peut-être Carrasco, bien vu les passements de jambes, il peut armer une frappe, il va tourner à droite, continuer sa course et déborder du rectangle pour en ressortir potentiellement. Non, il va revenir en retrait, regardez comme il s'est baladé dans le camp. Il s'est baladé dans le rectangle, Carrasco. Ouais, je pense que chaque fois, Malin l'a un petit peu justement écarté un peu du but, justement, sans
qu'il se baladait, mais il était pas dangereux en soi. Non, c'est clair. Sauf à la toute fin où il avait réussi à se retourner et il aurait pu ouvrir une passe en retrait. Attention, Hazard du côté de Malines cette fois-ci. Bien vu, la conquête à derrière. On va chercher Milinkovic pour Fellaini. Est-ce que c'est lui qui va marquer? Non, je ne pense pas. Bamba pour Mertens. Et le tacle finalement d'Hubert Scott. C'est un ballon pour l'équipe en mauve. Ouais, 86e minute de jeu, donc on se rapproche quand même des dernières actions. Peut-être ici 3-1 et puis bah, pour clôturer le match. Ouais, je pense aussi, on va aller chercher le second poteau. Le gardien qui sort, qui met la pression. Oh là là, Thibaut Courtois qui fait son travail. Quelle masterclass qui vient d'être proposée. Quelle prise de risque aussi. Après, il faut prendre des risques dans la vie des fois. Surtout dans cette position, Xavier. Oui. David, ouais, bien vu, très bien réalisé. Ça, c'est vraiment, ça s'enflamme ce match avec Jonathan Bamba. Bamba dans le rectangle, c'est un corner. Un corner qui va être joué. Attention, comment va-t-il être joué? Sur Fellaini, oui, c'est sur Fellaini. Attention, peut-être Fellaini. Ça va revenir dans les pieds de Sergei Milinkovic-Savic. Peut-être pour la frappe, il aurait dû frapper là, Xavier. Oui. C'est pas terminé, mais si ça l'est, c'est fini. 2 buts à 1, victoire d'Hubert Scott qui arrive quand même à soupirer et faire la boue en sa fin de match. Ouais, c'est vrai qu'au final, je pense que Hubert Scott s'est apposé, mais Miran a rien à regretter dans ce match. Si, peut-être ces 10 premières minutes de jeu où c'était un peu délicat, mais après, il a fait tout ce qu'il devait pour essayer de revenir au score. Il a eu les occasions en fin de match. Le ballon a un manque de réussite vraiment pour aller chercher cette dernière passe et ce deuxième but pour aller chercher le match nul. Ouais, très bien résumé. Après, ça n'aurait fait de toute façon qu'un match nul qui n'aurait, je le répète, pas été suffisant pour les deux joueurs potentiellement, parce que vu la situation de Miran, bah, c'est aussi assez mauvais, on peut le dire, pour le Berscott de perdre des points face à lui. Donc une situation de jeu assez complexe qui finalement se clôture en tout cas sur une victoire 2 buts à 1, un seul but d'écart entre le Berscott et Malines. Vous le voyez, il restera encore 3 confrontations. La prochaine est sur le papier peut-être un peu plus déséquilibrée. Charleroi-Serein, j'attends ça avec impatience pour être honnête avec vous. Et Ostende Louvain, c'est un match très équilibré mais dans le bas de classement. Au final, c'est 3 matchs plus ou moins intéressants. Oui, pour des raisons assez différentes. En tout cas, est-ce que l'Antwerp va réussir à ressortir un petit peu des tréfonds du classement général? On sait qu'il a le niveau. Est-ce que ça va être le cas? On voit ça tout de suite. Un match donc déjà très important pour l'Antwerp face à l'Union Saint-Gilloise. Une confrontation qui pourrait lui permettre de recoller un petit peu. À l'inverse, l'Union se verrait rattrapée. Ouais, c'est vrai qu'un match très important pour les deux joueurs. L'Antwerp qui a vraiment besoin de points pour recoller au top 8, enfin, potentiellement revenir un petit peu et rattraper un petit peu son retard. Et de l'autre côté, bah, l'Union qui peut prendre la tête du classement. Ouais, absolument. Absolument. Et ce serait quand même assez incroyable. Après, prendre la tête du classement entre gros guillemets, hein, parce que. À égalité avec Anderlecht. C'est ça, reconnaît la performance d'Anderlecht pendant les mêmes situations de jeu. Donc ce serait le rattraper. Ça se jouerait notamment au nombre de victoires et à la différence de buts. Mais malgré tout, oui, ce serait déjà un fait de jeu assez important. Et ça pourrait lui faire beaucoup de bien aussi au mental, lui qui a été très bien positionné depuis le tout début de la compétition avec ses 2 victoires à la suite en entrée. Ouais, c'est vrai qu'il a fait toujours des bonnes performances. C'est vrai qu'il a juste pris une défaite contre Serein, mais à part ça, sinon il a toujours fait de bons matchs, toujours très constant. Donc ici, normalement, ça devrait être une formalité. Dans un match d'ailleurs, on n'attendait pas vraiment Serein, hein. Par rapport à l'Union Saint-Gilloise, Optimum partait largement favori sur le papier. Et il a réussi à retourner un petit peu le jeu en son compte DNS. Mais on reparlera de DNS évidemment tout au long de la fin de cette journée. Face à lui, Alexander Zmet. Alors, c'est un habitué hein, de la compétition, on le connaît bien. Ouais. Vous le connaissez d'ailleurs probablement aussi bien que nous avec le temps et avec les années. Le truc, c'est que là, pour l'instant, il n'y est pas. Non, pour le moment, ça va pas trop. Ouais. Après, la compétition est encore très longue, on est qu'un tiers de la compétition, plus ou moins, donc il peut se rattraper, mais c'est pas forcément le meilleur match pour essayer de se rattraper aujourd'hui. Disons qu'on a connu des adversaires plus simples sur le papier qu'Optimum. C'est disons, après, s'il arrive à aller chercher cette victoire, pour n'importe quel autre match pratiquement, ce sera vraiment une prouesse cette fois-ci. Ouais, il faut juste qu'Optimum reste concentré. Évidemment qu'ils ne prennent pas trop à la légère ce match, comme peut-être on a pu le voir aussi avec El Sadar qui s'est fait surprendre aussi. Il fait partie pour moi de ces 5 joueurs qui seront quasiment d'office dans le top 8 final, hein, avec les 4 premiers du classement général étude de la journée précédente qui sont Genk, le Standard, la Gantoise, le Club de Bruges. Et je rajouterai bien aussi Anderlecht dans la même position qu'Optimum, les deux équipes bruxelloises. Ça veut dire que, imaginez ce que je vous dis s'avère vrai, il n'y a plus que 2 places. Oui. Non, les places vont être très très chères. Ça va être difficile. Hein. Oui. Lancement en tout cas de ce match avec un engagement qui sera pour l'Antwerp en blanc face à l'Union en jaune.
Emile qui va aller chercher Kevin De Bruyne pour Théat. Muta qui va conserver à droite. Essayer peut-être d'un petit peu déborder. Est-ce qu'on va avoir un run d'observation dans cette rencontre? Je suis pas sûr que les deux joueurs se soient déjà affrontés avant. Non, peut-être pas. Ok, Bakio avec Eden Hazard. Eden Hazard, oh, il s'est très bien ouvert cet angle de frappe. Ah, c'était très très bien vu. J'ai même l'impression que la défense s'est un petit peu trop laissée avoir sur le geste d'abord. Oui, et une action très très bien réalisée pour l'Antwerpen. Le selfie en célébration, c'est la première fois qu'on le voit aussi celui-ci. C'est vrai que c'est assez rare. pourquoi pas. Avec les caméras derrière et le fan de l'Antwerp derrière qui est peut-être vous. Un beau but, hein. Un très très beau but derrière, la frappe est excellente. Oui, toujours Hazard. C'est vrai que depuis qu'il est joué, c'est très très souvent lui qui marque. Oui, c'est vrai ça. Ten Hazard très très efficace avec Chasseur. Bamba pour David et Théâtre qui vient reprendre. On va se relancer sur Mertens et Carrasco. À gauche, je m'attendais à ce qu'elle soit plus en hauteur, mais elle est donnée sur Mertens qui parvient de gagner son duel de la tête. Mertens encore, Mertens, la frappe de Mertens. Arrêté par Thibaut Courtois. Oui, minute, déjà deux grosses occasions. Ah, c'est vrai que pour un moment, l'Inter se fait très très pressant et il est très bien dans le match. Hein. Avec une nouvelle tête de Koulibaly, il est très très bien dans le match, effectivement. Après, le match est encore très très long, hein. On n'est même pas à la 10ème minute de jeu, donc l'Union Saint-Gilloise a le temps de réagir, mais il faut faire attention, on a vu que l'Inter pouvait être très dangereux. On entend que du côté de l'Antwerp, on reste sur deux matchs nuls là récemment, contre Saint-Tron et contre l'Antwerp, contre la Gantoise. En finale, il a simplement jamais gagné, mais il n'y a que deux défaites. Hein. Non, c'est vrai, au final, il y a pire comme situation. Tout à fait. Et justement, il manque juste de deux points. Luque Bakio. Luque Bakio encore, le râteau, Into the Neyer qui vient joliment tacler et ce ballon Hazard maintenant. Et ce ballon sorti en corner. Mertens, bien vu encore cette passe et c'est une nouvelle fois Koulibaly avec la deuxième tête derrière. Heureusement position d'hors-jeu qui a été signalée à l'encontre de Théâtre. Ça commence vraiment à chauffer du côté de l'Union Saint-Gilloise. Hein. Ouais, fort, très fort. Nugop, qui n'était pas aligné à l'origine, mais qui l'est maintenant au vu des opportunités offensives que nous laisse la dernière mise à jour. Oui. Tillemans. Tillemans encore pour David avec Bamba qui se retourne parfaitement bien. Dommage qu'on ne parvienne pas à retrouver l'appui de Jonathan David ici. Ça aurait pu être une belle proposition. Carrasco revient vers Nengolan maintenant. Si France, l'Union Saint-Gilloise ne propose pas de meilleures choses, ça va être compliqué pour lui dans ce match. De l'emporter ? Oui, franchement, pour le moment, l'Inter m'a l'air vraiment supérieur. Bah, il domine, hein. L'équipe domine, va même aller chercher le 2-0, le 2-0 avec Eden Hazard. Est-ce qu'on est en position d'enjeu ? Pas du tout, en vrai, ça se voyait, hein. C'était simplement dans le doute. Ouais. Est-ce qu'on va refaire un selfie ? C'est la sous-question à se poser, non, on ne le fera pas. On ne le fera pas cette fois-ci. Ouais. Après, enfin, j'avais l'impression que c'est peut-être une conclusion hâtive, hein, parce que la conclusion est encore très longue, mais. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que chaque fois Optimum, ça fait deux fois que après le match ici, il va peut-être l'emporter. Hein. C'est que 2-0, oui, il passe énormément de temps. Mais chaque fois, les matchs où il peut prendre justement la tête du classement, en fonction des résultats de ses adversaires, il les connaît certainement. Chaque fois, il le perd. Contre Serein, avant le match de Serein, s'il gagnait, il prenait la tête du classement, il perd. Ici, c'est 2-0 et dans le même cas de figure. Est-ce qu'il se met pas trop de pression avant certaines de ses rencontres? Ouais, c'est très fort possible. C'est très très possible. C'est aussi un joueur jeune, hein, qui découvre le championnat de Belgique pour la première année. Donc il y a peut-être également cette pression. Après, il a l'habitude des compétitions, c'est pas du tout sa première compète. Mais malgré tout, c'est vrai que ça peut jouer. C'est vraiment les deux matchs où il est peut-être. Bon, après le match n'est pas encore fini, où il passe peut-être à travers son match, tandis que les autres matchs, c'est toujours de très très bons matchs. Après, Alexander Zimet fait un très bon match là, pour l'instant, hein, indépendamment du jeu d'Optimum. Il fait une très très belle réalisation, on le retrouve au niveau qu'on voulait. Déjà la semaine passée, c'était le cas face à la Gantoise. Hein. On l'a pas assez souligné, mais il y avait un bon niveau de jeu et ça se répercute encore avec cette occasion en trois temps. Oui. Décidément, il y a la pause qui va être demandée par Optimum, qui doit probablement avoir envie de faire des changements tactiques au vu de la physionomie du match actuel. Quoique, Bamba, Jonathan Bamba, et ça va être dur. Oh, quel arrêt de Thibaut Courtois! Quel arrêt magnifique de Thibaut! C'est vrai que l'action méritait un petit but. Après, c'est vrai que l'Inter a eu beaucoup d'occasions aussi, donc. Ça vient compenser un peu, parce que voilà. Ça pourrait être bien pire que 2-0 aussi dans l'autre sens. Hein. En une seule demi-heure pourtant. Le pire étant que pour moi, le score logique actuel, c'est 3-1. Ouais. C'est assez fou. Carrasco,
Carrasco encore à droite avec Serrato, il va pouvoir potentiellement redonner un ballon dans l'axe, c'est fait avec N'Golan. N'Golan pour De Bruyne, la frappe peut-être de De Bruyne qui va être donnée, contrée par Jason Denayer. Van Zer avec Bamba. Doucement, on voit quand même l'Union Saint-Gilloise qui... Je vais pas dire qu'il revient dans le match, mais je le trouve mieux que par exemple les 20 premières minutes. L'occasion doit lui faire du bien, et encore celle-ci en plus, ça va être but. Ça va être but, fallait que ça rentre. Fallait que ça rentre à un moment ou un autre. 2-1, Kevin De Bruyne. Les 5 dernières minutes, tu l'as dit, ont été à l'avantage de l'Union. Il a réussi à concrétiser. C'est un joueur très réaliste hein, aussi, oui. Optimum, donc ça aide beaucoup. Après, je pense qu'il y a aussi de quoi être un peu frustré à du côté de l'Antwerp qui aurait dû en mettre un troisième aussi. Oui. Non, je pense qu'on va avoir un match encore assez ouvert hein, pour la deuxième période, enfin, même s'il reste un petit peu de temps en première mi-temps, mais je pense que la deuxième mi-temps va vraiment être très très ouverte. Non, tout à fait. Mille pour Luke Bacchio. Et directement la perte de balle, profite l'Union avec Van Zer qui va perdre aussi. N'Golan avec Mertens, Mertens pour Hazard, Hazard, ouh, bien taclé. Enfin, bien taclé. Taclé, je dis bien dans le sens durement. Taclé. Et De Bruyne pour N'Golan. Koulibaly. Buta. Et tourner ce ballon sur l'aile droite. On va tout doucement avancer sur le terrain. Mais une récupération de Théâtre qui sort de sa posture défensive pour redonner ce ballon dans l'immédiat. De Bruyne. Bamba avec Van Zer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même ça relance bien. Et finalement. Eh bien, on va se heurter à une défense. Ouais, les contre-attaques très rapides comme ça du côté de l'Union Saint-Gilloise mettent souvent en difficulté l'Antwerp. Mertens, et on presse bien, hein, on arrive à récupérer le ballon assez vite et assez loin sur le terrain. Mertens, la frappe, 2-2. 2-2, but de Dries Mertens. Ah oui, c'est très bien vu. On voit la réaction qu'on voulait voir justement du côté de l'Union Saint-Gilloise, c'est bien pour le joueur. C'est très très bien pour le joueur. Après, on l'a vu dans cette... Finalement, c'est une belle illustration du fait qu'il ne faut jamais vraiment abandonner. Dans le sens où là, c'était 2-0, mais c'était un match ultra dominé par Anvers. Il aurait pu laisser filer le match et se dire, bah voilà, tant pis, ça va pas. C'est magnifique par contre ce qui vient de se passer avec cet enchaînement, avec la croquetta aussi derrière. Luke Bacchio qui tente de revenir sur une dernière tête, mais ce ne sera pas possible. Et la frustration monte du côté d'Alexander Zimet, alors que du côté d'Optimum, c'est l'inverse, elle descend. Ouais, du côté d'Optimum, on peut s'estimer heureux à la mi-temps, que ce soit 2-2. Et à l'inverse, du côté de Zimet, on se dit, ben ouais, 2-2, c'est pas forcément aujourd'hui mené au score. Donc mentalement, ça doit être dur d'un côté, de l'autre côté, un peu plus simple. Donc ça m'étonnerait pas que l'Union prenne l'ascendant en deuxième période. Et continue finalement d'asseoir une domination de plus en plus importante. Tout à fait. Tout à fait. Donc on verra, mais bon, c'est vrai que... Moi j'ai quand même hâte de voir ces 45 prochaines minutes. Elles peuvent nous réserver bien des surprises. Hein. Oui. Déjà 4 buts en première mi-temps, c'est bien. Oui, ouais, c'est pas faux. C'est même plutôt vrai. 4 buts, je vous le rappelle, hein, je le dis souvent, mais toujours important de le rappeler. Le record pour l'instant est de 9 buts marqués en un match. Oui. Les deux équipes confondues, bien entendu. Pour une seule équipe, il s'agit de 7 buts, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à dépasser ce record-là. Ouais, ça. Moi j'ai un doute. En tout cas, il va falloir m'expliquer comment. Mille avec Luke Bacchio qui se retourne bien, déborde et va se faire avoir par Traoré. Il aurait dû faire la passe un peu plus tôt, je pense. Il y a l'espace pour le faire. Bon. L'angle était peut-être un peu trop complexe. Fellaini, Attal. J'espère avoir une deuxième mi-temps avec sous les mêmes auspices finalement, avec autant de buts. Bon, on l'espère. Ouais, bien vu hein, sur le Québec qui était très ouvert sur l'aile. Maintenant il va falloir encore réussir à démanteler la défense adverse. Ce ne sera pas le plus facile. Bamba. Bah c'est bien vu, c'était bien vu, c'était pas mal réalisé du tout. Dommage qu'on donne la passe un peu trop rapidement peut-être à droite. Ouais. On avait le temps de contrôler ce ballon. Position hors jeu d'ailleurs qui a été sifflé. Ça va vite des deux côtés mais rien de concluant pour l'instant. Non. Non, ça va, mais c'est un peu moins bien que la première mi-temps. Non. Bon, après, ça ne fait que 10 minutes. Hein. Voilà. De Bruyne. Et on revient sur Tielemans. Par exemple, le genre d'action posée comme ça de l'Union, on n'en a pas vu en première mi-temps. Bah, logique, il était mené. Même en possession, tu vois, en possession, il allait juste vite vers l'avant. Mm-hmm. Il essaie pas de construire bien ses actions. Il voulait absolument aller marquer ce but le plus rapidement possible.
C'est le rééquilibre qui a été recréé littéralement. Ouais. Donc, c'est un scénario qui ne devrait pas imposer la recrudescence de buts. Non. Et oh, par contre, ça c'est un ballon rendu avec Bamba. C'est un ballon rendu, attention, avec Jonathan David Openda qui a la vitesse. Il a l'accélération pour le faire et on a passé deux défenseurs sur trois là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on va avoir un troisième match consécutif pour l'Inter? Ah mais ça serait trop, hein. Ça serait trop. Ce serait vraiment trop pour Alexander Zimet là. Même si c'est des résultats, des matchs nuls face à des adversaires assez coriaces. Clairement, sur le long terme, c'est très mauvais pour lui. Hein. Ouais, puis au final, il n'avance pas forcément beaucoup dans le classement. Il n'avance pas du tout. Attal. Attal pour Mertens, avec Bamba. Bamba, et on tente d'aller rechercher Mertens qui était encore par terre. Tielemans. Bamba. Avec des... Oh, pas mal tenté ça aussi, David. Ouais. Une légère domination quand même de l'Union, j'ai l'impression. On dirait, ouais. Fellaini. Avec Mertens à droite. Mertens sur l'aile qui va tenter de déborder, chercher David. Et c'est Courtois qui va dégager ce ballon en corner. Là, c'est vraiment l'inverse de la première mi-temps où ici on voit un peu plus l'Union présente. Et l'Inter qui essaie de jouer des petits coups par-ci par-là, mais qui est moins dominatrice. Oui, mais de manière générale, elle est plutôt quand même efficace cette équipe. Et elle a créé du danger sur cette seule occasion un peu esselée. On approche de la 70e aussi, Xavier. Oui, le temps des changements. Le temps des changements. Attal. Attal le retour, on va chercher Fellaini. Fellaini de nouveau vers Attal. On est bien enfermé. Regardez les défenseurs, la position de défenseurs de l'Union. Le problème, c'est que, regardez, il y a beaucoup d'espace sur les joueurs de l'autre côté. La frappe de Jonathan David. Mais je vous disais, à gauche, il suffirait de quelques transversales. Oui. La largeur, elle est faible hein, dans le bloc de l'Union. Ça, c'est clair. Attal. Attal toujours dans le débordement. Personne ne vient l'inquiéter. Personne ne vient l'inquiéter. Attal qui a pu remonter une bonne partie du terrain comme ça. Balle au pied. Cherche Bamba maintenant. Bamba encore. Et le tacle proposé par Attal qui ne devra pas perdre ce ballon. Pas le mettre en corner bien entendu. Ce serait dommage de créer ce genre de phase arrêtée pour l'adversaire. Le pressing de l'Union est assez important quand même. Hein. Oui, et l'Inter se fait souvent peur sur les transversales. Encore ici, ok, il a conservé le ballon, mais c'était limite. Juste avant, il a fait une autre transversale où il a perdu le ballon aussi. C'est peut-être pour ça qu'on hésite à les utiliser dans les positions propices. Traoré avec De Bruyne. Il va falloir techniquement trouver un moyen. Je regarde un petit peu le bloc de cette équipe de l'Antwerp qui est aussi un peu entre un 4-4-2 et un 4-2-4 parfois aussi. Mertens et la récupération de Fellaini. Compliqué maintenant de trouver des occasions du côté de l'Union. Mais vraiment. On n'arrive pas à trouver le bon espace. J'ai presque l'impression que malgré le fait qu'elle ne soit pas dominante, c'est bien l'équipe anversoise qui pourrait à court terme créer le danger. Ah, je pense bien. Attal, Mertens. Et Mertens toujours. Bien chercher Fellaini. Mais c'est spécial comme deuxième période. Ouais. Il y a moins d'occasions. Et c'est plus compliqué de dire s'il y a un avantage pour une équipe ou pour l'autre. Enfin, si, un peu plus pour l'Union. Mais regarde, par exemple, maintenant ici, on voit que l'Under garde bien le ballon. Donc ça se rééquilibre un petit peu aussi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est très difficile de vraiment comprendre la physionomie de ce match. Attention à Luke Bakio. Luke Bakio avec cet enchaînement. Il va chercher Eden Hazard. Un ballon récupéré par Tielemans. Il n'y a pas eu de phase arrêtée depuis très longtemps. Hein. Non, il ne va pas y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. Non, et il n'y aura surtout pas de pause technique. Attention à droite, attention avec Jonathan David peut-être. C'est l'occasion et théâtre. Il vient tacler debout. C'était joliment fait. La course d'Attal pour aller rechercher Mertens. Là, Attal qui devient ailier, hein, littéralement. Il passe même dans l'axe. Il va devenir émossé, Attal, maintenant. Il est toujours positionné pour d'ailleurs Fellaini pour David, attention. Ouh, c'était pas loin, c'était très chaud. Ouais. Peut-être la dernière occasion, ça va être trop tard. C'est... Non, non, ce sera pas trop tard, ce sera pas trop tard. Ce ne sera pas trop tard pour Jonathan David. Avec... Ce sera trop tard, Xavier. Voilà. J'ai cru que l'Inter allait faire le tac là, justement, pour arrêter le jeu, mais vraiment. Là, franchement, c'est un résultat qui va être frustrant
pour Alexander Zverev, je vous l'ai dit, ça fait 4 matchs nuls et 2 défaites. Donc ça veut dire qu'il a 4 points et qu'il est en dessous de bien des joueurs qui ont fait... Ouais, surtout qu'à 2-0, il avait l'occasion pour faire 3 ou même 4. Et au final, 7-2-2, de l'autre côté, Optimum peut s'estimer heureux d'avoir su... Après, il a très bien réagi en soi. Mais c'est vrai qu'au vu de la situation des 20 premières minutes, je pense que c'est un bon poids quand même pour lui. Stoïque, hein, on peut le dire Optimum aussi sur... sur cet écran qui a... Très déçu, je pense. Oui, je pense que des deux côtés, ça doit être un score qui ne les ravit pas. L'Union va donc monter à combien de points, en fait ? 11 points. Non, il n'en a pas 9, l'Union ? Ah si, il en a 9. Hein. Ah, il a 9 points, en avait 10, tu vois. Non, voilà. Il en a 9. Du coup, il va monter à 10 points, il va se replacer aux abords de pas mal d'autres joueurs dans cette compétition. Après, le problème, c'est que les matchs nuls, c'est... Sur le long terme, ça ne marchera pas. Mais bon, après, c'est toujours un petit point. On sait qu'à la fin de la saison, un petit point en plus, ça peut faire la différence. Encore un aperçu, évidemment, des scores qui ont tendance aussi à peu près dans les mêmes zones. On a deux fois un 3-1, deux fois des matchs avec un 2-2-2, des scores assez similaires. Donc, des confrontations, malgré tout, assez variées quand même. Le 0-0 entre Genk et Zulte Waregem. On est un peu en un entre-deux. On est vraiment dans une journée, je dirais, classique en termes de score. Oui, c'est vrai. Plutôt classique. Il nous manque un petit 0-0. Peut-être qu'on aura... Non, en fait, non, je vais pas dire ça, parce que tout le monde va quitter le stream. Je vous dis qu'il va y avoir un 0-0 après. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai perdu mon cerveau, je pense, durant le match précédent. Il n'empêche que le prochain match, c'est maintenant. Une rencontre qui, cette fois-ci, est, on peut le dire, 100% francophone. Non seulement au niveau des joueurs, mais également au niveau des clubs. Non, c'est vrai que voilà, les deux clubs sont francophones, les deux joueurs également. Et c'est un match avec deux joueurs qui sont assez proches quand même au classement, mine de rien. Ouais, tout d'un à fait. Côté, Charleroi avec Didista, et de l'autre côté, du côté de Serein avec DNS. Absolument, et c'est d'ailleurs, je vais pas dire que c'est étonnant, dans le sens où ça me dérange pas forcément l'idée qu'ils soient en même position dans le classement général, mais moi je m'attendais à avoir un Charleroi plus haut, on s'en rappelle, au vu de ses performances précédentes. Ouais. Et même le match nul aujourd'hui, en tout début de journée face à Saint-Trond, m'a pas totalement rassuré. Alors on l'a vu un petit peu mieux, il y a du progrès, mais on n'a pas le Didista de l'année précédente, quoi. Non, c'est sûr que cette année c'est un petit peu en dessous de l'année précédente. Après voilà, on a quand même qu'un tiers de la compétition, donc il peut faire une belle remontée aussi. Absolument. Et on a hâte de voir évidemment ce que ça va pouvoir donner face à lui. DNS, le jour de Serein, je sais pas si on peut appeler ça une belle surprise, parce que d'un point de vue du classement général, il n'est pas spécialement si haut que ça finalement. Il y a une nuance quand même à apporter, c'est que Serein a un match en moins. Oui. Et Serein a été chercher une victoire récemment contre l'Union Saint-Gilloise, là où on attendait, mais alors vraiment pas du tout. Donc ça pourrait tout à fait devenir une surprise de la compétition. Ouais, il a aussi pris un nul contre Mainz. C'est vrai que maintenant il a un peu plus de mal, mais Mainz, habituellement, toutes les années, il est quand même souvent présent dans le top 8, voire dans le top 4. Donc ça reste sur papier un bon résultat. Après, il faudra le voir. Pour moi, il n'est pas trop mal parti. Il est quand même en bonne position, parce que par exemple, s'il arrive à s'imposer aujourd'hui, il aurait 7 points et il serait aux portes du top 8. Il restera un affrontement également contre Eupen, hein, je vous l'ai dit, à refaire, qui datait du match day précédent mais qui n'a pas encore été joué. Pour la petite information, il y a également un autre match qui a été postposé, mais cette fois-ci de cette même journée pour cause de Covid, entre le club de Bruges et la Gantoise, ce qui veut dire qu'il nous reste ce match-ci face à Charleroi et le match entre Ostende et Louvain. Ouais, c'est le match qui va commencer tout vite, c'est vite. Oui, rapidement. Voilà. Il y a plein de mots à placer après tout, je comprends totalement. J'ai pas eu le temps de voir les compositions comme je l'aurais voulu, mais dans les deux cas, on aligne des joueurs de club en BU, ou du moins en attaque, et ça me paraît intriguant. Est-ce qu'on va les positionner en ailier après ou Oui, c'est juste vraiment pour le collectif en début de match. Là, en l'occurrence, c'est César Horry du côté de Charleroi qui va revenir en retrait sur Axel Witzel, dont on parlait justement. Oui. Et Charleroi qui a gardé Witzel, comme tu le dis justement. Et c'est toujours, hein, voilà, on est quand même à la fin de la journée. Au final, il n'y a toujours que lui qui joue Axel Witzel. Toujours, hein. Après, on aura peut-être une surprise sur le dernier match, pardon, mais c'est vrai que. Qu'est-ce qu'on a comme avantage avec Axel Witzel? Est-ce que même sans compter la ligue, parce que c'est ça qui est vraiment dérangeant, est-ce que c'est une carte qui est vraiment meilleure que les deux autres? Non, je pense un peu plus défensif que Tillmans par exemple. Toi, c'est un peu plus complet, on va dire qu'il est vraiment entre le Tillmans et le Fellaini. Tu vois, vraiment le joueur un peu plus complet, mais pas forcément très défensif ou très offensif. Ok, je vois. Tu considères faire attention à cette occasion avec Mertens. Oh, quelle passe tranchante de la part de Serein. Je l'ai même pas vu venir, honnêtement. Et même cette frappe, elle est très qualitative, alors qu'il semblait pas spécialement être en bonne posture pour l'armée. Ouais, c'est vrai. Après, c'est une frappe croisée qui vient un peu, on va dire, de nulle part.
Mais ça fait. Je pensais que Courtois aurait pu aller la chercher quand même. Moi aussi. Moi aussi, parce que ça semblait manquer un peu de puissance pour aller vraiment inquiéter le gardien. Mais ça n'a pas été le cas. Première fois également, en tout cas moi, que je commande serein sous ce maillot. Ouais. Je crois pas qu'on l'ait vu dans une autre couleur que. Non, c'est vrai que souvent il a eu des matchs à domicile. Ouais, donc peut-être le jour où je n'étais pas là, ça c'est possible. Ça fait un peu penser à Manchester City, toi, bleu ciel comme mais ça. Mais oui. De ouf, pour moi c'est de ouf, c'est le même maillot. Voilà. C'est du Man City tout craché. Atal, la transversale de Youssef Atal pour Poati, un des joueurs sélectionnés du club. Peut-être sera un bel passe pour Mertens, mais il était en position d'hors-jeu. L'idée était bonne, mais après c'est dommage qu'on n'a pas vu la ligne du hors-jeu pour voir exactement s'il était hors-jeu de beaucoup, mais c'est vrai que la passe comme ça entre les deux défenseurs, c'était pas mal essayé. Il s'est joué de peu dans tous les cas, je pense, vu la position de Mertens. Oui. De Bruyne, avec Kayembe pour Zarouri, définitivement aligné en milieu gauche. Openda a pas mal cette tentative, sans succès finalement, Charleroi. Qui pour l'instant n'a pas encore d'occasion franche dans ce premier quart d'heure. Non, pour moi, c'est quand même un match assez ouvert. On voit des occasions de deux côtés, il n'y a pas forcément de longues possessions. Mais comme tu l'as dit, Charleroi ne s'est pas créé d'occasion vraiment franche. Bernie pour De Bruyne, De Bruyne se retourne, De Bruyne s'est bien vu avec Jonathan David. Regardez la puissance de cette frappe alors qu'il était à 2 mètres du but. Oh là là, incroyable de la part de DNS, encore une fois, qui vient nous montrer. N'oubliez pas. Ouais, surtout qu'il y a 2-3 fois, il se retourne avec De Bruyne, il y a des angles de frappe, hein. Compliqués, mais des angles de frappe, et il arrive à bien conserver le ballon pour aller trouver Jonathan David justement pour faire la passe et puis conclure. C'est vraiment le genre de joueur que Didista teste. J'ai l'impression que c'est un peu la faiblesse de Didista, ce genre de technique de jeu. Ouais, possible, c'est vrai que. Après, ils se connaissent très bien, parce qu'ils jouent souvent ensemble pour s'entraîner également, donc c'est vrai qu'ils connaissent les forces et les faiblesses de chacun. Mais c'est vrai que Didista, je pense qu'il préfère des joueurs qui vont vite vers l'avant, qui. Enfin, toi, où le match est vraiment un peu plus. Vraiment débridé, où il y a des occasions d'aller de deux sens, quoi. De Bruyne qui récupère, c'était pas mal tenté encore une fois techniquement de la part de Charleroi. 21e minute de jeu, c'est déjà 2-0. J'ai l'impression que j'ai l'impression que chaque match était une nouvelle journée. Tous les matchs aujourd'hui nous avons proposé des scénarios où au début il y a quelqu'un qui marque, qui prend l'ascendant. Enfin, en tout cas beaucoup de matchs, et après il y a des discussions qui se fait. Bon, au final, même le match Genk Zult, au final on avait une grosse occasion de Zult en tout début de match, et puis après c'est un peu plus calmé, neutralisé. C'est ça, même le 0-0. Hein. Oui. Après le 0-0, je t'avoue que c'est mon petit point de déception de cette journée. Hein. Après, je pense que les deux joueurs se connaissaient bien et le match nul les a rangés aussi, donc ils n'ont pas forcément pris trop de risques. Probablement, ouais. Ouais, elle est bien vue. Openda qui doit aller la mettre. Oh, quel tacle! Alors, ça, soit ça passe, soit c'est jaune, voire rouge et penalty. Je pense qu'il a osé faire le tacle parce qu'il y avait un autre défenseur plus proche du but, donc il n'aurait pas été considéré, je pense, hein, je peux me tromper, comme dernier homme et il n'aurait pas eu la rouge, toi. Mais c'était ouais, penalty ou but. Donc, S'il a vraiment réfléchi à ça en direct à ce moment-là. Je pense que sur l'écran, enfin, personnellement, après on a un œil extérieur, mais je trouve que ça se voyait que t'avais des défenseurs qui revenaient. Toi. Après, c'est peut-être compliqué à le voir en moi-même, mais en tout cas, c'est une très belle action défensive. Très belle action défensive, et le pire étant que c'est aussi une très belle action offensive de Dista, qui doit au moins lui faire un petit peu de bien au vu de la construction qu'il a pu proposer. Et ici, juste avant, on avait vu la stat qui est apparue de possession. Et Charleroi avait plus la possession statistiquement que Serein, et ça c'est assez étonnant aussi. Serein, habituellement c'est l'inverse. Absolument. Hazard pour Openda encore. Oh, ce ballon a failli revenir dans les pieds de De Bruyne. Heureusement que Serein la récupère. Et là, Manchester City qui s'en va avec Atal. Dommage qu'on n'ait pas. Bah si, j'allais dire, on n'a pas de joueur de Manchester City. Bien sûr que si. On a Kevin De Bruyne. Bah oui. Ah bah oui. Il se sent en confiance avec ce maillot. Ça doit être pour ça qu'il y a deux buts déjà de marquer dans son équipe. Je crois que ça doit être le maillot. Je pense qu'il faut jamais changer de maillot. Voilà. Bamba, le double contact. C'est bien essayé, mais voilà. Malheureusement, en sortie de geste, le ballon va un petit peu loin du pied du joueur, donc il peut pas le récupérer derrière. Pourtant, le joueur n'était pas mauvais pour tenter ce genre de technicité. Witzel, Hazard, et Luke Bakio. Et Luke Bakio, il peut tenter quelque chose ici. On stoppe la course. Contrôle le ballon, il m'a l'air un peu lourd quand même, je trouve, Luke Bakio dans ses contrôles de balle. On le voit quand même souvent, de plus en plus, plus les journées passent, mais je le vois rarement décisif. C'est vrai. On a vu un but marqué, il me semble. Après, le problème, c'est que c'est un des seuls avec Crepa Diata, mais qui est plus difficile à mettre en place dans une équipe, qui a son vrai poste, qui a vraiment 10 de collectif. Donc, ça, c'est un choix, soit tu joues avec un joueur qui a 10, ou par exemple avec un Bamba qui a pas forcément le collectif, mais qui fait le boulot quand même. Ouais.
tout à fait. Après, il y a des gens qui, enfin, il y a des joueurs qui montent également Luke Bakio en joker. Hein. Oui. Donc, parfois, ils font le choix en dehors du collectif de la lignée. De Bruyne, qui, ces enchaînements de crochets de Kevin ouais. De Bruyne. Ah, malheureusement, la passe après qui est un peu moins bonne après. C'est dommage, hein. Une belle série de crochets puis gaffé par une mauvaise passe en plus de Kevin De Bruyne, c'est très étonnant. Ouais, c'est plus sûr, j'aurais plutôt dit l'inverse, surtout que la gestuelle était un peu étriquée comme ça. Poiti, qui ne pourra pas faire la même chose que Kevin De Bruyne probablement, et c'est la fin de cette première mi-temps. On peut dire au revoir donc à Poiti. Plus que probablement. Mais surtout que je me souviens des premiers matchs de la saison, il l'avait laissé, et après il y avait Ichang qui était entré du même flanc, et on voyait vraiment la différence. J'ose espérer pour lui qu'il va retenir la leçon et que Poiti ne restera pas trop longtemps sur le terrain. Ah non, ça c'est clair et net. Du côté de Charleroi, la question ne s'est pas posée. On avait monté immédiatement deux joueurs pour les deux joueurs de club. En fait, les deux équipes ne sont pas trop avantagées par leur club. Non. On n'a pas des joueurs assez consistants. Ouais, voilà. Juste, Poiti, ça va encore, parce qu'il est quand même, il a quand même 86 ou 7 de vitesse. Donc pour un latéral, ça va encore. Il n'a pas des bonnes stats en interception et tout ce qui va avec. Mais au moins, il peut suivre à la course le joueur qui part en profondeur. C'est clair. De Bruyne. C'est un moindre mal, on va dire ça comme ça. Oui, un moindre mal. Attention, attention à Bernier. Intéressant ça aussi, très intéressant. Ouais, il a pas fait sa forcement, pardon. Du moins, Bernier n'est pas encore sorti. Oui, parce que j'allais... Par contre, mais Bernier, il a fait des allers-retours dans le rectangle. Personne n'est venu le chercher, il a proposé une passe. Comme quoi, les joueurs du club, c'est utile. Hein. Un choix gagnant de laisser Bernier sur le terrain. Ouais. Parce que le pire étant que s'il ne contrôlait pas Bernier, je pense, dans ce scénario de jeu, jamais ouais. Il fait ça. Il tente quelque chose de plus technique. Oui, ça, ouais. Je pense qu'il a vu, enfin ouais, il joue avec Bernier qui peut pas forcément faire tout et n'importe quoi, donc il a joué assez simplement en soi. Il s'est juste gauche-droite et puis après il s'est ouvert le but, passe en retrait, une belle conclusion. Est-ce qu'on pourrait dire Bernier donc homme du match de cette rencontre? Voilà, en tout cas, pour vraiment, en tout cas il a fait son job. Il a fait beaucoup plus que son job. Et puis maintenant apparemment j'ai l'impression qu'il sort, donc voilà. Il a fait son petit assist. Et après il a suivi les applaudissements de la foule en délire. Voilà. En tout cas, du côté de Charleroi, par contre, ça devient vraiment compliqué. Le 3-0 sera terriblement en forme. Hein. J'ai l'impression, du coup, dans ces derniers matchs, disons qu'il lui manquait simplement son début de compétition pour l'instant, qui a été plus difficile. Et on va voir ce que Charleroi pourra montrer. Il reste encore 30 minutes. C'est 40, pardon, même. C'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible. Enfin, c'est compliqué, mais c'est possible. On connaît les qualités offensives de Charleroi. Après, il risque peut-être d'être un peu influencé par les matchs joués contre Penn où il avait tout donné offensivement et il s'est pris un 7-2 derrière qui a dû probablement être assez difficile à vivre. Et puis on voit que Sora aime bien faire circuler le ballon aussi, donc je pense qu'il y a un gros pressing du côté de Charleroi. S'il arrive à s'en sortir, après il y aura pas mal d'espace derrière. Ouais. Chong qui a fait une roulette en deux temps, qui compte, c'est son stop and turn ici. Et vient chercher Tielemans. De Bruyne, Tielemans. Là évidemment maintenant Serein va pas se faire prier pour aller de l'avant. Hein. Oui, ça il gère le score pour le moment, et s'il y a une ouverture il mettra un but mais sans plus, hein. On n'a plus de raison d'aller. Enfin vraiment l'écart de 3 buts c'est l'écart que tu veux avoir dans un match. Hein. Oui, et puis il y a pas mal beaucoup de respect entre les joueurs aussi, toi, donc je pense que. Sauf si vraiment il part seul au but, il va pas forcément faire exprès de rater, mais je pense qu'il va pas. Il joue pas exprès pour essayer d'en mettre 10, toi. Oui, je comprends. Openda. Openda. Openda encore. Et la récupération de Chong qui temporise bien. Il va pouvoir changer de transversale peut-être. Non. Pas de transversale. On tente de conserver le jeu sur l'aile droite. J'avais un meilleur mot qui me venait à l'esprit, mais je ne le retrouve plus. Concentré, voilà. Je voulais dire concentré sur l'aile droite. De Bruyne. N'hésitez pas à un cours de lexique avec Guillaume Beckmann et Xavier Izzy sur Eleven Sport. On voit quand même des belles transversales. Oui, des belles transversales, tout à fait. Chong. Ouais, bien vu. Et toute la panoplie technique, il s'amuse un peu pour le moment. Bah oui, maintenant, l'idée c'est de montrer un petit peu toutes ces qualités également. Après, c'est agréable à l'écran pour le spectateur neutre. Oui, après, ce qui sera agréable, c'est de voir aussi des buts, Xavier. Oui. Parce que là, bon, c'est bien gentil de faire des gestes techniques, mais n'oublions pas que le ballon est conservé au milieu de terrain. Oui. Après, il n'y a pas de pressing côté Charleroi. Ah, ça commence à aller un petit peu mieux, j'ai l'impression. Attention à cette passe en profondeur
aussi qui pouvait être potentiellement dangereuse, mais Traoré est très tranquille. Hein. Pas de danger, hein, mis contre le camp de Serein. Voilà. Aucun danger. Hein. Et on sait que ça peut aller très très vite. Hein. Les goals peuvent s'enchaîner, donc s'il n'y a pas de pressing, bah, comme on l'a vu avec le cercle là aussi, hein, qui a très bien gardé le ballon. Tout à fait. Même s'il a quand même. Il s'est fait peur un peu. Oui, hein. En fin de match. Le stop and turn, c'est parce qu'il n'est pas cancel pour Chong. Qui va se retourner encore. Est-ce qu'il va tout faire techniquement tout seul? Avec Jonathan David maintenant. Bamba, la frappe de Bamba arrêtée par le tacle de Koulibaly. Et la négativité, on peut le dire, de Florian Van Damme en même temps. Il a peut-être un peu résigné. Bah. Au vu de son début de compétition et de manière générale du scénario du match. Après, ça peut aller vite encore une fois. Enfin, on l'a vu début de saison, on disait que c'était pas terrible, qu'il n'avait pas beaucoup de points. Puis, ok, c'est son remplaçant qui a joué, mais ils ont pris des. Charleroi a pris des points. Et au final, avant les deux matchs qu'il a joué aujourd'hui, il était quand même 10ème à 2-3 points du top 8. Donc, à l'heure actuelle, vu qu'on ça fait quand même qu'un tiers de la compétition, bah, tout peut aller assez vite. Non, c'est vrai. Il suffit d'une ou deux victoires pour vite regagner des places et potentiellement espérer un top 8. C'est vrai, mais il va falloir trouver aussi ces victoires. Oui. C'est que Didista a une situation aussi un peu plus complexe, hein, d'un point de vue jeu. C'est aussi le cas de DNS d'ailleurs. Openda, la transversale. Aïe, aïe, aïe. C'est pas terminé, l'occasion est toujours pour Charleroi. Ouais. Ça résume bien en fait, pour le moment, toute la compétition de Charleroi. Tous les matchs, il a eu du mal, du moins Florian, à marquer des buts. C'est vrai. Vous l'avez vu, on a changé de flux au passage. Pour permettre de mieux pouvoir observer cette confrontation. Ah, t'as le théâtre. Et olé, on part en transversale sur Traoré. En tout cas, ça va faire du bien aussi à Serein. Ouais, je porte même mon classement. Il va faire un bah, avec 3 points contre l'AIF. Avec un match de retard. Ouais, ça fait une belle remontée. Avec un match de retard, ça devient sérieusement, sérieusement intéressant. On peut aussi se poser la question de est-ce que Serein restera en Pro League l'année prochaine. Ah, ça on verra bien, il reste encore beaucoup de matchs, mais c'est vrai que pour le moment ils sont pas forcément. Mais t'imagines, DNS arrive sous les couleurs de Serein, gagne l'Pro League et puis ils s'en vont. Ah ouais. Il sera invaincu. Serein sera invaincu en Pro League. Ah ouais, voilà. qui sait. Openda pour De Bruyne. Ouf. Ah ouais, là on a de quoi souffler. Et potentiellement être un peu râleur. Le DNS c'est l'inverse. Ouais, de quoi se détendre. Ouais, je pense que ça va, ce match va se clôturer sur un score de 3-0. Oui. Peut-être 3-1. Je ne vois pas d'autres scores. Non. Eden. Avec Youssef Attal, pardon. Attal encore. En retrait sur Kevin De Bruyne pour Jonathan David. Et l'arrêt d'Arthur Théâtre pour Youri Tielemans et Kevin De Bruyne qui peuvent potentiellement se relancer. On voit quelques joueurs partir, notamment sur les droites ici. On a Chong qui est démarqué. Et ça va être la dernière occasion de ce match. Le temps additionnel qui est donné. Ouf, j'ai cru un drag to drag. On a failli passer un petit pont aussi. On l'a vu. C'est quand même. J'ai envie de le remarquer. On a vu Serein dans tous ces matchs, il était quand même solide défensivement. Moi, j'ai remarqué que, ok, il a perdu des matchs, mais j'ai vraiment l'impression que souvent il y a des grosses occasions et qu'il répondait présent défensivement. Moi, c'est une chose qui me marque un petit peu quand même avec eux. A l'inverse, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un autre constat qui est les complications, on peut le dire, défensives de Florian Van Damme. Alors là, ça s'est clôturé sur 3 buts, mais le problème c'est qu'avant c'était quelque chose qui compensait facilement par rapport à l'offensive. Ouais. Donc c'est vraiment ça, finalement, la grosse différence avec l'année précédente. C'est pas tellement qu'on encaisse moins, non, c'est qu'on encaisse plus. Il n'arrive pas à marquer. Mais c'est voilà, il n'arrive pas à marquer. C'est très bien résumé. Il n'arrive pas à marquer de but, il n'arrive pas à vraiment concrétiser, vous voyez, sur ses frappes et même sur ses occasions, parce que ça manque de frappe en fait. Oui, clairement. C'est vrai qu'ici, il a mis une latte, mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Oui, il y a eu la latte. Il y a eu la latte qui aurait pu mener au 3 buts à 1, mais à part ça, voilà, un scénario un peu plus compliqué pour Didista. En tout cas, il nous reste encore un match. Ne partez pas si vite. Alors, le match est peut-être un peu moins aguicheur, disons, vu que Ostend affrontera Louvain et que les deux équipes sont en bas du classement général. Mais vous seriez étonné de la beauté parfois des matchs de bas de classement, parce qu'ils donnent tout, ça part dans tous les sens, ou à l'inverse parfois ça va nulle part. Ouais, mais je pense que ce sera beau match. J'espère aussi, à tout de suite.
Dernier match de cette sixième journée de compétition. Un match, on vous l'a dit, de bas de classement général et pourtant pourrait honnêtement nous réserver de belles surprises. En tout cas, une victoire ici pour l'un de ces deux clubs pourrait permettre de revenir dans la course. Oui, voilà, c'est deux clubs qui ont vraiment vraiment besoin de points, comme d'autres clubs également qu'on a vu auparavant. Mais ces deux clubs-là, s'ils veulent être dans le top 8, surtout que Louvain, c'est quand même le champion sortant. Enfin, ouais, c'est le club champion sortant, parce que c'est plus le même joueur. Et du côté de Brian, du côté du KVO, ben, c'est un joueur qui a pas mal d'expérience, qui a fait énormément de très très bons résultats à l'international auparavant, donc on attend mieux de lui. Hein. C'est vrai, c'est très très vrai ce que tu viens de dire Xavier, c'est que globalement nos attentes depuis déjà un moment, alors vous voyez hein, c'est Eonel, mais comme on vous l'a dit déjà depuis le début de la compétition, ce n'est pas le même Eonel que l'année précédente, c'était Reynolds Schools à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas. On a plus de difficultés, le sub nous a un peu plus convaincus et encore, donc on a un peu peur justement de potentiellement de ce retour, de voir s'il s'est peut-être amélioré, s'il a pu analyser un petit peu la manière de jouer des autres. En tout cas, sur le papier, on est sur un match assez équilibré, que deux points d'écart qui les séparent. Oui, que deux points d'écart, donc simplement ils peuvent se dépasser l'un l'autre. Mais après, sur papier, c'est vrai que, comme tu l'as dit, que deux points d'écart, mais je pense quand même que Brian, normalement, devrait être un petit peu supérieur et un petit peu favori dans ce match. Ah ouais, bien sûr. Même si on l'a vu en deçà de nos attentes à l'heure actuelle. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Normalement, ça, il devrait tirer son épingle du jeu dans une confrontation comme celle-ci. Et on l'a déjà vu, évidemment, son niveau de jeu et on a déjà pu observer ses qualités. Donc, non, c'est clair. D'un point de vue... Je sais pas si objectif est le bon mot, mais d'un point de vue extérieur, on devrait donner Brian Mouillard favori. Oui, clairement, je pense qu'il n'y a pas forcément de doute là-dessus, mais après, une surprise est toujours possible. Hein. Toujours. Toujours possible. Nous verrons bien, dans tous les cas, ce que cette rencontre nous réserve. Au final, pour le moment, Louvain n'a toujours pas de victoire. Il a 3 points avec 3 matchs nuls, mais il n'a pas de victoire. Tandis qu'Ostende a devait au moins chercher une victoire. Ouais, c'est vrai. J'espère pour lui que sa première victoire viendra aujourd'hui. Après, les matchs nuls de Louvain, c'est pas les mêmes matchs nuls que l'Antwerp. Hein. C'était des matchs nuls où on le sentait à l'inverse de ceux d'Anvers où on sentait aller un niveau de jeu quand même assez élevé. Avec Louvain, on a pris plus de recul par rapport à ces matchs nuls. C'est sûr. Mertens avec Mielo. Ballon est donc pour Ostende qui sera en rouge pour cette rencontre. Rouge et vert comme à son habitude. Ouais, les couleurs traditionnelles du club. C'est peut-être d'ailleurs que, vous savez, à côté des noms d'équipe, on a toujours une représentation des couleurs des maillots qui sont représentés. Ça m'étonne qu'on mette le rouge clair et le rouge foncé, et pas le rouge et le vert. Ouais, c'est vrai. Surtout que c'est quand même assez évident avec le short très visible. Koulibaly avec Fellaini. Tout en noir, évidemment, Louvain. Et la récupération, là, elle va être faite. Dommage. On est un Mertens très rapide sur les appuis, j'ai l'impression, très volatile dans ses débuts de rencontre. Fellaini, De Bruyne. Et on revient sur Fellaini, on va temporiser, tranquilliser un petit peu le jeu. Bon, c'est Daz qui va récupérer et se relancer. On a vu de belles combinaisons justement De Bruyne et Fellaini, mais c'était pas suffisant. Mais dès qu'il y a une passe un petit peu mauvaise, Attention avec Mertens ici qui vient rechercher l'appui de Carrasco qui a failli armer cette frappe. Il va falloir être attentif en défense du côté de Louvain qu'on a vu première occasion et c'est vraiment très très chaud pour l'instant. Ça a été immédiat, Xavier. Oui. Désolé de t'avoir interrompu au passage. Non, pas de soucis. Après, on voit directement l'expérience là. Sur ce genre d'action de stand. Il a attendu un petit peu, puis dès qu'il récupère le ballon, il le récupère, il se projette vite vers l'avant et il se crée une occasion. Vlietink à la récupération de ce ballon. Ça peut encore donner avec Justice Indica là pour Openda. Attention, Mertens, c'est bien vu avec Eden Hazard. Et quelle frappe d'Eden Hazard! Ou plutôt devrais-je dire non en fait. Parce que cette frappe, je pense qu'elle aurait pu rentrer. Il suffisait de la tirer en dehors du gardien de but. Ouais, la frappe était pas forcément terrible quand même. Il était tout seul comme ça, donc il doit faire mieux. Néanmoins, quelle construction! Et là, ça me rassure un petit peu. Une qualité de construction du côté de Louvain. Il faut essayer de concrétiser là-dessus et ne pas encaisser évidemment juste après, heureusement. Mais il est sur la trajectoire. On sent que la faiblesse du côté de Louvain, elle est sur son aile droite. Oui, et on voit quand même le match qui est fort ouvert. Hein. C'est 18ème minute de jeu, déjà 3 grosses occasions, un peu réparties d'un côté comme de l'autre. Mais les deux joueurs veulent gagner et veulent inscrire des buts. Et les deux joueurs également ont leur faiblesse sur l'aile droite. Alors ça veut dire qu'on va d'office concentrer offensivement toutes les actions sur l'aile gauche. Oui.
En tout cas dans la première mi-temps. Mertens pour Openda. Openda qui a voulu retourner le jeu et la passe pour Mertens. Ah, je vous l'ai dit, la construction de Louvain, elle me plaît. Et cette frappe, elle est bien meilleure que celle de Eden Hazard. Oui. Un but à zéro. Oui, au final, bah, il s'est créé des occasions, donc il méritait d'être un but. C'est tout à fait logique. Quelle reprise de volée d'ailleurs, avec l'appui du sol, s'il vous plaît. Oui. Bon, allez la mettre. Un but à zéro, 21ème. On joue Mertens, version glacée. J'ai l'impression de parler de nourriture. Mais... Ouais. C'est vrai que d'habitude, on voit plutôt l'autre version. Version feu. Oui. Bah, il me semble, hein. J'ai rapidement vu sa carte s'afficher comme vous sur l'écran. Mais j'avais l'œil ailleurs avant de retrouver cette analyse. Mille en retrait sur De Bruyne. C'était pas loin. Et Eden Hazard pour Kevin De Bruyne à nouveau sur Fellaini. La belle passe pour Jesus Sakilika. J'ai vraiment l'impression qu'Ostend joue bien, mais malheureusement c'est toujours la dernière passe. Il essaye de faire une passe un peu trop risquée, toi. Mmh. Et donc il manque un petit quelque chose pour qu'elle passe. Ouh, il se retourne bien, Eden Hazard. Oh, il se retourne très 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 bien. Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué de ne pas avoir voulu repiquer sur l'intérieur, pardon. Très belle réalisation. Et le tir premier poteau, il est cohérent, ouais. L'expérience de Brian aussi. Ouais, ça, il s'est ouvert le but tout simplement avec le geste avec Eden. Absolument. 1-1, match. Je vous l'ai dit, assez enflammé, c'est pas le bon mot. Ouais. On sent qu'il y a une braise, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est en feu. Non, voilà. Oula, attention aux combinaisons entre Théâtre et De Bruyne. Mais c'est le genre de match où on le sent qu'on peut tendre un 3-3, un 3, enfin, un match avec beaucoup de buts. Oui, absolument. Et c'est pas deux équipes qui font tourner énormément, qui défendent très bas, donc ils sont vraiment faut que je marque et fort porté sur l'attaque. Les deux veulent marquer les 3 points. Voilà. Ils doivent se dire, s'il y a des matchs que je peux remporter, c'est ceci. Des deux côtés. Oui. Mertens, De Bruyne, Mille. À nouveau vers De Bruyne qui va revenir potentiellement dans l'axe. Ce ne sera pas fait. On va rejoindre Mille pour, encore une fois, Mertens. C'est trois joueurs qui jouent ensemble pour l'instant. Et on va aérer un peu le jeu sur la défense. Mais on concentre une nouvelle fois le jeu sur l'aile gauche. C'est évidemment un choix volontaire. On n'a aucune envie d'aller faire une transversale et partir sur les droites, vu qu'on n'a rien sur les droites. Non. Finalement, le choix va être fait quand même d'aller chercher Capone. Fellaini. Et non. Après, là, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre d'action. Ils font tourner Ostend. Enfin, Brian, il fait tourner du côté d'Ostend. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a pas de solution. Et j'en ai marre de faire tourner. J'essaye une passe improbable. Et puis, on verra bien. Ouais. Parce que là, ça passe appuyé à travers toute l'équipe comme ça. Jamais elle passe. Non, c'est clair. Petite question, Xavier. Capone ou Capon? Capone. On est d'accord. J'avais un doute. Parce que je connais pas sa nationalité. C'est un Belge, mais néerlandophone. Parce que je me disais, si. Enfin, dans tous les cas, ça pouvait être un Français. Et en général, si ça avait été un Français, j'aurais. C'est Break Capone. Ok. Merci beaucoup, Xavier. Toujours solide hein, pour ce genre de choses. Ouais. Je pense que le championnat de Belgique, je le connais bien. Ouais, je pense que tu le connais bien pour des raisons diverses et variées, n'est-ce pas? Voilà. Fellaini pour Blitink. Sur les droites. On revient sur à nouveau Sekidika, c'est pas mal avec Openda, le tacle de Théâtre et le tacle de Melo derrière. Mertens en retrait sur Openda et le tacle de Koulibaly. Ça se relance sur la droite, ça va être dangereux, ça va être pris par Mertens. C'est avec Melo qui va pouvoir dégager peut-être. Grosse prise de risque là. Ouh là là, attention, Fellaini. Fellaini avec Eden Hazard, la profondeur et ça va être but ou pas. Openda, le ball au roll de trop. Le râteau qui ne devait pas exister, Xavier. Non, après ici, je pense qu'après c'est un peu trop long. Ouais. Hazard, De Bruyne. De Bruyne pour Carrasco. La profondeur sur les droites avec Daz. Et Daz qui va pouvoir passer et qui va faire son travail avec Carrasco maintenant. De Bruyne va pouvoir frapper là-dedans. Compliqué d'enrouler au bon endroit, mais il y avait de l'idée. Ouf, j'avais pas vu les 45 minutes de jeu. Je me suis fait avoir là-dessus. Une mi-temps donc de jouer dans cette confrontation entre Louvain et Ostend sur un score pour l'instant de parité. Finalement, un score plus ou moins logique à la mi-temps. Oui. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés, mais pour moi, il n'y a pas forcément une des deux équipes qui se détache vraiment par rapport à l'autre. Donc, et je pense que la deuxième mi-temps va être plus ou moins similaire. Parce qu'on l'a dit, hein, dit et redit, les deux joueurs ont besoin de 3 points, donc ils vont jouer offensif et ils vont se créer des occasions. C'est clair. C'est clair et net. On aura une seconde mi-temps sûrement encore assez explosive. Ouais, j'espère juste que le score final du match ne sera pas
ne viendra pas justement d'une erreur comme on a pu le voir la grosse occasion juste avant de Louvain avec la petite passe en Ouais. retrait. Voilà. J'espère que ça viendra d'une action normale et assez classique. Surtout qu'on a eu beaucoup d'occasions un peu comme ça. Un peu. Un peu gag, on va dire ça. Oui, Voilà. je sais pas si gag c'est le bon mot. Mais je serais pas l'expliquer. En tout cas, des buts qui sortaient un Mais peu des codes. ouais, voilà. Après, si je pense que c'est un peu un excès de confiance dans la Attention à passe. Tchong, ah, c'est bon, je te laisse C'était terminer. ouais, c'était peut-être un excès de confiance dans la passe pour la relance de stand. Tchong le râteau, vient chercher Jonathan Bamba. Bamba encore, Fellaini, Koulibaly et la transversale pour Mille avec De Bruyne. On va sûrement encore changer d'aile. Maintenant, on va avoir des transversales tout le temps. Ouais. Ça va être l'inverse. On va vouloir jouer sur les deux ailes en même temps. Et en particulier sur l'aile avec les Oui, joueurs en jeu, ça va ouais, en bien. rentrant. Est-ce que tu penses que. Ouais, non, ma question elle est même pas utile. On y répond à moitié dans la mi-temps. J'allais te demander si tu penses qu'on aura un but soit rapidement ou tardivement dans ce match. Tu vas me répondre rapidement, je suppose. Non, en fait, honnêtement, tout peut arriver. On le voit que les deux équipes, elles se créent des occasions. Défensivement, elles sont pas forcément hyper solides. Il y a quand même Ils encaissent pas énormément de buts, mais on voit que c'est quand même un peu plus fébrile que d'autres équipes qu'on a pu voir auparavant. Alors, je pense que voilà, un coup peut vraiment tomber n'importe quand et c'est vraiment dur de savoir si c'est en début ou en fin de match. C'est clair. Que dehors, défensivement, ils sont pas au top et offensivement, ils font quand même aussi beaucoup d'erreurs, toi. Donc, je sais pas si on va dire l'action parfaite entre guillemets va arriver maintenant. Voilà, toi comme ici, toi. Bamba, c'est la deuxième fois qu'on donne un ballon à Louvain. Il faut concrétiser. Et ce sera fait avec les points levés du côté de Lionel. Mais quelle erreur! Quelle erreur Mais c'est la monumentale! deuxième, hein. Ah, mais là, celle-là est encore pire que la Mais première, hein. c'est ça, toi, donc tu peux même analyser tout ce que tu veux. Si les deux joueurs, il y a des lacunes, offensivement, défensivement, et là, tu vois, c'est un goal offert, complètement. Ah là là. Ah là 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 là. Je suis un peu déçu du coup parce que finalement, peu importe qui va gagner ce match, on en arrivera avec la conclusion qui est. Ils ont pas le niveau pour. Ouais, il y a un goal qui a été offert et que. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Le tacle joliment fait ici aussi. Tchong. Tchong dans son débordement. Le râteau se retourne bien. Vient chercher Youssef Attal. Profondeur à droite. Elle peut pas être donnée en position d'orge au moment de la sortie de ce râteau. L'avantage aussi d'avoir Attal sur l'aile, c'est que tu peux beaucoup tricoter. Ouais. Et puis qu'il est aussi à l'aise pied gauche que pied droit. Aussi. C'est pour ça que des fois on le voit au défenseur gauche et des fois au défenseur droit parce que ça ne change pas grand-chose. Ce que tu allais me dire en buteur. Eden Hazard, la frappe d'Eden Hazard sur Thibaut Courtois. Ce serait même pas des. Alors, trois tirs d'Eden Hazard, ça va booster les stats. Mais Pourquoi? malheureusement. Pourquoi il fait pas une passe en retrait? Ah Pourquoi? oui. Ça avait peu de chances de rentrer, Voilà, enfin selon là, sans vouloir être méchant, Courtois il va pas disparaître quoi, toi. T'es au premier poteau, l'angle il est hyper réduit. Le gardien il est sur le poteau, le ballon C'est sûr qu'on n'est pas dans un jeu de combat là? il peut pas passer, toi. Bon. David, avec Carrasco et dans la récupération de Melo, mais t'as raison. Hein. On a voulu insister sur un schéma de jeu qui ne pouvait que très difficilement être conclu. Hein. Voilà. En tout cas, on a vraiment. Allez, j'attends encore mieux de ces deux joueurs. J'attends de voir des occasions qui vont être vraiment provoquées par leur niveau Ouais. respectif et avec une défense malgré tout qui soit bien compacte des deux côtés. Parce que même ici la récupération, c'est qu'il fait une passe et elle, heureusement le ballon revient dans ses pieds et peut relancer son coéquipier, mais de base il fait une mauvaise passe. C'est même pas la défense qui a agi, là c'était la défense automatique. Carrasco. Carrasco pour David en position de hors-jeu. Ça s'est joué de peu malgré tout. Ça s'est joué de très très peu. Ouais. Les changements tactiques évidents et habituels également. C'est le moment de les faire. Nous sommes à la 70e minute du jeu. Le temps de repos, aussi bien pour vous, pour nous que pour eux. Ouais. Vont-ils nous surprendre dans ces 20 dernières minutes? Ça m'étonnerait quand même, hein. Ça m'étonnerait quand même beaucoup, hein. Je pense aussi, mais bon. En tout cas, pas au niveau des changements tactiques. À la limite, oui, dans le jeu, je l'espère, mais au niveau des changements, je pense qu'on reste sur du classique, hein, au vu de ce que j'ai remarqué. En plus, dans un match comme ça, on va jouer plus offensif du côté de Stand, un peu plus défensif du côté de Louvain. Chong.
Five turn, on va. Oh, pas mal avec Fellaini. Avec Fellaini, ouh, il y avait deux joueurs de Louvain. Hein. Et regardez la défense d'Ostende qui, directement, on le voit au changement tactique, est beaucoup moins présente. Ouais. C'est un 4-2-4 là où je rêve. Ouais, et puis là, enfin, c'est quand même une occasion où il doit faire 3. Hein. Ouais, attention à De Bruyne. De Bruyne qui pousse le ballon un petit peu trop loin. Ça va être récupéré par Ostende. C'est fait pour Attal. Avec Hazard, De Bruyne qui pouvait armer une frappe, il ne le fera pas, il va tenter d'aller chercher David qui a voulu feinter pour passer Arthur Théat. Ça n'a pas fonctionné, on est reparti avec Jonathan Bamba qui ne peut donner le ballon à personne, qui va donc déborder tout seul en rapidité face à Koulibaly qui assure un rôle de défenseur latéral droit ici. Et il va bien le faire. Très bien même. Oui. Fellaini. Avec Attal. En fait, au final, j'ai l'impression que dans ce match, la plus belle action, c'est quand même le but de Ostende, j'ai l'impression. Mm-hmm. David avec Eden Hazard, David encore, ouh, chouchou. La frappe aurait pu être pertinente. Bamba. Loin devant. Avec Koulibaly et De Bruyne, et l'autre De Bruyne qui vient quasi intercepter la passe de son homonyme. Ça devient compliqué. De créer des occasions. Chong, ah, peut-être ici avec Louvain. Chong dans le rectangle, la fin de Chong, c'était pas le bon choix. Hein. On avait en plus un terrain d'avance, je suis presque sûr qu'ils sont en fin de pas. Ouais, je pense que s'il fait la passe avant de faire sa fin de frappe, le ballon il passe. Ouais, c'est très possible. On a demandé de sortir ce ballon en touche du côté de Louvain, on l'a fait volontairement, je pense. On veut faire encore un ou deux changements tactiques. Une composition défensive qui est finalement 4-2-3. Hein. Oui. Ce qui n'est pas spécialement si défensif que ça. Enfin, c'est une formation équilibrée quoi. Ouais, voilà. Après, ça te permet de facilement faire tourner le ballon également. T'as deux milieux défensifs, donc c'est pas trop mal non plus pour garder le score. À peu près tout le monde joue avec deux milieux défensifs, hein, de toute façon. Enfin, deux MC en tout cas. Jonathan David en retrait, bien vu. Sur de une avec Fellaini. Fellaini pour Carrasco. Oh là 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 là. Ah, la frappe de Carrasco à terre, c'était peut-être celle qui aurait pu créer le décalage. Mais on a quand même cru au 2-2 sur cette action. Ça se relance très vite avec Chong. Chong pour De Bruyne. De Bruyne encore. 88ème. Est-ce qu'il va tenter de temporiser dans le milieu de terrain? On attend du pressing de Brian Mouillart. C'est compliqué. Ah ouais, je le voyais venir celui-ci. Ouais. David Hazard. Hazard, Eden Hazard. Ouf, 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 ouf. Ça c'est méchant. Jaune. Ouais, jaune. Jaune pour Attal. Alors qu'on a un joueur qui fait son échauffement ouais. sur le tireur de coup franc. C'est original. Il donne des consignes. Oh, oh là 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 là, ce qui a failli se passer. Oh, cette tête renversée de la part de Chong. On était très proche d'un sursaut là, Xavier. Ouais. C'est vrai qu'on a vu l'égalisation. Malheureusement, pour Ostende, Louvain s'impose 1-2. Louvain s'impose 1-2 et ça lui fait une sacrée montée. Ouais, voilà, et sur une offrande du KVE. Ouais. Oui, parlons-en. Parlons-en. Parce que je le vois, je le ressens que tu es resté bloqué à ce match-là. Bah en fait, c'est moche parce que on l'a vu sur les deux joueurs, c'était vraiment un match équilibré. Je ne vais pas dire bon ou pas bon, mais vraiment un match fort équilibré. C'est malheureux que le résultat d'un match tombe sur un fait de match comme ça, sur une grosse erreur. Une grosse erreur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, même dans un autre match. C'est moche quand la décision finale tombe là-dessus. Récapitulons sur l'ensemble des matchs qui ont été joués. Alors, avant même ce classement que vous voyez ici, nous avons un match entre Saint-Tron et Charleroi qui s'est soldé sur un score de parité 1-1. Ensuite, nous avons eu la victoire d'Anderlecht 3-1 face à Eupen, la défaite du Standard de Liège face au Cercle de Bruges 3-4, le match nul entre Zult et Genk, ce qui a été en fait le seul match nul de cette rencontre avec Antwerp Union Saint-Gilloise 2-2 un peu plus tard dans la journée. Courtrai a emporté face à Saint-Tron 3-1, Malines a perdu face au Berscott 1-2, la victoire également de Serein face à Charleroi, une victoire importante pour cette équipe 3-0, et enfin la victoire tout aussi importante de Louvain face à Ostende 2-1 à l'instant. En tout cas, de belles choses pour pas mal d'équipes de ce classement. Ouais, de belles choses, c'est pas mal de mouvements au niveau du classement général. On peut le voir ici avec notamment maintenant deux leaders, Genk et Anderlecht, avec une très belle prestation anderlechtoise ce jour-ci. Et Genk qui a été assuré le match nul face à Zulte Waregem en 4e position. Le Standard de Liège est 3e. Et puis derrière, nous avons 4 équipes avec 10 points, ce qui engendre un certain trou avec le reste, Xavier. Ouais, c'est vrai qu'il voilà, y a le top 8. Il faut 10 points pour le top 8 à l'heure actuelle. Et puis après, c'est vrai que Courtrai reste plus ou moins en embuscade. Hein, et
comme tu l'as dit, Sora fait une belle remontée, qu'au final il est plus qu'à 3 points du top 8. Deux choses à noter, également que la Gantoise et le club de Bruges ont un match de moins, ce qui veut dire que potentiellement ils pourraient être à l'échelle de Genk et Anderlecht à ce stade. Et la deuxième chose à noter, c'est que du côté de Malines, on est toujours autant en danger. Au final, maintenant il a 3 points de retard sur l'avant-dernier, donc il arrive pour ne pas finir dernier dans cette compétition-là, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, parce qu'il n'y a aucune équipe, en fait, il y a tellement un niveau qui est assez élevé, je trouve, dans cette compétition, qu'il n'y a aucune vraiment équipe qui est lanterne rouge comme on aurait pu l'avoir l'année précédente, notamment avec Boissan Nicolas. À part Malines. Malines qui n'y est vraiment, vraiment pas du tout. Un petit mot pour terminer cette journée. Je pense que c'était une bonne journée avec pas mal de bons matchs, des résultats un peu surprises. Pas mal de buts quand même, mine de rien. Donc au final, c'était une chouette journée comme d'habitude. Une très très belle journée, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis, peut-être depuis le début, peut-être depuis quelques derniers matchs. C'est un plaisir de suivre tout cela en votre compagnie. Merci à tous ceux qui travaillent à l'extérieur de tout cela, dans la régie, dans les oreillettes. On vous parle, on vous écoute, on vous entend. Et on espère que eux aussi ont profité de ce moment, parce que bon, ils travaillent derrière, autant profiter, autant s'amuser de ce cast et de ces matchs de manière générale. Xavier, tu t'en doutes, merci beaucoup. Avec plaisir, Guillaume. Merci pour ces analyses. On se retrouve très très bientôt pour la suite de cette compétition. Nous approcherons bientôt, dans 2-3 journées, de la moitié. On pourra commencer à se poser potentiellement des questions, on peut le dire, sur où on en est vraiment dans cette compétition, qui sont les réels favoris. En tout cas, on le saura très bientôt. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. À bientôt.